techniciens du ciel sont les premiers concernés. Aujourd'hui, c'est l'un d'eux, le capitaine Uwe Stahl, 17 000 heures de vol, qui rouvre le dossier. Le 4 janvier 88, le commande du vol suisse Air 125 de Basilea. C'est le copilote, avec le nom Kriki Wittmer, il me dit « Regarde à gauche ». Sur ce moment, je regarde à gauche et on voit quelque chose tomber dans l'air comme une étoile avec beaucoup de lumière. Et à ce moment, on regarde le 3, aussi le flight engineer, Peter Fischer, on regarde et c'est l'étoile, on croit que c'est une étoile, mais ce n'est pas possible, c'est la vitesse. Il descend doucement et à l'horizon, il fait comme ça, un peu à gauche et à droite, à gauche et à droite. Et l'exceptionnel, à ce moment, ça monte encore à la même position. Et toute l'histoire, c'est plus que 30 secondes. Est-ce que dans d'autres vols, vous aviez vu des choses semblables? Non, rien du tout. J'ai vu beaucoup de fois des étoiles tombent et c'est quelque chose de différent. C'est seulement une petite lumière qui tombe et après c'est fini. Donc pour vous, qu'est-ce que c'était finalement? Pour moi, c'est un objet spécial et c'est quelque chose de différent. C'est pas normal. Vous-même, vous avez parlé déjà avec des pilotes militaires de ces choses? Oui, j'ai déjà parlé avec des pilotes militaires américains, spécialement en Alaska. On me dit beaucoup de choses passées là. Mais c'est pas permis pour les pilotes de discuter tout. Donc d'après vous, les pilotes militaires, ils savent des choses, ils ont aussi fait des observations comme ça, ah, oui, et ils n'en oui, parlent pas? Oui, oui, oui. Et ça, vous êtes sûr de ces témoignages? C'est crédible selon vous? Oh oui, je suis, oui, c'est ça. Les questions, tout le monde se les pose, nous inclus, mais je crois qu'on n'a vraiment aucune réponse concrète à donner. Et en tout cas, il n'y a pas de mystère, il n'y a pas, disons, de phénomène caché particulier, mais simplement, très vite, pour certains rapports qui nous sont faits de la part du public, on se rend compte qu'il n'y a effectivement rien, sinon des phénomènes tout à fait plausibles qu'on connaît, du côté peut-être d'exercices militaires de nuit, du côté d'événements météorologiques assez spectaculaires, mais au-delà, il n'y a encore rien eu de grandiose à signaler. J'étais sur DC-10 par exemple, 7 ans, dans les tropiques, j'ai vu toutes sortes d'orages, j'ai vu des tirs militaires, j'ai vu des avions militaires qui ont tombé, des parachutes avec des flashs, jamais quelque chose comme ça, jamais. Je ne peux pas dire qu'est-ce que c'était. Cette question, le capitaine Schmidt se la pose depuis le 17 avril 77. À bord du vol Bâle Amsterdam, il est ébloui par un flash au-dessus de Luxembourg. Sur les radars de Maastricht, aux Pays-Bas, on a aussi détecté quelque chose. On était à 9300 mètres. Maastricht nous a demandé à regarder avant une heure. C'est à droite. Il a dit qu'il voit quelque chose sur son écran. Dans une distance de 15 nautiques, c'est environ 30 km. Quelques secondes plus tard, j'ai vu là sur l'écran, à une distance d'environ 15 nautiques, 30 km, avec une élévation de 3 degrés, deux échos. J'ai dit à Maastricht, et Maastricht a raconté qu'il voit maintenant aussi deux échos. Un moment plus tard, tous les trois ont vu un grand flash, lumière chaude, lumière jaune, bam, comme néon ou un flash de photo dans une distance difficile à juger, 30-50 km devant nous à droite. Ensuite, Maastricht nous a raconté que cet objet est parti en direction nord et revenu avec une vitesse 4 à 5 000 km à l'heure très vite. Il a finalement s'est stabilisé à 3 nautiques à droite, 45 degrés, selon Maastricht toujours, à 3 nautiques, c'est 5 km seulement. Entre-temps, nous avons pris les écouteurs comme ça, nous avons regardé à droite, un moment plus tard, un flash immense devant nous. J'ai jamais vu une lumière comme ça, très vite, très grand. Dans l'écouteur, on n'avait pas de statique, rien du tout. Maastricht nous a dit que cet objet part maintenant derrière nous et pour les prochaines minutes, il est parti en direction sud très très vite. À l'époque, il a utilisé aussi avec une vitesse d'environ 4 à 5 fois la vitesse du son,
J'ai vu un rapport maintenant de cette contrôleur qui a dit que c'était probablement le double. Ça veut dire 10 000 à 12 000 km à l'heure environ. Cet objet est parti, direction sud, revenu, parti de nouveau. En anglais, il a dit « it's like choking with you ». Ça veut dire « jouer avec vous ». Exactement, oui. Toujours chez les pilotes, on nous a communiqué ce document de Nippon TV qui rapporte qu'un Boeing 747 de la Japan Airlines a été poursuivi par un OVNI au-dessus de l'Alaska le 17 novembre 1986. Selon le capitaine Teraoshi, la poursuite a duré 50 minutes. Avec l'équipage, Nippon TV a monté une simulation. Paris-Tokyo, 5h10 de l'après-midi. Le pilote voit tout à coup une lumière orange. La tour de contrôle d'Anchorage ne voit rien à signaler. でその目の前に来てみたのを見るとですね、こう正方形をしていて、両側にたくさんの噴射口みたいなものがあって、そこからあの光を吹き出していた。そしてあの顔がですね、非常に熱く感じた。あ、それ僕も読みましたよ。ですからなんかこう吹き汗みたいなものがこう来てたんじゃないですかね。でそれがだんだん遠ざかって見えなくなってしまって、それからしばらくしますとですね、今度2つの白っぽい明かりがですね、あの先ほどのオレンジだったんですけども。ずっと近づいてきたって言うんですね。で再びアンカレッジのピントセンターに聞いたんですが、JAL 機以外には何もレーダー映ってないと。で機内のレーダーには映ったんですね。それでしばらくこう飛んでいきます。その目の前の光があるまま飛んでいったんですね。そしたらそのフェアバンクス市の上空に来た時にですね、フェアバンクスの街の明かりをバックにうっすらとそのシルエットが浮かび上がったのを見て、ペラシス長が仰天したというのが、ジャンボ機の20倍から30倍ぐらいの大きさがあった。それがずっとついてくるので、ですね、なんとかこれを振り切ろうというので、上空を何回か旋回したんですね、その間、ずっと後になり先になりついてきていますね、空港センターに F の方がですね、F15 戦闘機をそっちへ飛ばそうかと言ったんですけど、手打ち機は危ないからと断ってるんですね、その後ですね、ちょうど6時ごろ、その巨大な UFO のそばに、ちょうどね、ユナイテッドエアラインズのジャンボ機が近づいてきたと思ったら、その巨大な UFO の方はスーッと瞬間的に消えた。Dans l'armée suisse, on ne fait pas d'enquête dans le domaine des UFO. Et il n'y en a jamais eu non plus ? Il n'y en a pas eu jusqu'à présent, non ? Le public croit parfois qu'il y a des enquêtes en cours, mais secrètes, qu'on cache quelque chose. Non, on cache rien dans la Suisse. Dans ce domaine. Pourtant, nous avons retrouvé des documents des services de renseignement de l'aviation militaire consacrés aux ovnis. Ils prouvent qu'il existait un service spécialisé, en tout cas dès 1955. Il est en effet exact que nous recueillions et étudions depuis des années les informations concernant des objets volants inconnus. Encore actuellement, l'armée dispose de questionnaires ovnis spécialement destinés à recueillir les témoignages. Aujourd'hui, en possession de ces pièces, nous avons reposé la question au porte-parole du département militaire fédéral. Tout objet non identifié intéresse a priori les militaires, puisque tout objet non identifié peut constituer un danger, que ce soit du point de vue militaire ou que ce soit du point de vue civil. Si vous avez un objet non identifié en train de se diriger vers une agglomération avec une forte population, évidemment, ça vous intéresse de savoir de quoi il s'agit. Maintenant, l'armée est a priori tout à fait ouverte à toute forme d'observation et l'armée entretient d'ailleurs des contacts très étroits avec des gens qui lui signalent des observations qui peuvent à la rigueur toucher à des ovnis qui nous préoccupent actuellement. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est que ces observations dont on vient de parler sont répertoriées, enregistrées, classées par le service de renseignement des troupes d'aviation et des DCA qui font ce travail. J'ai fait une observation et j'ai vu un engin donc, qui était noir comme un sac de charbon mais qui pouvait avoir peut-être 100 mètres de longueur, qui a traîné donc très bas, donc à basse altitude, et qui s'est perdu dans les Alpes valaisannes. Alors quelques instants après, il y a deux bonhommes qui venaient chercher, que je pensais qu'ils étaient emmenés donc, par le système Florida d'observation. On voyait très bien qu'ils cherchaient quelque chose, mais voilà. L'objet qu'ils cherchaient était déjà longtemps disparu dans le sud.
Selon l'agence télégraphique suisse, en 87, 110 observations d'OVNI ont été recensées en Suisse. Avec 79 cas, le Tessin vient largement en tête, loin devant Berne et Vaud, 14 et 11 cas. D'autres phénomènes ont été relevés à Genève et Neuchâtel. Brigadier, si on vous signale un OVNI dans l'espace suisse, qu'est-ce que vous faites ? Bien, notre responsabilité consiste à assurer la sauvegarde de cet espace aérien. Dans la mesure où des objets non identifiés y sont suspectés, nous intervenons pour les identifier. À votre connaissance, y a-t-il déjà eu des missions de ce genre ? Oui, très fréquemment. Reste à s'entendre sur ce qu'on appelle un objet non identifié. Pour nous, généralement, c'est un avion dont le plan de vol n'aura pas passé par les canaux usuels. Et nous intervenons pour l'identifier, le photographier et, le cas échéant, donner le matériel documentaire nécessaire au gouvernement, au département des affaires étrangères, par l'intermédiaire du département des transports, communications et de l'énergie, pour une protestation diplomatique s'il s'agit d'une infraction. L'armée s'intéresse très fortement à ces engins. Je suis persuadé. Mais alors pourquoi est-ce qu'on n'a pas plus d'informations ? Eux, je pense qu'ils ont leur raison, disons, de tenir ça au secret, comme ailleurs d'autres pays aussi. Les États-Unis n'en parlent pas non plus, en tout cas pas beaucoup, l'Angleterre non plus, l'URSS non plus. La France, elle a aussi eu un temps, elle avait une certaine ouverture, parce qu'il y avait des gendarmes qui avaient des feuilles officielles de remplissage, d'observation. Mais maintenant, donc, ça s'est un peu calmé. On voit que tous les pays du monde maintiennent le même silence. Avez-vous toujours pu identifier les usagers de l'espace helvétique ? Oui, à ma connaissance, chaque fois que nous sommes intervenus, nous avons pu procéder à une identification en bonne et due forme. Parce que si au-dessus de notre espace aérien, il se promène des gens avec des moyens tels qu'on ne peut pas intervenir, on ne peut pas les capter, on ne peut pas les prendre en chasse, c'est admettre qu'on est impuissant et on ne veut pas admettre ça. Notre service de renseignement s'occupe de ces cas, mais jusqu'à présent, ou bien ils ont pu être expliqués d'une façon rationnelle, ou alors ils partent dans un domaine qui est parfois un peu parapsychologique, ou alors qui touche à l'inexplicable, avec une constante en général, c'est que lorsqu'on a quelque chose de parfaitement inexplicable, on ne peut généralement pas fournir de témoignages scientifiques ou concrets sous la forme de documents photographiques, de traces ou autre chose. Je connais un cas où même l'armée a fait appel à un contacté pour ouvrir une discussion, où eux-mêmes ont admis d'avoir des connaissances, d'avoir des documents, et entre le contacté et l'armée, il va se faire maintenant un échange. Et ce phénomène s'est passé dans les environs de Lausanne. Tout d'un coup, dans mon rétroviseur, j'ai vu une boule rouge, la grosseur d'une balle de ping-pong, stationnée à environ 1,50 m, 2 m de la voiture. Elle avait la taille environ 10 à 15 cm. Elle s'est mise à se balancer de gauche à droite, venir sur la gauche de la voiture, sur la droite. Et la forêt que vous voyez ici à votre gauche et la campagne, tout s'est illuminé de rouge, ainsi que l'intérieur de la voiture. Et à la hauteur du caillou qu'on voit sur le côté droit de la route, la voiture s'est soulevée et mise en travers. Avant de perdre connaissance, j'ai encore vu la boule rouge sautiller sur la banquette arrière. Et c'est à peu près à environ 30 mètres du bâtiment, comme au loin. Il y a eu comme un flash blanc, et que je me suis retrouvé sur la route. À la suite de cette mésaventure, notre témoin va faire de nouvelles observations. C'était le 15 août 1983. Il était vers 22h30 à peu près. Trois phares jaunes se trouvaient à environ une dizaine de mètres au-dessus de la forêt. Ils ont clignoté environ pendant un quart d'heure, 20 minutes. C'était stationnaire. Moi, j'ai laissé ma femme et ma fille à la maison. Je suis venu en direction de cette forêt, disons, pour mieux voir l'engin. Pour moi, c'était un engin, étant donné qu'il y avait une forme et ces trois phares jaunes qui étaient dessus. Et en arrivant à proximité de cet arbre, j'ai voulu me mettre un peu sur les hauteurs pour mieux observer la chose. Je me suis mis à monter cette côte qui est juste ici. Et lorsque je suis arrivé au-dessus, je me suis trouvé nez à nez avec une énorme demi-sphère de lumière qui avait à la base entre 10 et 15 mètres de diamètre. Je me suis approché, j'ai mon corps qui s'est mis à trembler.
de cet engin, pour moi, qui était un engin, il avait un son sourd qui émettait des vibrations comme un transformateur. Et à un moment donné, je me suis heurté contre carrément un mur de lumière, comme si j'heurtais un mur de béton. Je me suis éloigné 3 ou 4 fois, et les 3 ou 4 fois, je me suis rapproché, je me suis heurté contre un mur. Et au bout de 15 ou 20 minutes, ça a décollé comme un hélicoptère et c'est parti en silence, comme ça, léger sifflement. Début janvier 84, vers 21h30, toujours au même endroit, notre témoin observe à nouveau une demi-sphère lumineuse. Après cette observation, même pas 5 minutes après, deux mirages de l'armée suisse ont survolé l'endroit. Des témoins au sol nous ont dit avoir vu des mirages en patrouille poursuivant, entre guillemets, justement des lueurs. Oui, des lueurs, reste à savoir ce qu'étaient les lueurs, c'était probablement un autre avion. Vous savez, il y a des phénomènes dans l'espace atmosphérique qui sont assez particuliers, qui sont dus à la réfraction des rayons solaires, qui provoquent des éclairages tout à fait insolites et qui sont perçus très différemment selon la situation de l'observateur par rapport à l'objet, mais nous n'avons jamais poursuivi d'OVNI au sens populaire du terme avec des mirages, du moins pas à ma connaissance. Vous-même, personnellement, est-ce que vous avez eu des contacts avec l'armée de l'air, avec l'aviation militaire? J'ai eu des contacts avec l'armée. Mais ils se sont intéressés directement à vos témoignages, vous les avez rencontrés déjà? Ils s'intéressent à mon affaire. Donc il y a des archives qui sont constituées depuis quelle année à peu près? Je ne peux pas vous dire pour la bonne et simple raison que ça touche aux activités du service de renseignement de l'aviation et des troupes d'aviation et que tout ce domaine est secret. Donc c'est des archives qui ne sont pas consultables en l'état? Non. Qu'en pensent les ufologues suisses? Vous avez des contacts officiels avec l'armée sur les observations d'OVNI? Nous avons des contacts, effectivement. Plus précisément avec quelle personne? Il est difficile de donner des noms, mais c'est un service qui collecte les informations, qui recense le tout, car ils sont quand même intéressés. Mais l'armée dispose-t-elle de collections de photographies et de documents précis sur les OVNI? Ils ont effectivement toute la documentation qui est publiée, aussi bien par les journaux que par les groupements qui, eux, envoient des informations. Est-ce qu'il y a des échanges entre les différents services de renseignement du monde occidental sur ces questions? Alors là, une question à laquelle je ne peux pas répondre non plus, ça touche à la sphère d'activité des services de renseignement, et sur cette question, je ne vous donnerai pas de réponse. Si les archives militaires restent inaccessibles, Van Schönbeimstrasse, à la bibliothèque universitaire de Bâle, nous avons retrouvé de nouveaux documents de l'aviation militaire concernant précisément des observations d'OVNI effectuées en Suisse. Je vous prie cependant de ne pas communiquer ce questionnaire à la presse. La bibliothèque conserve aussi l'ensemble de la documentation OVNI accumulée de 54 à 81 par Lou Vinstas, l'égérie du célèbre ufologue Adamski. Entre les innombrables coupures de presse et comptes rendus d'observation, on retombe sur un rapport de pilote suissaire. Célestes restés inexpliqués. Une fois remplis et signés, ils sont centralisés par le bureau des chefs pilotes à Kloten. Des copies sont adressées à 3 ufologues, à New York, à Vienne et en Suisse, à Nathers. L'étude de ces témoignages alimente alors différentes statistiques et une abondante presse spécialisée, elle-même décortiquée par les militaires. En dernier ressort, il nous fallait l'avis des astronomes. Eux détiendraient-ils quelques preuves scientifiques? Mais ils ont des preuves. Mais on a donné l'ordre à certains de ces gens de se taire. C'est-à-dire, on les a même, je ne veux pas dire menacés, mais on les a conditionnés de telle façon de dire, si vous racontez trop là-dessus, ça sera nuisible pour votre situation. Des objets non identifiés dans l'atmosphère ou en dessous de l'atmosphère, il y en a certainement beaucoup. À mon avis, la plupart des observations, sauf si elles sont des canulars, sont objectives. Simplement, quand le phénomène a cessé, si on n'a pas de mesures précises, eh bien, on ne peut pas aller plus loin dans l'exploitation de cette observation. Et il faut l'admettre.
Justement, sur ce fait de ne pas donner de réponse, vous ne pensez pas que vis-à-vis du grand public, ça entretient le mystère et la confusion sur la question des objets volants non identifiés? Je ne crois pas du tout, puisque j'ai tenté de vous l'expliquer. Il y a possibilité de faire part d'observations faites en Suisse par des individus à un service bien déterminé. Et il me semble tout à fait naturel que touchant à une sphère extrêmement importante, mais qui chez nous est du domaine des services de renseignement, je ne peux pas vous dire comment on traite ensuite ces informations, à qui on les transmet, comment on les examine et les analyse. Mais je ne crois pas que cette politique crée la suspicion ou magnifie un phénomène, puisqu'en fait, il y a toujours possibilité de discuter avec des gens compétents du côté militaire de ces questions. Bonjour, les ovnis sont de retour. Lundi dernier, des centaines de personnes en ont vu en France. Sur le plateau de la Grande Famille aujourd'hui, des témoins pour qui les ovnis et les extraterrestres que certains côtoient ont changé la vie. Dans une minute, avec Philippe Vandel, dossier préparé par Jamie Chen et Stéphane Le Goff. Avec comme premier témoignage celui de Monsieur Jimmy Gieux qui, lui, croit aux ovnis et aux extraterrestres, parce que je crois que vous avez vu 4 fois les ovnis. Oui, mais c'est pas ça qui est intéressant. Hein. D'abord, il ne s'agit pas de croire, il s'agit de savoir. Hein, depuis 40 ans, je m'occupe de ces problèmes. Mademoiselle disait qu'elle a eu une position un peu sage, n'est-ce pas, wait and see. Non seulement nous savons, quand je dis nous, je parle des ufologues de pointe, hein, pas des groupuscules. Ufologues. Ufologues. Mm. Ça vient de UFO, OVNI, ceux qui étudient les OVNI. D'accord. De par le monde, il y en vous a pas mal. Vous êtes ufologue. C'est cela, oui. Mais vous croyez à l'existence des extraterrestres, mais comment pouvez-vous m'en apporter la preuve? Bon, voilà, oh, vous avez deux portraits robots, d'après de nombreux témoignages, n'est-ce pas? Et des bases souterraines existent de par le monde et en France.
occupée, non pas par eux, mais par eux. C'est pas moi qui le dis, nous avons suffisamment d'éléments pour être affirmatifs. Mais alors où sont ces bases en France? Bah écoutez, nous avons deux témoignages, l'un qui remonte à 1972 à l'époque, où on creusait les silos du plateau d'Albion, dont on nous dit qu'il va être peut-être pas fermé, mais enfin servir à d'autres choses. Un vieux monsieur à l'époque, qui était bien loin de l'ufologie, a été très surpris un soir de voir déambuler dans le chantier cet être-là. Alors, il en a parlé à quelqu'un qui ne nous en a parlé qu'au début de l'année. Nous avons automatiquement réagi, cherché ce monsieur qui est mort. Mais nous avons un parent de ce monsieur qui a décrit, et ça coïncide exactement d'accord. avec ce portrait. Mais vous, qu'avez-vous vu? Moi, j'ai vu à quatre reprises, notamment un engin parfaitement sphérique. C'était début juillet 1965-66, donc en plein jour. Une sphère de métal, d'apparence métallique, de laquelle tombaient, si vous voulez, deux faisceaux de lumineux courbes qui s'arrêtaient net. Et entre ces deux faisceaux, on avait l'impression que descendaient des feuilles de journaux enflammées. Alors ça, rien de ce que nous possédons terrien ne correspond à cela. Ouais. Bon. Est-ce qu'à votre avis, les extraterrestres sont investis d'une mission? Ben, leur mission, maintenant nous savons beaucoup plus de choses, contrairement à ce que des groupuscules. Vous savez, c'est un panier de crabes, l'ufologie. Il y a les vieux de la vieille. Moi, ce qui m'intéresse, c'est ce que vous pensez. Bon, ce que je pense, ou ce que je sais. Ces êtres sont, d'abord, il y a une trentaine d'espèces. Nous, manque de peau, les humains, nous sommes tombés sur les mauvais. Quand ils ont passé des accords avec les Américains vers la fin 47, début 48... Attendez. Les extraterrestres ont passé des accords avec les Américains. Tout à fait. Et ensuite avec les Russes. Vous savez, on le sait. Comment expliqueriez-vous que l'ensemble des nations, tous se menacent, tous veulent se bagarrer, ou voulaient, depuis un an ça a changé. Mais ils sont d'accord, les chefs d'État, les gouvernements, sur un seul problème. Vous voulez dire que George Bush rencontre les extraterrestres, que Gorbatchev rencontre les extraterrestres et se mettent d'accord? Je ne sais pas s'ils les ont rencontrés. En tout cas, il y a un pont entre les extraterrestres et George Bush et Gorbatchev et les autres chefs d'État. C'est le MJ-12, le Majesty 12, qui est le nom compte d'un organisme planétaire. Tout ceci, évidemment, est étouffé. Et c'est tellement vrai qu'en ce moment, les médias en France essaient de nous faire croire que ce que nous avons vu lundi soir, ces structures, etc., sont une météorite ou une retombée. Alors je voudrais montrer quelque chose. On nous prend pour des imbéciles. Voilà les caractéristiques d'une météorite. C'est rapide, 40 km/s, ce qui fait 2400 km en une minute. Et on a vu ces engins pendant environ une minute et demie, trois minutes. Ne les aisons pas, gardons une minute. Alors, les témoins que j'ai interrogés, qui m'ont appelé, qui m'ont faxé, etc., sont tous d'accord, minimum une minute trente. Vous savez, l'œil, quand on regarde quelque chose entre deux pâtés de maison, et que ça met une minute pour traverser ce champ, ça ne va pas à 2400 km à l'heure. Donc, pour vous, ce n'était pas un météorite. Rien à voir. D'accord. Rien à voir non plus avec une chute d'objet spatial. Vous avez souhaité que votre femme soit à vos côtés, M. Guillot, pourquoi? Elle va vous le dire. Non, pour un petit témoignage, lorsque j'avais 12-13 ans, j'étais en colonie, en Haute-Savoie, je crois, et on faisait ces fameux jeux de piste que tous les enfants font. Et en revenant du jeu de piste, j'étais avec une petite copine, nous étions en short, bien sûr, et en basket, et mon lacet s'était défait, mon lacet gauche. Je me suis baissée pour remettre mon lacet, et à ce moment-là, le fait de plier mon genou... a commencé à sortir de mon genou, je dirais que ça faisait un peu comme un périscope, parce que ça avait le mouvement, ça sortait progressivement sans s'arrêter, quelque chose de long à peu près comme ça, pointu en haut, pointu en bas, mais pointu mais poli, comme très lissé, marron clair, strié de marron plus foncé. Bon, c'est sorti de mon genou à cet endroit. On peut le voir d'ailleurs. À cet endroit-là. Et il y a la marque. Oui, ben, depuis... À cet endroit-là, j'ai une sorte de kyste. On appelait ça, il paraît que ça s'appelle un kyste de rejet. Bon. Et j'ai montré ça à la monitrice. Et
Une chose un peu étonnante, c'est que j'ai eu une peur disproportionnée par rapport à ce qui m'arrivait. Parce que bon, moi, tous les enfants sont griffés, ont eu des petits bobos. Mais je me suis mise à hurler en disant une chose insensée. J'ai peur, il y a tous mes boyaux qui sortent, c'était idiot. Donc il y avait une disproportion entre ce qui se passait et cette petite chose qui sortait. Pour moi, ça ressemblait à une grosse épine. J'ai su bien plus tard, enfin pendant de longues années, j'ai pensé que c'était une épine. Et d'en parler avec Jimmy, il y a eu des témoignages, des lettres que Jimmy recevait, de gens que je ne connaissais et pas, pensez... que je ne connais toujours alors, pas. De quoi s'agit-il d'après vous? On m'a expliqué que c'était un implant, parce que ces gens qui écrivaient, que je ne connaissais pas, que je ne connais toujours pas, que je ne connaissais jamais. C'est un implant qui serait fait par des extraterrestres? Voilà. Et ces gens décrivaient... Dans quel but? Attendez, ces gens décrivaient exactement la même chose que moi. La même proportion, la même épaisseur, la même couleur. Ça se passait à un niveau quelconque de la jambe, généralement c'était à la jambe. Bon. Alors, pour vous répondre, oui, donc un implant, parce que ces gens, bon, évidemment, ont une technologie, puisqu'ils viennent ici, ont une technologie quand même supérieure à la nôtre. Et cet implant, mais là, ça me concerne moi. Pour moi, je vais vous dire à quoi ça pourrait ressembler. À quoi ça pourrait leur servir plutôt. Je dis que ça leur sert à plusieurs choses, à voir, à entendre, à nous repérer où que l'on soit sur le globe terrestre, pour une raison X, ça les regarde, je ne leur ai pas demandé. Vous seriez une sorte ça, de, oui, de balise. De mouchard, si vous voulez. De mouchard. De balise, oui. Parce que quoi qu'il nous arrive, j'ai l'impression que là. Vous avez l'impression qu'ils sont à l'écoute de tout. Constamment maintenant, oui. Alors je n'y suis pour rien, ça m'est arrivé, je ne suis pas responsable, mais je suis victime. Ouais. Mais possible, oui. Moi, c'est ma conviction maintenant. D'accord. Alors on va voir un autre témoignage maintenant, c'est celui de Jean-Claude Ladra. Alors vous avez fait une expérience invraisemblable pour aller rencontrer les extraterrestres, puisque vous avez construit une véritable soucoupe volante et vous avez fait transporter cette soucoupe volante dans le triangle des Bermudes. Vous êtes resté à l'intérieur de cette soucoupe volante que l'on voit à l'image pendant 91 jours. Oui. Vous étiez au bord de la mort. À la fin, oui, j'avais plus de provisions. Ouais, vous faisiez 40 kilos. Oui, oui, j'avais bien maigri. Ouais. Mais pourquoi avez-vous fait ça? En fait, j'ai fait une première soucoupe volante, mais je la considère un peu comme le passé. En fait, je suis actuellement plutôt en train d'en réaliser une nouvelle. Et en fait, c'est venu à suite à une rencontre un peu bizarre que j'avais fait. Alors que j'étais navigateur dans le triangle des Bermudes. Voilà. Et c'est ça qui avait déterminé par une sorte de... une sorte d'imprégnation un peu psychique, disons. C'est ce qui a déterminé que je construis des soucoupes, et peut-être bien jusqu'à ma mort, je construirai des soucoupes. Mais vous croyez à quoi? Aux extraterrestres à demi, disons plutôt aux intraterrestres. Comment plutôt ça plutôt des êtres qui vivraient plutôt sous la croûte terrestre qu'au-dessus. Ah oui. Et de toute façon, vous avez eu le sentiment parfois d'en être proche? Ah oui, par télépathie, oui. Oui, assez souvent, surtout lors de la construction de ma première soucoupe, beaucoup moins maintenant en fait. J'avais souvent des échanges, quand j'avais un problème mécanique pour réaliser mon engin, quelque chose qui ne s'accordait pas, je recevais comme une sorte de message dans la nuit. Et bon, ben, le lendemain, j'avais réalisé la... corriger plus ou moins le défaut. Mais la soucoupe que vous êtes en train de construire, comment allez-vous l'utiliser? Ah ben, cet engin-là serait un peu plus grand que l'autre, d'une forme un peu différente, c'est-à-dire que de toute façon, il ne pourra pas flotter, il ne pourra que voler. Et c'est du plus ou moins pour un système d'inertie, disons. Il n'y a pas de propulseur sur cet engin, mais il y a j'appellerais des moteurs quand même, qui créent de l'inertie, et c'est par réversion magnétique vis-à-vis du champ magnétique terrestre, que j'espère décoller et voler. Quand allez-vous décoller? Bien, j'avais prévu un grand engin qui aurait dû être prêt en 93, et puis, n'ayant pas trouvé de sponsor, j'en fais un plus petit. Ah, vous voulez sponsoriser la soucoupe volante? Non, je voulais un partenaire, disons, ouais. Je n'en ai pas trouvé. Alors, je me suis réduit à un engin légèrement plus petit, qui sera prêt en 90. Et vous allez partir? Et je le ferai tout seul, il sera à moi, et je compte bien partir. Que pense-t-on dans votre entourage de ce que vous faites? Oh... ni mal ni bien, je crois que maintenant on y est habitué. Disons, si le moment on m'a pris pour un fou, maintenant on me laisse faire, je ne suis pas trop dangereux encore, tant que ça ne se pose pas. Alors Renaud Malric, vous faites partie d'une association, c'est écrit dessus, qui s'appelle SOS OVNI. Vous avez vu une boule de lumière quand vous étiez, je crois, assez petit sur la route de Pont-Aven. Je ne l'ai pas vu vraiment, disons que ce sont des membres de ma famille qui l'ont vu, et c'est ce qui m'a amené à m'intéresser à ces phénomènes, oui. Ouais. Et ça consiste en quoi votre démarche aujourd'hui?
Disons que moi j'ai un peu une double casquette. J'ai la casquette d'un côté des gens qui ont vu, même si mon témoignage est certes un petit peu pâle à côté de celui de Jean-Claude, qui construit des soucoupes volantes. Moi j'ai pas vu d'extraterrestres, je construis pas de soucoupes volantes. Simplement donc, des membres de ma famille avaient fait cette observation. J'ai été amené à m'intéresser au problème de plus en plus. Et à l'âge de 15 ans, j'ai effectivement observé un phénomène que aujourd'hui je ne m'explique toujours pas. Vous recueillez beaucoup de témoignages? On recueille pas mal de témoignages, puisque donc suite à cette expérience... Quels sont les plus spectaculaires? J'ai fait la démarche d'adhérer à une association. Les témoignages les plus spectaculaires concernent ce qu'on appelle les rencontres rapprochées, c'est-à-dire des gens qui nous disent avoir vu quelque chose de près, donc quelque chose qui a priori ne peut pas être confondu avec un avion, avec un phénomène naturel mal inexpliqué. Il y a aussi des témoignages qui sont faits de plus loin, mais qui sont tout de même intéressants. Et les phénomènes qui ont été effectivement observés lundi soir dernier à 19h ont sans doute été expliqués un peu trop rapidement comme étant dus à une rentrée de météorites, puisque bien des scientifiques... C'est ce que dit M. Guillon. Je pense sur ce point-là au moins... Puisque des scientifiques comme Jean-Claude Ribes, qui est directeur de l'Observatoire de Lyon, ou même des chroniqueurs scientifiques comme votre collègue Albert Ducrot, ont bien expliqué qu'effectivement, si c'est une rentrée de satellites ou de météorites qui se serait désagrégée en rentrant dans l'atmosphère, c'est vraiment exceptionnel, parce que d'habitude, on voit ça pendant très peu de temps. Et là, ça a été très long, et la description ne correspond pas tout à fait. Alors, satellites, météorites, peut-être, on a encore des choses à découvrir dans ce domaine-là comme dans d'autres, mais il faudrait peut-être en être un petit peu plus sûr avant d'avancer des explications qui se veulent rationnelles, comme l'a fait l'Observatoire astronomique de Munich. Il faudrait peut-être être un petit peu plus sûr pour pas donner aux gens l'impression qu'on les prend pour des imbéciles. Vous pensez qu'il y a des extraterrestres comme M. Gueux qui sont sous la Terre et qui nous manipulent même carrément, parce que c'était son discours. Non, je ne le pense pas. Moi, je rejoins l'opinion de votre collègue. Je pense qu'il y a deux choses distinctes qui sont d'un côté la vie dans l'univers, et ça, la plupart des astrophysiciens s'accordent sur ce point. Ce serait bien un fantastique hasard que nous soyons les seuls. Et puis, il y a le problème des ovnis, le problème des témoignages que les gens apportent à des associations comme SOS OVNI, dont je fais partie. D'accord. Mais Mme Gueux, donc, qui a cette espèce d'antenne dans la jambe, qui, selon elle, ferait qu'elle serait repérée partout par les extraterrestres, ça vous y croyez? Je voudrais préciser qu'elle n'est pas la seule. J'ai enquêté dans le monde entier, sauf en Asie. Hein, et j'ai rencontré quantité de gens qui ont des implants. Et ce n'est qu'un début. Hein, comme je l'ai dit et annoncé là-dedans, ce n'est pas clairement un roman vérité. On a bien vu le livre. Merci. Ouais. Je dirais de l'éditeur, c'est Bouira. Oui, on l'a bien vu. Qui se termine d'ailleurs par ces mots, c'est vite fait, si vous voulez, monsieur Denisot, le lire. Fin du roman, et maintenant tournez la page et accrochez vos ceintures. Voilà, les documents viennent. C'est ça, vous allez en faire un autre. Alors, non, les documents, les documents qui attestent. Bon, voilà ce que je voulais dire. Pour répondre à votre question, je ne peux évidemment pas me prononcer sur le témoignage de Mme Gueux, puisque je n'ai pas eu l'occasion d'enquêter sur ce témoignage. Nous, notre démarche, elle est simple. Puisqu'on a montré un livre, on va montrer une revue. Il existe une revue qui s'appelle OVNI Présence. Il existe aussi un Minitel qui est le 3615 SOS OVNI. Par ces moyens, nous recevons des témoignages et nous essayons de les accueillir sans aucun a priori. C'est-à-dire que pour nous, quel que soit l'indice d'étrangeté, qu'on ait vu une petite lumière dans le ciel ou qu'on ait un implant dans la cuisse, on écoute les gens de la même façon et on essaye de voir ce qu'on peut en penser, d'analyser ces témoignages. Alors Pierre Van Oudenhove, vous êtes journaliste au Parisien, vous êtes un peu spécialisé dans tous ces témoignages concernant les ovnis. Vous avez même un morceau de météorite, je crois, dans votre poche que vous allez nous montrer. Qu'est-ce qui se cache selon vous derrière tout ça? Je ne sais pas, c'est assez compliqué comme histoire. J'enquête sur ce phénomène depuis une vingtaine d'années, parce que j'ai été témoin en 1957. Je vous raconte mon petit témoignage. Bien sûr. Voilà, nous étions dans la campagne avec mon épouse vers 11h du soir, c'était au mois d'avril. Et nous avons vu au loin un feu rouge comme le feu rouge arrière d'un camion. Et nous nous rendions d'un village à un autre qui était à 10 km. Et en descendant dans le bas de la côte par la déclivité, le feu rouge a disparu. En remontant, il réapparaissait. Et ainsi de suite. Mais plus on approchait du point de rouge, plus il grossissait. À tel point qu'à un moment donné, il est devenu un immense brasier au sol. Alors, dernière déclivité, avant d'arriver au village qui précède mon village de Montillon, c'est l'Hiverny. Et dans la plaine, alors sans transition, rien du tout, le feu au sol avait disparu. Et à la place, il y avait dans le ciel, sur la droite, environ à 30 degrés, un ovoïde magnifique de la grosseur de la pleine lune, rouge-orange. Et la silhouette extrêmement précise, immobile,
et sans explication possible, quoi. Alors nous avons continué la route, nous avons traversé ce petit village. L'engin, où le phénomène était si bas qu'il était caché par les maisons. La traversée du village a duré peut-être une demi-minute. Et à la sortie, je pensais retrouver le phénomène, il avait disparu. Et alors, troisième transformation, à la place du phénomène, il n'y avait plus d'ovoïde, mais il y avait une lueur issue d'une sorte de projecteur, on ne peut pas dire, et dirigée vers la voiture. Et c'est, en pleine nuit, c'est très impressionnant. Très, très impressionnant, un faisceau qui se dirigeait vers nous, on avait l'impression de quelque chose d'intelligent, mais c'est une impression. Une peur terrible, les cheveux se hérissent sur la tête. Vous êtes à la recherche de la preuve de l'existence d'extraterrestres, de l'existence concrète et réelle d'OVNI, d'une rencontre en fait. C'est ça, oui. Alors je vous termine. Ce que personne ne peut encore raconter aujourd'hui. Non. Ici autour de cette table. Il n'y a pas eu de rencontre avec des extraterrestres, monsieur Gueux. Il y a eu des dizaines de milliers, et on le sait parfaitement. Mais vous. Ah, moi non, bien sûr. Non, je veux pas. Si je peux, je voudrais citer quelque chose quand même d'assez troublant qui m'est arrivé, c'est très court, mais je veux dire, il m'est arrivé une autre histoire. Une nuit, je dors, je suis réveillée, assez brutalement, dans la chambre, de la lumière partout d'ailleurs, de la lumière dehors et dans la chambre. Je ne pouvais plus bouger du tout, seuls les yeux remués, et j'ai entendu une voix très grave. Qui disait, alors je l'ai entendu avec mes oreilles ou mentalement, je ne saurais vous dire, qui disait, viens, ne crains rien, n'aie pas peur, viens, nous venons te chercher. Bon, moi, mentalement, puis à ce moment-là, j'ai eu peur, ça doit arriver à tout le monde. Mentalement, j'ai dit non, parce que j'ai peur de peur, apparemment, je peux en parler. Et cette personne, avant de s'en aller, a dit, et c'est ça qui est intéressant, nous survolons la rivière du Var et nous allons nous arrêter au-dessus de la centrale de Lingostière. Bon, je me rendors. Le lendemain matin, j'apprends par un ami, Guy Tarade, que dans Nice Matin, il y avait un article concernant un témoignage entre 3 et 4 heures du matin. Des témoins avaient vu un engin, alors à basse altitude, au-dessus de la centrale de Lingostière. Je me suis dit, tiens, j'ai fait un drôle de rêve. C'est pas vous, monsieur Ladra, qui passiez à Razmat. Non. Bon. Alors, j'espère bientôt passer à Razmat quand même. Philippe Vandel, combien est-ce qu'on peut répertorier le nombre d'ovnis, les cataloguer, les classer? Alors, on a une seule certitude, c'est que les ovnis existent. OVNI, ça veut dire objet volant non identifié. Quand on ne sait pas, c'est non identifié, donc ça existe. Il est très très difficile d'avoir des chiffres officiels. En France, c'est centralisé par un organisme qui s'appelle le CEPRA, qui dépend du SNES, c'est-à-dire le service d'expertise des phénomènes de rentrée atmosphérique. Officiellement, ils ont recensé 1500 phénomènes d'OVNI depuis 1951, ce qui va faire bondir tous les gens présents ici, puisqu'ils parlent de 10 fois, voire 100 fois plus. Les raisons pour lesquelles ils les cachent, nous le verrons plus tard. Mais alors, attention, dans les OVNI, il y a tout le contraire de tout. Est-ce qu'il y a un portrait robot de l'OVNI? Oui, alors je voulais juste dire une chose, c'est qu'il y a tout le contraire de tout dans ces 1500. Il y a le cube bleuté qui descend de l'espace, c'est jamais qu'un avion qui vidange ses toilettes. Il faut quand même se méfier. En tout, 10 à 20% des faits résistent à l'analyse. Les constantes. Il y a des constantes qu'on retrouve. Le plus souvent, les objets sont ronds ou ovoïdes, vous l'avez dit tout à l'heure. Il y a de la lumière. Ils voyagent en silence, ça se déplace en silence et avec lenteur, voire stationnaire. Et il y a un phénomène aussi qui est frappant, c'est que les ovnis, c'est comme les grands bordeaux, il y a des crues, il y a des années où on en rencontre plus que d'autres, ce qui tendrait à prouver que ce n'est pas un phénomène simplement de hasard. Les bonnes années pour les ovnis sont 47, 52, 54, 57, 65, 68, 74, 79 et 80. On a parlé tout à l'heure de l'invasion du lundi 5 novembre. On a eu ce matin des experts du CEPRA et du CNRS qui partagent tout à fait, contrairement à ce qu'on pouvait penser, qui partagent tout à fait votre point de vue. Et l'hypothèse du météorite est battue en brèche. Et on prépare justement, Béatrice prépare, une émission sur ce sujet dans quelques semaines. Alors que faire si vous êtes, si ceux qui nous regardent sont témoins, ont un doute, et puis une petite crainte d'être ridicule, ils n'osent pas témoigner, on dit on va me prendre pour un fou, que faire? Alors le sociologue, c'est Carl Sagan qui disait, l'absence de preuves n'est pas la preuve de l'absence. C'est pas parce qu'on n'a rien vu que ça veut dire que ça n'existe pas. C'est comme la rougeole au 3e siècle avant Jésus-Christ. Si vous découvrez quelque chose, si vous voyez quelque chose, il faut manifester, il faut se faire connaître. Alors on pourra dire les gendarmeries, la police, mais en même temps, il y a une espèce de guerre interne. Les scientifiques ne veulent pas s'occuper des ovnis et les ufologues ont l'impression d'être méprisés par les scientifiques justement. Alors, il y a la Banque internationale de données ufologiques, qui est un organisme tout à fait sérieux qui recueille ça, boîte postale 10, 92 323 Châtillon-Cedex. Sinon, il y a le Minitel de monsieur, SOS OVNI, c'est à Aix-en-Provence, et c'est le 3615 SOS OVNI. On attend vos témoignages. Alors, sur le 36... Oui, rapidement. Oui, ça, c'est l'enterrement de première classe. Hein. Si nos amis qui nous écoutent font des témoignages à l'un ou à l'autre, c'est fini.
Ça ne sera jamais rendu public. Alors à qui, monsieur? Alors moi, je n'ai pas d'adresse à vous donner. Écrivez. Vous n'avez pas l'air d'être dans la même chapelle. Hein, oui. Sûrement pas. Nous, nous sommes des gens sérieux. Mademoiselle, parce que monsieur fait ce qu'il veut. Hein. Bon. Voilà. Vous êtes sérieux et vous êtes sérieux, mais l'un et l'autre n'est pas sérieux. On annonce l'arrivée des extraterrestres depuis maintenant quand même pas mal d'années, on les attend toujours. Et puis il y a des gens qui disent, on essaye de voir ce qui se passe. Et c'est peut-être un travail à plus long terme. Alors donnez votre adresse rapidement. Alors, ben, c'est ça que vous voulez faire? C'est l'IMSA, mais moi je ne vais pas donner l'adresse de l'IMSA ici. Qu'ils écrivent IMSA, I-M-S-A, si vous le voulez bien, Canal+. Et on la mettra sur le Minitel. Qui nous écrivent à la grande famille. Nous voilà, à la grande famille. La grande famille. Voilà, monsieur Gueux et vos témoignages, on les transmettra bien entendu. Sur le 3615 code CPLUS, il y a toutes mes autres coordonnées. On rappelle qu'on vient de vous donner avec Philippe Vandel. Notre héros préféré. Attention, aujourd'hui, on va parler des extraterrestres. Méfiez-vous. Notre invité aujourd'hui s'appelle Jimmy Guilleux. Voilà le livre qui vient de sortir, EBE, je ne sais pas comment on peut dire, ou EBE, c'est l'alerte rouge, roman dont on va parler maintenant, qui traite des extraterrestres, et ce monsieur qui va descendre l'escalier est un spécialiste de l'ufologie. On peut le faire venir tout de suite, Jimmy Guilleux, pour en parler. Donc c'est l'un des romanciers de science-fiction les plus connus aussi, un des plus grands spécialistes des ovnis. Alors c'est vrai que les ovnis, on en parle par intermittence, comme ça, ils arrivent dans le ciel, on y croit pas, peu importe. Les choses sont souvent occultées, spécialement en France. Elles sont peut-être plus regardées en Russie, plus regardées aux États-Unis. Vous, vous y croyez? Vous avez tout à fait raison, je n'y crois pas. Je sais que ces engins existent. Tout est la nuance. Mm-hmm. Depuis un demi-siècle, à peu près, les autorités de tous les pays, parce que là, pas de problème politique, nous cachent la vérité, nous racontent des bobards. Ces êtres, non seulement ils sont là, mais ils sont sous nos pieds, dans des bases. Vous dites qu'il y a des bases souterraines qui sont organisées aux États-Unis entre autres, et ceci depuis 1946. C'est ça, oui. Première apparition à Eisenhower, ou presque. C'est ça, oui, presque ça. Vous êtes bien informé. Alors qu'est-ce qu'ils font dans ces bases souterraines, si d'après vous ça existe? Ben, c'est pas d'après moi. Vous savez, si j'étais seul, ce serait dramatique. Hein. Bon, on dirait il est fou, c'est facile. Mais il y a quand même des gens de haute qualité. John Lear, aux États-Unis, qui est un pilote tout à fait émérique à avoir fait des missions de transport pour la CIA. Il y a Milton William Cooper et Bill English qui sont... Ça, ce sont des noms qui sont censés donner de la crédibilité à vos dires. Oui, tout à fait, parce qu'ils ont vécu, risqué leur vie. Ce sont des agents de la US Navy. Alors, je voulais savoir, je parlais des bases souterraines. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce qu'il y a des tractations, justement, exactement, des échanges technologiques entre ces petits hommes, s'ils existent encore une fois, et puis les hautes autorités? Les accords ont été signés vers la fin des années 40 entre le représentant du président Truman et ces individus, ces êtres de petite taille. Vous savez, il existe 30 à 40 espèces qui se promènent dans l'environnement terrestre. Physiquement, il y a des différences. Et manque de chance, nous sommes tombés sur les mauvais. Alors bon, il y a des bons et des méchants. Ben, vous savez, sur la Terre, vous avez les braves gens. Hein, il y en a plein ici. Et il y a des canailles. Il y a de sombres bandits. Ouais. Eh bien, vous savez, là-haut, c'est la même chose. Hein? Alors, je crois que les autorités sont dans un sacré pétrin. Mais quelle était la base de le deal de départ, la base de l'échange de départ entre ces petits hommes? La base de l'échange était la suivante. Nous, les extraterrestres, cette petite espèce, les petits gris,
J'en ai fait toute la structure de mon bouquin. Oui, parce que c'est un roman, mais c'est à 70% de, exactement, de vrai, de fondement sur vos enquêtes. Tout à fait. Alors, le fondement est le suivant. Nous avons besoin d'étudier votre espèce. Soyez gentils. Faites-nous une petite place dans une base. Nous, on ne vous dérangera pas. Les Américains ont dit « Banco, how much ?» Non, pas combien vous allez payer, parce qu'évidemment, s'ils ont une monnaie, ce que j'ignore, ce n'est pas la même que les autres. Alors, ils ont offert des perfectionnements technologiques. Les Américains ont dit « d'accord ». En sous-entendu, si les Russes nous ennuient un peu trop, ils auront maintenant du répondant. Quand les Ibis ont pris contact avec les Russes ont dit, bonne affaire, nous allons vous héberger si vous nous donnez des perfectionnements, sous-entendu, si les Américains nous ennuient, etc. Et ils se sont fait avoir. Et ce fut un marché de dupes. Et ce marché de dupes, nous en voyons aujourd'hui les conséquences où... Il va falloir prendre une décision. Alors on en parle beaucoup en ce moment des ovnis parce qu'il y a eu des soi-disant apparitions, entre guillemets, en Belgique entre autres. On va vous montrer quelques diapositives qui sont d'autres ovnis qui ont été filmés ou en tout cas des objets non identifiés un petit peu particuliers. Qu'est-ce qui se passe en Belgique? Il paraît qu'il y a deux jours, il y a effectivement trois énormes engins qui ont survolé Bruxelles. C'est cela. Il y a eu deux triangles de grande dimension qui ont survolé la région de Bruxelles. Vous n'êtes pas sans savoir, je suppose, que notre pays est réputé pour ne pas avoir de censure. Hein. Mm-hmm. C'est faux. C'est totalement faux. Si j'avais le temps, j'ai des éléments, mais je ne peux pas les sortir, je n'ai pas le temps. Donc, ces engins sont passés dans le ciel, soi-disant, mais... Pas soi-disant, c'est sûr. C'est personne, sûr, c'est personne sûr. N'en a parlé. Les gens en parlent entre eux, mais du moment que la censure commence à s'instaurer en France, et puis on commence à tirer boulet rouge, je suis, le premier qui dira la vérité, vous connaissez la chanson, bien là, c'est la même chose. Moi, j'agite le grelot, j'ai sorti ce bouquin. Voilà, vous agitez drôlement le grelot dans votre livre, parce que ces petits bonshommes, encore une fois, s'ils existent, ils font des ravages. Tout à fait, hein? Hélas. Ou ils sont responsables du sida, d'après vous, ils sont tout responsables du virus, par exemple, dans l'informatique. Ils sont responsables de la mort de Kennedy, la mort de Jean-Paul Ier. Pourquoi tout ça? Pour exercer ce genre de ravage, c'est qu'ils sont tout puissants et qu'ils ont besoin de ne pas être exposés à la vindicte ni sur la place publique. Mais tout ça, je crois que c'est reculé pour plus mal sauter. Je pense que dans les mois ou les trimestres qui arrivent, la vérité va faire sauter le couvercle de la marmite. Mais qu'est-ce qu'ils ont besoin? Vous m'avez dit que c'était une race en voie de disparition. Ils ont besoin d'enzymes, race... ils viennent nous chercher nos petits enzymes qui gravitent dans nos cerveaux. C'est une race qui a des problèmes de dégénérescence biologique. Et nous, de même que les bovins, hein, vous allez me dire que la comparaison n'est peut-être pas bien choisie, mais c'est comme ça, nous possédons une enzyme qui commence à leur faire défaut. Et c'est dans nos muqueuses et dans celles des bovins, des bovidés, qu'ils trouvent cela. On a enregistré aux États-Unis, dans le Middle West américain, plus de 15 000 cas de bestiaux mutilés affreusement, organes sexuels, rectum, la langue, etc. Mais c'est sûr, parce que nous, les humains, nous n'avons aucun instrument capable de procéder à un champ opératoire en passant entre les cellules. Ça, les humains ne savent pas le faire. Eux, oui. Vous comprenez? On sait beaucoup de choses. Mais ce qui est dramatique, c'est qu'il y a d'abord une autocensure, et puis il y a ensuite des menaces sournoises, insidieuses, etc. Bon, on n'a pas parlé de ce que nos amis belges ont vu il y a 48 heures. On va retrouver un témoignage, si vous le voulez bien. Okay. Une femme, effectivement, qui va nous dire ce qu'elle en pense de ces objets non identifiés. D'un seul coup, j'ai eu l'impression de quatre gros boudins qui me touchaient la nuque, comme ça, vous savez. Et puis, il s'est développé une lumière qui était... Ça devait être un effet de la paralysie, je ne sais pas. Une lumière haute comme tout. Et cette lumière, elle n'était pas blanche, elle était jaune banane, vous voyez, un peu là, très foncée, sur le feuillage d'automne, vous voyez, ça faisait un peu jaune plutôt. Et au bout d'un moment, à la base, il y a eu une lumière orangée, mais assez bien délimitée, vous voyez. À la base de l'arbre. Elle s'était à peu près haut comme ça et large comme ça. Voilà, en tout cas, il y aura beaucoup de choses dans ce livre. Vous pouvez le livre de Jimmy Guilleux, ça s'appelle EBE, extraterrestre. EBE, extraterrestre, chez Vaugirard, Presse de la Cité. Vous savez, je voudrais, pour conclure, très 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 rapidement, à propos de tous ces gens, officiels ou non, qui font corps pour étouffer la vérité, je voudrais, avant le passage de Jean Guidoni, que j'aime beaucoup, lui voler une phrase de sa chanson, « Qu'est-ce qu'on fout avec ces ringards ?» Allons bon. Eh bien, à bon entendeur, salut.
ça n'est pas de moi, c'est de monsieur Jimmy Guilleux. Merci beaucoup, merci d'être venu dans l'émission. Alors on va tout de suite commencer par Jean-Pierre Petit, donc 54 ans, directeur de recherche au CNRS. Il est ingénieur en aéronautique de formation. Je dis tout ça pour montrer que vous êtes un homme sérieux, parce que parfois il y a des gens qui se posent des questions. Vous avez publié un ouvrage sur les ovnis, et puis là, vous allez un peu plus loin, puisque chez Albin Michel, vous publiez cette enquête sur des extraterrestres qui sont déjà parmi nous. Et l'histoire que vous nous contez au tout début de ce livre est proprement fantastique, puisque vous nous racontez qu'en 1934, il y a eu des essais radio à bord d'un navire de pêche norvégien, que ces essais radio sont allés vers le ciel et qu'ils ont fini par toucher au bout de 15 ans une planète qui s'appelle Humo. Et donc cette planète, au bout de ces 15 années-lumière, a été touchée par ces signes qui venaient de Terre. Et les humides, donc les habitants d'Humo, ont décidé, puisqu'ils avaient vu ce petit signe qui venait de la Terre, ils ont décidé de venir parmi nous, ce qu'ils ont fait l'année suivante. Et alors, d'abord, je voudrais préciser une chose, c'est en accord avec ma direction générale, je parle au nom de Jean-Pierre Petit, directeur. Et non pas du CNRS, on est d'accord. Et non pas du CNRS, bon, je suis absolument pas marginal. Et ensuite, je veux dire, bon, enquête sur des extraterrestres qui sont déjà parmi nous. Ma position, moi, c'est que j'ai étudié pendant 15 ans un dossier, j'ai planché sur les données scientifiques qui étaient dedans, et j'en ai sorti une solution de l'équation d'Einstein, de la relativité générale. Donc c'est un travail d'un assez haut niveau, et j'aurais pas pu faire ce travail-là si j'avais pas eu ces données scientifiques présentes dans ces textes. Donc ceci, plus un certain nombre de faits qui sont racontés dans le livre, me laisse à penser que la probabilité pour que ce dossier soit d'origine terrienne me paraît faible. Vous voyez, la position des scientifiques, c'est pas je crois et sont, c'est pas le présent. C'est, la probabilité me paraît faible. Maintenant, si un jour on pouvait m'amener les 5 PP cosmologistes qui sont amusés pendant 28 ans à envoyer des documents et des informations scientifiques à signe de farce, vous ne seriez pas gêné d'être confondu. Eh bien, je dirais, bon, à ce moment-là, vous m'avez manœuvré pendant 15 ans, chapeau. Simplement, je pense qu'il est peu probable que ça se produise. Alors, expliquez-moi pourquoi, parce que c'est vrai que votre théorie est très séduisante, bien entendu, mais pourquoi vous êtes persuadé que cette arrivée donc, des extraterrestres s'est passée en 1950, pas très loin de Digne, etc. Je ne suis pas persuadé. Vous voyez, il y a un tas de papiers qui fait 1500, 2000 pages, dans lequel il y a deux choses. Il y a un aspect, si vous voulez, anecdotique, avec ce que ces textes racontent. Nous sommes arrivés en 50, nous avons fait ceci, nous avons fait cela. Ça, j'ai aucune preuve que ce soit vrai. Maintenant, la seule chose que je dis, moi, c'est que là-dedans, il y a des informations scientifiques de très haut niveau, solides, que la présomption donc, du canular grossier me paraît peu probable, que la manipulation par un organisme genre CIA aussi me paraît peu probable. Et puis, de quel côté qu'on tire les ficelles de ce dossier, on trouve des choses assez curieuses. Alors, vous savez comment sont les journalistes? Ils aiment recouper leurs sources. J'imagine qu'un scientifique fait la même chose. Est-ce que vous êtes persuadé de l'origine de vos sources? D'abord, comment vous arrivez ces papiers, ces informations, ces messages? Je veux dire que ça a commencé il y a 15 ans. Un de mes collègues, qui était astronome, m'a dit, tiens, j'ai une vingtaine de feuillets, tapé la machine en espagnol. C'était Claude Poher du CNES qui s'était procuré ça. Et regarde, c'est assez amusant. Ce sont des dossiers qui sont signés par des gens qui prétendent venir d'une autre planète. Alors moi, j'ai accueilli ça avec le sourire. Je me suis plongé là-dedans et j'ai trouvé des informations technico-scientifiques qui me paraissaient relativement... solide. Bon, j'en parle dans le livre sur des choses concernant la résistance des matériaux, la mécanique des fluides, etc. Alors, j'ai été tenté d'aller plus loin et puis j'ai commencé à sortir de ça un petit peu d'informations scientifiques. Ça a orienté mes travaux. Puis je vous dis, j'aurais jamais rien publié si j'avais pas fait ce coup en 88-89 sur la relativité générale. Je veux dire qu'il y a quand même une chose, c'est qu'en 6 mois, je me suis recyclé en relativité générale et j'ai sorti un boulot, je dirais, au top niveau dans le domaine en 6 mois. C'est un peu court. Alors, donc ça ne se produit que quand on connaît la solution. Alors ça, on est bien persuadé de la qualité de vos travaux scientifiques. D'ailleurs, tous vos collègues les reconnaissent. Il n'y a jamais eu de contestation. Jamais personne nous a téléphoné en disant « cet homme est un farceur ». Mais là, quand vous nous dites que le 28 mars 1950 à 4h16 GMT sont arrivés dans les Alpes de Haute-Provence, aujourd'hui près de Digne, des petits hommes verts, qui n'étaient pas verts d'ailleurs du tout, mais qui sont des humides, des extraterrestres, on a besoin de vous croire. Et c'est pas moi qui dis ça. C'est pas moi qui dis ça. Je veux dire, ce sont ces documents qui le disent. Moi, je suis scientifique, je suis analyste de contenu. J'ai raconté ce qui se trouvait dans ces documents, mais en le présentant comme tel. Alors, on parle plus de vous, on parle des documents maintenant. Mais oui, on parle donc ces documents vous disent que ces êtres sont restés sur Terre, ils sont repartis, et ils sont parmi nous. En faible quantité. Oui, quand on a un dossier comme ça, si c'est complètement farfelu, c'est pas crédible.
crédible. S'il y a un contenu scientifique qui paraît un peu solide, alors à ce moment-là, ben, examinons un petit peu ce que ça raconte. Alors ce que ça raconte, c'est une arrivée sur Terre en 50 et puis une pénétration du système social terrestre, une migration en Espagne avec un certain nombre de choses qui sont racontées aussi dans le bouquin de Martin Castello, des aspects anecdotiques, etc. Alors là-dedans, il y a à chaque fois des choses qui se présentent. Par exemple, je crois qu'on va passer cette cassette tout à l'heure avec cette voix. Oui. Bon, ça aussi, ça ne représente pas une preuve, par exemple. Ce n'est pas des voix d'extraterrestres. Mmh. C'est une cassette qu'on m'a communiquée en 75. Moi, je vous l'amène en 91. Donc, pour vous, elle date de 91. Il y a un côté juridique là-dedans. Bah, on va essayer d'écouter puisqu'on en parle, justement. On peut raconter l'histoire, en gros. Oui. Ce qui est donc prétendu, c'est qu'il y a un bonhomme qui rentre une nuit à Madrid à 2h du matin et puis il fait ce qu'on appelle une rencontre du troisième type. Il trouve une soucoupe volante en panne sur le bord de la route. Quoi. Mmh. Et après, il rejoint Madrid et puis il raconte cette histoire-là à sa femme. Et puis les journalistes s'en emparent, la presse en parle. Et à ce moment-là, quelques jours après, il entend des gens qui lui téléphonent avec une voix un peu genre voix de canard. Bon, on va écouter cet enregistrement, voilà, puisque vous nous l'avez amené. Donc, voix de canard, mais enfin, c'est de l'espagnol. Hein. Oui, mais je veux dire que, oui. pour expliquer un petit peu l'histoire, juste un détail, oui. Alors les types l'appellent en disant, ça nous intéresse, on va venir. Et puis alors, comme ils connaissent des gens qui sont liés à cette affaire Houmeau, les types se disent, mais ça y est, ce sont ces extraterrestres. Donc le jour dit, il n'y a pas Denis et sa femme, il y a 30 personnes qui sont là en véritable embuscade. À ce moment-là, les gars ne viennent pas, téléphonent, et Fariols, qui a un micro ventouse, le colle sur le téléphone et réussit à intercepter les voix. Donc les voix sont... on va les écouter. On va l'écouter. Renault. 100%. Bon. Pour ceux qui ne comprennent pas l'espagnol, on a bien compris qu'il s'agissait, monsieur, arrêtez la communication, alors, supplique, etc. Moi, quand j'ai eu cette cassette, je suis allé au labo de phonétique d'Aix-en-Provence et j'ai dit à mon ami Teston, fais-moi un phonogramme de ce truc-là pour voir. Donc, alors, phonogramme, il y a en abscisse le temps, en ordonnée la fréquence. Et j'ai dit, qu'est-ce que tu en penses? Il m'a dit, c'est pas une voix humaine. Mais en 75, on avait déjà des vocodaires. Mais si la cachette date vraiment de 68, comme l'a présenté l'espagnol, alors ça, c'est intéressant. Parce que là, à ce moment-là, il n'y avait pas de voix. Il n'y avait pas de voix synthétique. On ne savait pas faire des voix de synthèse comme ça. Donc, c'est tout. Je veux dire qu'il faut là-dedans. C'est troublant, obligatoirement. Oui, mais il faut avoir une rigueur un petit peu d'enquêteur. Hein. Et je vous dis, pour vous, journaliste, cette cassette, elle date de 91, parce que je peux très bien l'avoir fabriquée la veille. Quoi. Bon. Donc, il faut rester. Qu'est-ce qui vous fait dire maintenant que les humides sont plutôt blonds et pas verts comme on croyait, qu'ils sont plutôt petits, qu'ils n'ont pas le sens artistique, qu'ils font ça, je veux dire, il y a toute une description donc dont ils sont les auteurs. Hein. On n'est pas allé sur place pour vérifier. Quoi. Donc, pigmentation de la peau, la taille, je crois qu'on n'en parle pas. Et moi, je n'ai pas d'opinion là-dessus. Simplement, je trouve que derrière tout ça, il y a quelque chose qu'il faut élucider. Qui sont les auteurs de ces documents? Vous dites quand même qu'ils ont une voix nasillarde. Donc, ils expliquent dans un texte que les sons ne sont pas produits avec des cordes vocales, mais avec des replis pharyngés. Et ça explique pourquoi, à ce moment-là, les fréquences sont différentes et pourquoi la production de sons est différente. Ça cadre d'ailleurs avec cet enregistrement qu'on a entendu. Quoi. Alors vous dites qu'ils ne sont pas très artistes, en effet, donc ils ont peu le sens artistique. Aucun, en revanche, ils se livrent à des concerts d'odeur. Je crois que là, ils se trompent complètement sur ce que c'est que l'activité artistique, parce que les concerts d'odeur, c'est plutôt un truc sensuel. Hein. Je veux dire, c'est... J'ai pas beaucoup assisté à des concerts. Je crois que, je veux dire, dans ces documents, il y a une chose amusante, c'est qu'il y a pratiquement pas de métaphore, il n'y a pas d'imaginaire, il n'y a pas d'imagination, il n'y a aucun humour. C'est dur d'écrire 500 pages comme ça sans aucun humour. Il n'y a pas d'art plastique, il n'y a pas d'art musical. Alors je crois qu'ils se sont dit, on sait quand même faire des trucs avec les odeurs, donc ça doit être ça qu'on appelle l'art. Bon, alors ils ont une voix, ils ont un alphabet aussi, on va le voir un petit peu comme ça en titre avec Renaud Levenkim. Et pendant que vous voyez cet alphabet, là, vous avez pu le déchiffrer ou vous avez des idées? Rien du tout. Je veux dire qu'il y a des ethnolinguistes qui se sont mis là-dessus, on s'amusait. Moi, j'avoue, à chacun son métier. Je veux dire que dans cette masse, il y a des informations, mais dans tous les domaines. Je ne suis pas biologiste, donc je n'ai pas commenté les documents de biologie. Moi, j'ai commenté strictement ce sur quoi j'étais intervenu. C'est tout. Et comment vous savez que Sakharov, par exemple, aurait été contacté par les humides? C'est eux qui vous ont dit ça?
Non, je ne prétends pas ça. Ah, je veux dire que j'ai trouvé dans ces documents, donc en 1975, des informations sur un modèle cosmologique qui m'avait beaucoup déconcerté. Il n'y a pas un univers, mais deux. Et dans le deuxième, il y a le temps qui va à l'envers. Déjà, c'est quand même assez curieux. Et en plus, ces deux univers sont énantiomorphes. J'ai dû même chercher le mot dans le dictionnaire, parce que je ne le connaissais pas. Et puis en 1977, j'ai un peu travaillé là-dessus. J'ai fait une première publication, ou même deux publications à l'Académie des sciences sur le sujet, qui s'appelle Univers énantiomorphe à temps propre opposé. Et l'éditeur de Michel a même trouvé intéressant de reproduire les publications scientifiques à la fin, qui sont un peu une sorte de pièce de conviction comme ça. Puis alors, j'ai sorti ce travail qui n'a reçu aucun écho dans le monde scientifique, complètement isolé, et en 83, je me suis aperçu dans la publication des œuvres complètes de Sakharov qu'il y avait quelque chose de complètement parallèle, que Sakharov avait aussi fait un modèle gemellaire avec des flèches du tour en opposition. Alors, c'était une première coïncidence, et ensuite, si vous lirez dans le livre, la fin de son discours de réception de prix Nobel, totalement singulier. Oui. Qu'est-ce que ça vient faire ? C'est-à-dire, bon, avec votre, votre grille de lecture, c'est vrai que, bon, on se pose des questions. Quand on interroge quand même vos confrères, bon, un certain nombre d'entre eux disent, l'un d'entre eux a dit, par exemple, bon, Jean-Pierre, bon, les avonis n'existent pas, mais Jean-Pierre Petit a tellement d'imagination qu'il finira bien par les inventer. Qu'est-ce que vous dites ? Vous dites que vous n'êtes pas un poète, vous dites que vous êtes vraiment un scientifique. Je veux dire, quand je suis passé à Télévision sur la 5, là, il y a deux mois, il y avait un scientifique qui a dit les scientifiques sont en droit de prendre n'importe quelle source d'inspiration, poétique ou quoi que ce soit. Oui, mais Newton a trouvé la gravitation en regardant tomber une pomme. Mmh. Moi, je lui ai dit, mais moi, je savais que la vitesse de la lumière devait varier, je savais que le produit du rayon de courbure de l'univers pour lequel la vitesse de la lumière était une constante. Je savais que je devais avoir une solution à courbe négative, que l'énergie se conservait et pas la masse. Et ça, c'est des informations précises et fortes. C'est un peu comme les chiffres d'une, les 8 premiers chiffres d'une combinaison qui en a 10. Et la probabilité de donner des informations comme ça un peu au hasard, ça me paraît très faible. Donc le gars qui a donné ces informations-là, étant donné la qualité du travail que ça a produit, connaissait la solution. Bon, alors vous savez bien, quand on invite quelqu'un dans une émission, on essaie de se renseigner quand même sur les gens qu'on invite, on essaie d'éviter les plaisantins. Et ce qui m'a frappé dans votre livre, c'est de découvrir qu'au fond, cette enquête, vous l'avez fait parallèlement à celle que trois journalistes viennent de publier, cette fois-ci chez Robert Laffont, qui s'appelle « La conspiration des étoiles », Martine Castello, Philippe Chambon et Isabelle Blanc. Les deux derniers sont dans le public. Ils ont délégué Martine Castello pour parler de ce livre. Et vous, vous confirmez entièrement ce que Jean-Pierre Petit annonce, ou en tout cas... Presque, mais pas tout à fait quand même. Je devrais dire d'abord que... Il n'y a aucune preuve des théories de Jean-Pierre Petit. Ce sont des théories très bien ficelées qui ont été exposées dans des revues scientifiques. Mais tant qu'on n'aura pas vérifié par l'expérimentation ces théories, il n'y a aucune preuve de leur véracité. Ça colle avec l'observation, attention. D'accord, il n'y a pas eu de véritable observation dans tous les domaines. Non, mais ça colle avec l'observation. Mais ce sont des théories qui tiennent bien la route. Donc, c'est un premier point. Deuxièmement, il y a quand même quelque chose d'étonnant. C'est que les Espagnols, ils n'ont pas que ce petit enregistrement. Ils ont des conversations qui durent 7 heures au téléphone avec les Zoumites. Ils n'en ont jamais fait d'autres enregistrements. Donc, je ne comprends pas. Chaque fois qu'on leur a posé la question, ils me disent « Mais ce n'est pas possible. On ne peut pas. Si on enregistre, ils vont couper. Ils ne vont plus jamais nous appeler. » Ce système de croyance, c'est très difficile de faire une enquête sur le terrain parce que ce sont des gens qui croient à l'affaire et qui vivent autour de cette affaire depuis des années. Ça fait 30 ans quand même que ça dure. Hein. Donc c'est très difficile de trouver des preuves. En dehors, les seules preuves, si vous voulez, je ne sais pas si ce sont, mais ce serait les travaux scientifiques de Jean-Pierre. Il a raison de se mettre dans ce domaine et uniquement dans ce domaine. Parce que pour le reste, c'est vraiment touffu. C'est passionnant comme histoire. Nous, on s'est vraiment amusés à faire cette enquête. C'est vrai que ça nous a entraînés dans un autre monde. Et c'est vrai que ça m'a ouvert l'esprit sur d'autres réalités. Mais je ne sais plus aujourd'hui si cette affaire elle tient la route ou pas, parce qu'à chaque fois qu'on tient quelque chose, ça nous file entre les doigts. Alors, il y a en effet, vous parliez des Espagnols, il y a Antonio Ribera qui a écrit ce livre « Les extraterrestres sont parmi nous ». Sont-ils parmi nous, avec le point d'interrogation. Vous-même, vous êtes allé avec vos confrères enquêter en Espagne. En URSS aussi. En URSS également. Et pour juste un petit mot sur l'Espagne, parce qu'il y a dans votre livre un passage assez passionnant sur l'histoire d'une main coupée. Est-ce que vous pouvez nous raconter cette main ? L'histoire de cette main. Oh, c'est compliqué, c'est horrible. Mais vous pouvez y aller, parce que ça date d'il y a longtemps maintenant, donc il y a prescription, hein, ça date de 54 à peu près. Alors, hein. Moi, je vais essayer de vous la résumer. Hein. C'était une comtesse qui habitait Albacete, c'est une ville dans le sud de l'Espagne, et elle était un peu farfelue, un peu fantaisiste. Et puis, un jour, elle a reçu des hôtes payants qui lui ont demandé de lui louer une partie de son appartement. Et elle leur a loué une partie de cet appartement, c'était des gens très bien, donc je vous fais la description... grand, blond, les yeux bleus, c'est la description des Zoumites, hein. C'est comme ça qu'ils se présentent. Hein.
Et alors, elle leur a loué sa maison. Et puis, au bout d'un certain temps, sa fille, la fille de la comtesse, est tombée malade. Et puis, on l'a enterrée d'une maladie étrange. C'est une sorte d'anémie qu'elle a eue. Et puis, on s'est aperçu que dans sa tombe, elle avait eu la langue et la main coupées. Donc, on a accusé la comtesse de sorcellerie. Parce qu'elle était tellement fantaisiste, on s'est dit, elle s'est peut-être livrée à des sorcelleries. Donc, il y a eu un procès retentissant en Espagne. Et... Puis on a cherché la main aussi. Voilà, on a cherché la main, on l'a retrouvée dans un bocal. Mmh. Dans l'appartement. Et puis la comtesse a fini par s'en sortir. Et puis toute cette affaire a été étouffée. Et quelques années plus tard, des Espagnols qui ont reçu des lettres. Et c'était une lettre d'excuse des Zoumites qui s'expliquait comme telle. Alors je vous dis ce qu'ils disaient. Voilà, nous avions loué un appartement à Albacete pour faire nos expériences scientifiques de biologie dans la cave. Et puis il y a un virus qui s'est échappé et elle a contaminé la fille de la comtesse. Donc on a été obligé de lui couper la main et la langue. Ils ont récupéré les pièces. Oui, on a été obligé de récupérer ces pièces parce qu'elle pouvait avoir des problèmes et puis on pouvait se Donc il y a une lettre d'excuse. Voilà, on est vrai parce qu'ils sont très polis les Soumites dans leur lettre. Ils vous ont écrit déjà vous ou pas? Non, hélas, non. Bon, si jamais ils nous écoutent, ils peuvent écrire. Martine Castello peut vous écrire au journal. Oui. Hein. C'est le Figaro Madame, vous avez travaillé dans des journaux très sérieux, Libération et autres. Jean-Pierre aussi serait content d'avoir une lettre, mais jusqu'à présent, ce sont toujours les Espagnols qui se sont dévoilés. Il paraît qu'ils ont écrit dans le monde entier, parce que quand on voit les cachets de la poste, ça provient d'Australie, de partout. Ils disent qu'ils ont des interlocuteurs dans le monde entier, mais pour l'instant, nous, on a trouvé que les Espagnols. Et est-ce que vous seriez capable de les reconnaître comme ça? Est-ce que dans la rue, par exemple... Je surveille quand même, depuis quand j'ai dans cette... En plus, je crois que c'est sérieux, parce que vous avez été une fois abordé lors d'un festival qui est assez connu. Oui, ça a commencé comme ça, mon histoire, parce que moi, j'étais plutôt... j'étais journaliste scientifique... assez rationnel. Et puis, j'étais à un colloque à Puy-Saint-Vincent. Et il y a un journaliste qui me poursuivait partout, comme ça. Et puis je me disais, mais qu'est-ce qu'il veut? Et puis, à la fin, au retour du colloque, il s'est assis en face de moi. Et il m'a dit, est-ce que tu connais l'affaire Oumit? Alors, j'ai dit, mais non, pas du tout. Alors, il a commencé à me raconter cette affaire qui est assez étonnante. Des extraterrestres qui écrivent des lettres, tapent à la machine, qu'ils envoient partout. Je dis, mais c'est n'importe quoi, encore une folie. Et puis, dans le compartiment, il y avait un scientifique qui était en face et qui a dit « Mais non, c'est une affaire très intéressante, c'est un scientifique d'un haut niveau. Vraiment, vous devriez examiner ces lettres. » Alors bon, je me suis dit « Il y a peut-être quelque chose. » Puis quelques jours après, j'ai été voir d'autres chercheurs dans le cadre de mon travail de journaliste scientifique, donc Stéphane O'Keefe et d'autres chercheurs, des astrophysiciens. Et puis en m'amusant à la fin des interviews, comme j'étais dans cette histoire, je demandais « Mais est-ce que vous connaissez l'affaire Oumit ?» Et puis alors, il me dit, chut, n'en parlez pas, je vais vous expliquer ça. Donc, à chaque fois, je tombais sur des chercheurs qui étaient au courant de cette affaire. Je me suis dit, il doit y avoir vraiment quelque chose, c'est peut-être pas une bêtise. C'est comme ça que j'ai remonté toute l'histoire et que je suis retombée sur Jean-Pierre Petit, enfin. Est-ce que je peux dire un petit mot? Allez-y. Voilà. Oui, je veux dire que cette affaire-là, elle n'a pas qu'un côté folklorique, amusant. À partir des années 60, il y a quand même un côté amusant, Jean-Pierre. Non, c'est pas ça. Je veux dire que si on me demandait ce que j'en retire, moi, sur le plan personnel, c'est un coup d'œil sur ce qui se passe sur Terre actuellement. Et en 75, il y avait des informations assez précises sur les armes à énergie dirigée. Moi, ça m'a amené à faire un voyage à Sandia, à Livermore, aux États-Unis. Et j'en suis revenu avec une vision tout à fait globale de ce qu'allait devenir la guerre des étoiles des années plus tard. Puis ça continue en 79, en 83, en 85. Ils suivent nos développements scientifiques. Oui, mais ils sont bien placés en tout cas. Non, pas nos développements scientifiques, nos développements scientifiques militaires. Et ce qui est raconté là-dedans est très inquiétant. Il y a quand même une chose qu'il faut bien se dire, c'est qu'en 39, un bombardier emmenait une bombe d'une tonne qui pouvait détruire un bâtiment. 6 ans plus tard, on avait 12 000 tonnes avec Hiroshima. En 65, 20 ans plus tard, on avait 100 mégatonnes. Je crois que personne n'imagine ce que c'est qu'une bombe de 100 mégatonnes. C'est 10 000 fois Hiroshima. Et ce que ces textes nous racontent, c'est qu'on ne s'est pas arrêté là. On a continué. Et la question, si vous voulez, qui s'extrait de ces documents, qui dépasse largement le problème cosmologique ou des choses de la main coupée, etc., c'est est-ce qu'on dispose actuellement d'armement antimatière? C'est-à-dire qu'actuellement, on a un plan de désarmement. Est-ce que c'est un vrai plan de désarmement ou est-ce que c'est pas un leurre? Est-ce que derrière, il n'y a pas des armes infiniment plus puissantes? Alors, puisque vous parlez de l'heure, nous-mêmes, on est en droit de vous poser la question. Est-ce que vous n'êtes pas victime d'un leurre comme... Par exemple, une grande partie de la communauté scientifique
lorsqu'elle a découvert, par exemple, vous savez, ces fameux cercles mystérieux en Grande-Bretagne. C'est facile à faire, ça. C'est facile à faire. Ah oui, mais on le dit maintenant. Parce c'est un beau canular, ça dure depuis 30 ans quand même. Oui, c'est qu'elle ça durait longtemps. Hein, ces deux petits pépés là qu'on voit là, les deux agriculteurs anglais. Voilà, ils nous montrent comment ils faisaient des cercles. Mais moi, je me souviens quand même qu'il y avait des scientifiques très sérieux qui nous expliquaient que, vu d'en haut. Moi, je ne m'étais pas intéressé à ça. Non, ça c'est vrai. Vous n'étiez pas de cela, mais beaucoup de gens étaient persuadés que c'était des coups. Les omissions. Dans cette logique-là, il faudra trouver les pépés cosmologistes qui se sont amusés pendant 28 ans à donner des informations scientifiques. Bon, alors si c'est ça la question. Se dévoiler, là aussi, absolument, je suis prêt. Il y a des charlatans qui ont essayé ça, bon, ils peuvent nous écrire. Daniel Costel, vous êtes interpellé, comme on dit, par ce type de révélation, non ? Oui, enfin, vous savez, j'ai l'impression qu'il y a plusieurs domaines. Le domaine de la croyance, le domaine de la science et le domaine de la science-fiction. Science-fiction, c'est-à-dire la poésie, et c'est somme toute tout à fait respectable, je veux dire. Donc vous n'y croyez pas, soyons clairs. Non, vous savez, je vais vous dire, j'ai pris l'habitude de tout croire. Je crois que c'est mieux, parce que on peut aussi bien m'interpeller sur la Vierge, sur Fatima, et sur la croyance en Dieu, n'est-ce pas ? Et on va voir ça tout à l'heure, en effet, vous étiez, on ne peut plus... Je suis tout prêt à croire. Je ne s'agit pas de croire, hein, je ne suis pas un homme de croyance. Là, c'est pas une croyance. Moi, je ne suis pas un homme de croyance. Vous voyez, ce qui est formidable d'ailleurs, c'est qu'on nous interpelle aussi quand on croit. Oui, c'est vous savez, si je disais je ne crois pas, on me dirait mais vous avez tort, c'est croire, j'ai fait une très bonne expérience scientifique, etc. Il faut être sceptique ouvert. Nous, on a essayé de faire une enquête de sceptique ouvert. Je ne suis pas sceptique et je suis ouvert. Voilà. Jean-Marc Hall, vous êtes plutôt sceptique, ouvert, fermé. Je dirais que je ne suis ni sceptique ni ouvert. Je pense que. C'est une réponse de Normand, bien que je sois breton et irlandais, mais peu importe. Je pense que l'un et l'autre, vous avez raison, parce que quand on a quand même des documents scientifiques et qu'on peut les prouver, il y a quelque chose qui me paraît étrange, qui me paraît mystérieux. Moi, j'ai d'autres choses qui me paraissent mystérieuses, que je n'explique pas. Mais je suis bien obligé de reconnaître qu'il y a quelque chose là qui est à prendre en considération. Alors, puisqu'on parle scientifique, je crois qu'au téléphone, me dit Yannick Jossin, nous avons l'un de vos confrères, Jean-Pierre Petit, qui est au téléphone. Qui êtes-vous, monsieur ? Oui, c'est Jean-Claude Ribes, directeur de recherche au CNRS et directeur de l'Observatoire de Lyon. Je voudrais faire un commentaire à propos de ce que Jean-Pierre Petit disait tout à l'heure sur la cosmologie et son origine humide. Bon, ce qui est très frappant dans ce qu'il nous dit, c'est qu'il n'y a rien eu de révolutionnaire dans ses écrits humides. Il n'y a pas eu de choses qui aient changé. Simplement, il y a des choses qui sont compatibles avec ce qu'on sait, avec ce qu'on savait, ça, c'est pas vrai. Et Jean-Claude, c'est pas vrai. Qui correspondent à ce que Sakharov avait publié il y a 20 ans. C'est pas vrai. Donc, c'est intéressant, ça montre que ce sont des gens végétariens compétents qui ont organisé cette chose, mais il n'y a rien de révolutionnaire. Jean-Claude, c'est pas vrai. Et si on avait des extraterrestres qui nous fassent une communication, on aurait quelque chose de vraiment étonnant. Jean-Claude, et c'est ça que je voudrais faire remarquer, on n'a rien de... Surprenant, on n'a rien d'extraterrestre. D'accord. Alors, là, Jean-Pierre. Moi, je réponds. Jean-Claude Ribes n'est pas spécialiste en cosmologie théorique, première chose. Vous, directeur de recherche au CNRS. Oui, mais il n'est pas spécialiste dans le domaine. Et ensuite, il n'y a pas de cosmologie à vitesse de la lumière variable. Et ce travail de cosmologie est solution de l'équation de champ. Et lorsque je suis passé dans l'émission avec Jean-Claude Ribes, il avait dit, vous savez, des modèles cosmologiques, il y en a plein. Non, des modèles qui sont solution de l'équation d'Einstein, il y en a trois, c'est tout. Bon. Alors, en tout cas, vous êtes, je peux vous dire, très convaincant parce que vous parlez avec fougue d'un sujet que vous avez... La science, c'est la science, point. De bien connaître. Cette couverture de VSD d'il y a 2 semaines, où il y a les révélations d'un scientifique français extraterrestre, ils sont parmi nous. Bon, alors,
les extraterrestres, ça fait 50 ans qu'on en parle. Je ne vais pas retracer ici toute l'histoire, le nombre d'apparitions qu'on a vues, les avions non identifiés, enfin les objets, pardon, volants non identifiés, les manifestations d'extraterrestres, je ne parle même pas des films, les armées qui s'en sont mêlées, on avait même, nous, la gendarmerie qui avait fait un service spécial là-dessus, les polémiques, les livres, etc. Bon, et puis ça continuait, et puis c'était bien, puis il y a des gens qui faisaient des best-sellers avec ça, et c'était parfait. Et puis voilà que Jean-Pierre Petit, qui est directeur de recherche au CNRS, qui écrit « Enquête sur les extraterrestres » qui sont déjà parmi nous aux éditions Albin Michel, où il dit que, quand même, il y a de fortes probabilités, il va nous en parler, pour que un certain nombre de découvertes scientifiques soient dues à des extraterrestres, et spécialement aux humites, aux habitants de la planète Humo. Je dois dire que Jean-Pierre Petit, Frédéric Gilbert, qui a préparé l'enquête, a eu au départ beaucoup de difficultés à trouver des scientifiques à mettre face à vous, parce que beaucoup, on ne va pas les citer, ce n'est pas ceux qui sont ici, ne voulaient même pas en discuter en disant tout ça c'est de la rigolade, etc. Nous en avons trouvé, qui sont venus pour justement discuter de ça. On va essayer d'en discuter en toute, je ne dirais pas objectivité, mais en tout désir d'information. Alors moi, je voudrais savoir, Jean-Pierre Petit, d'abord, qu'est-ce qui vous amenez, vous, scientifique, astrophysicien, c'est bien ça, ce que vous êtes Spécialiste de cosmologie théorique. Spécialiste de cosmologie théorique, on ne va pas parler de cosmologie théorique aussi, mais enfin, absolument. Et alors, qu'est-ce qui vous a amené, d'abord, à vous intéresser aux humites, et puis surtout à faire un livre, quand même, où vous, pratiquement, vous affirmez un certain nombre de choses, quand même, assez extraordinaires. En préambule, moi je vais faire tout de suite une précision, parce que ça correspond à une réunion que j'ai eue à la direction générale du CNRS. Je parle en tant que Jean-Pierre Petit, directeur de recherche au CNRS, je ne parle pas au nom du CNRS. Bon, à partir du moment où c'est précisé, nous sommes d'accord. Tout va bien. Hein? Alors, en 1975, donc, un de mes amis m'a amené un paquet de documents, une quarantaine de pages, de textes qui avaient été traduits de l'espagnol, qui avaient transité par Claude Poher du CNES, qui les avait obtenus d'un espagnol. Centre national d'études spatiales. Voilà, c'est ça, c'était assez curieux. C'était des documents qui étaient prétendument écrits par des gens qui venaient d'une autre planète. Quand on voit un document comme ça, on éclate de rire en disant, bon, peut-être qu'au bout de 10 minutes, ça va me tomber des mains. Et en examinant ces documents, première surprise, il y avait un contenu scientifique et technique qui était de qualité. Ça, je décris ça dans mon livre, on va reprendre ça sur place, c'est pas le lieu ni le moment. Oui, vous voulez dire que ça avait l'air, tout à fait, ça avait l'air, c'était fait par des gens qui connaissaient, qui savaient ce dont ils parlaient. La science et la technique, c'était pas fait par des petits étudiants comme ça qui auraient fait un petit canular ou encore par des non-scientifiques. Bon. Puis alors après, au fil des années, je me suis procuré de nouveaux documents. Je crois que je suis à peu près à 1500 pages maintenant. Et j'ai découvert un réseau qui était implanté un peu dans le monde entier. Réseau des correspondants des humites, c'est bien ça. Non, le volume, oui, le réseau des correspondants des humites et le volume des documents qui arrivaient. C'est une histoire qui dure depuis 28 années, puisque ça a commencé en 62. Hein. C'est complètement insolite comme histoire. Alors en deux mots, Jean-Pierre Petit, parce que pour que les gens comprennent, parce que les humites, ils vont se dire, est-ce que c'est une nouvelle marque de jeans, c'est quoi les humites? Alors, les humides, ce sont les habitants de la planète Humo. Ben, ce sont des lettres qui disent, voilà, nous habitons une planète qui est à 15 années-lumière de chez vous, et puis nous sommes arrivés sur Terre chez vous le 28 mars 50, et même dans la région de Digne. Bon, ça n'importe qui peut écrire ça. Hein. Oui, ça voilà, exactement. Ils sont contents en France, ils ne sont pas comme par hasard, ils sont arrivés en France. Pas de problème. Bon. Maintenant, il y a des informations scientifiques liées à la mécanique des fluides, à la physique des gaz ionisés, à la cosmologie. Et là, j'ai commencé à accrocher un petit peu là-dessus. Premièrement, ces informations sont de qualité, mais elles sont aussi en avance sur notre époque, puisque j'ai pu en faire de la science. Et je crois que... Attendez, qu'est-ce que vous avez dit par « j'ai pu en faire de la science » ? Publier des travaux scientifiques originaux à partir de ces documents, en les exploitant directement. Il y a des informations suffisamment précises. Et moi, ce que je peux vous dire, c'est que j'ai pu extraire de ça une solution des équations de la relativité générale à partir de données relativement précises qui étaient fournies dans ces documents. Oui. Donc, ce n'est pas simplement une muse qui vous inspire, ce sont des choses exploitables. Moi, ça me surprend. Donc, attendez, Jean-Pierre Petit, ce que vous dites, c'est que vos travaux scientifiques, enfin, une partie de vos travaux scientifiques, vient de cette correspondance. Complètement, depuis 15 ans. Absolument. Puis je me suis dit, tout d'un coup, je vais le raconter. Quoi. D'accord. Et, ça a été publié dans des revues scientifiques de haut niveau. Et il n'y a pas un spécialiste. De premier niveau international, oui, au top niveau. Et il n'y a pas un spécialiste français ou étranger qui viendrait critiquer mon travail. Et d'ailleurs, ça m'a été dit à la direction générale du CNRS. Vos travaux scientifiques ne sont pas en cause. Personne ne les conteste. Non, mais de toute façon, on n'est pas là pour les contester. Voilà, on est là pour effectivement parler des sources. Voilà. Alors, ça semble tout à fait étonnant.
quand même, parce que quand vous dites que ça peut pas être des étudiants qui ont fait un canular, première chose, est-ce que ça peut pas être des scientifiques qui ont fait un canular? Bon, alors ça, c'est une deuxième hypothèse qui a immédiatement été faite. Bon, alors il y a la durée de ce canular, 28 ans. Hein. Il y a la qualité des informations scientifiques, il y a la variété des domaines abordés. Donc c'est quelque chose de très coûteux. Qui se serait amusé à distribuer à une poignée d'Espagnols totalement incapables de les comprendre des informations tout à fait en pointe en cosmologie théorique? Et alors, juste question, pourquoi des Espagnols? Alors ça, j'en sais strictement rien. Je crois que c'est surtout parce que ce sont les gens qui ont... parce qu'ils sont bavards, parce que ce sont ceux qui ont parlé. Lorsque, en 67, cette affaire a fait tache d'huile dans la presse, est arrivée une lettre du Canada de gens qui avaient également reçu les documents et qui disaient « Pourquoi parlez-vous? Vous savez bien que nous avons consigne de ne pas parler. » Donc il y avait un réseau canadien. Il y a un réseau allemand, il y a un réseau australien, il y a un réseau... Alors, Martine Castelot, je connais Martine Castelot, vous êtes journaliste scientifique au Figaro. Oui. Bon, et puis vous avez écrit vous-même un livre sur ces mêmes mythes, La conspiration des étoiles. Oui, en collaboration avec Isabelle Blanc et Philippe Chambon. C'est très bien, vous avez raison de citer vos collaborateurs. Et alors vous, alors en revanche, vous avez des tas de détails sur les humides, la sexualité des humides. Est-il vrai, parce que ça c'est intéressant, que paraît-il qu'ils ne connaissent d'émotion sexuelle qu'en accélération? Oui. Que c'est le seul moment où vraiment ils sont bien, c'est le moment où ça s'accélère. C'est pas ça. Ils en ont aussi, ils en ont en accélération, mais ils en ont chez eux, tranquillement, dans leur chambre, comme tout le monde. Mais alors, ils ont des émotions sexuelles quand ils se voient nus. Enfin, vous allez dire que c'est pas tellement intéressant, c'est la même chose que chez nous. Mais ils ont d'abord un premier contact sans se toucher. Vous voulez que je vous décrive Oui, absolument, absolument. C'est quand même passionnant. Je ne sais pas ce qui nous a passionné le plus dans cette histoire. Non, mais vous, c'est toujours à partir de la correspondance espagnole? C'est dans leur lettre, parce que dans leur lettre, il y a beaucoup de choses scientifiques. Il y a aussi des détails sur leur vie quotidienne, sur leur histoire, sur leur religion. Alors, attendez, c'est un humide qui regarde une humide. Ils sont hétérosexuels. Enfin, il y a... C'est pas tellement homosexuel, non, c'est hétéro. Mmh. Et alors, ils sont nus et ils se regardent. Tout le plaisir est dans le regard. Ils mettent beaucoup de temps à se rapprocher, c'est très très lent. Saint-Exupéry est un humour, hein. S'aimer, c'est regarder ensemble dans la même direction. Mais là, ils se regardent en face, quoi. Ah, d'accord. Et alors? Et qu'est-ce qui se passe? Ce sont des gens intelligents, super intelligents. Si vous voulez que je vous décrive un peu la mentalité des Inuits, je pourrais dire qu'ils ont une raison du cœur. C'est-à-dire qu'ils sont très raisonnables et toute leur morale passe par la raison. Ils sont tolérants, ils ont le sens de la liberté, mais ils n'ont pas d'émotions comme qui pourraient ressembler aux nôtres. Ils ont le souci de respecter la liberté de chacun, et puis du respect de ce qui se fait, de ce qui ne se fait pas. Ils sont un peu conventionnels, si vous voulez. Ah, attendez, il y a une contradiction quand même, parce que dans le livre de chez Jean-Pierre Petit, le système humo n'est pas spécialement un système démocrate humaniste. Si, c'est très très humaniste, mais c'est organisé, tout est pensé dès le début. Si vous voulez, quand il y a un enfant qui naît, on regarde son potentiel et on le suit pendant quelques années. Et on se dit, ce petit, ça sera un très bon maçon. Au maximum à lui, ça sera d'être maçon. Ah, ils ont résolu le problème de l'orientation scolaire. Voilà, dès le début, on voit ce qu'il pourra faire dans la vie, ce qui l'intéresse, ses pulsions, mais aussi ses capacités intellectuelles. Donc il va faire toute sa vie ce pour quoi il est fait. Et il sera à la bonne place dans la société, parce que tout le monde gagne de la même manière. Donc, si on, un des cinq... Ah, vous voulez dire que c'est les mêmes, salaires, oui. Donc si quelqu'un a été choisi, et il a le potentiel pour être médecin, il sera médecin. S'il veut devenir maçon, il ne pourra pas l'être. De manière, il sera payé pareil. Et ce n'est pas sa place. Il devra rester à sa place. Chacun travaille selon ses capacités. Mais c'est... Attendez, si j'ai bien compris. Le marxisme-léninisme s'effondre en l'URSS. Absolument. Et voilà, il est chez les humeaux. Oui, c'est bien ça. Ah ben voilà, c'est intéressant. C'est plus que du marxisme, ça va un peu plus loin quand même. Non, c'est un marxisme extraterrestre. Oui. C'est de la déshumanisation, c'est-à-dire vous êtes en train de dire qu'un bébé avant même qu'il naisse, on prédestine à être maçon, et si un jour il veut changer, il restera maçon. Non, ça c'est le meilleur des mondes que vous me décrivez. C'est la sélection avant. C'est exactement ce que vous venez de dire. Vous avez dit, après la naissance, si un enfant est jugé apte à être maçon, pendant plusieurs années on va le suivre, il sera maçon. S'il est apte à être médecin, il sera médecin. Voilà. C'est exactement ce que vous avez dit. Après la naissance, je répète ce que vous avez dit. Moi, j'appelle ça de la déshumanisation, ou alors en tout cas de l'intérêt collectif à outrance. Oui, c'est ça, c'est l'intérêt collectif à outrance. De manière, des animations, ce ne sont pas des êtres humains, Il y aurait d'autres choses qu'on pourrait leur apprendre. Si vous voulez, par exemple, moi, je ne dis pas que c'est l'idéal, je ne le vois pas comme l'idéal. Parce que, par exemple, ils n'ont aucune imagination, ils sont tellement sérieux que leurs lettres sont un peu tristes.
En plus, ils n'ont aucun sens de l'art. La seule chose qu'ils font, ce sont des concerts d'odeurs. Ils adorent, ils ont des orgues à parfum et ils se font des concerts d'odeurs. Ils ont l'odorat hyper développé. Ils font des concerts d'odeurs. Oui, parce que nous, on fait des concerts de musique. Oui, c'est vrai, oui. C'est pas mal. Il y a le top 50 de l'odeur, voilà, il y a la pop odeur. Voilà, il y a... Non, mais c'est... Et c'est... Non, écoutez. Quand, écoutez, franchement, Jean-Pierre Petit, bon, j'écoute ça. Non, mais tout ça, ça me paraît extrêmement sympathique et plutôt... Enfin, effectivement, je partage un peu, monsieur, là, il y a des choses un peu quand même effrayantes. C'est leur manière d'être, hein. C'est leur manière d'être, ils ne se présentent pas comme ce qu'il y a de mieux, hein. Tout à fait, non, mais je n'ai pas dit ça, mais enfin, vous les aimez un peu, quand même, Martine. Hein. Bah, vous me suis habitué tout le temps que je les fréquente, ça fait 2 ans et demi, bon, que je vis avec eux, avec leurs lettres, en rencontrant les gens qui sont dessus depuis des années, qui les voient, qui s'en occupent, qui leur téléphonent. Alors, Jean-Claude Ribes, vous êtes directeur de l'Observatoire de Lyon, vous êtes astronome. Qu'est-ce que vous pensez de cette... C'est de la science-fiction. Bon, moi, je suis animateur de science-fiction. Ce qui me gêne toujours, c'est quand on mélange la science-fiction, une histoire, bon, un peu banale d'ailleurs, avec pas beaucoup d'imagination, je trouve, et puis essayer de dire c'est vrai. Donc, j'aimerais, si vous voulez, peut-être pas le faire tout de suite, mais qu'à un moment, on parle d'extraterrestres, parce que tout à l'heure, vous avez dit, les extraterrestres, on en parle depuis 50 ans. Ce qu'elle avait l'air de dire, les extraterrestres, c'est uniquement les petits hommes verts, les soucoupes volantes et des choses comme ça. Or, le problème de la vie extraterrestre est traité depuis 2000 ans et plus. On en parle. Les et c'est un sujet scientifique, étudié, sur lequel on peut dire un tas de choses. Et la composante OVNI, comme quelque chose qui est éventuellement quelque chose à voir avec la vie extraterrestre, est quelque chose à étudier. Non. Monsieur Rive, ce que je voulais savoir, c'est que vous estimez que la démarche, par exemple, dans ce livre, de Jean-Pierre Petit, je parle dans ce livre, n'est pas une démarche scientifique. Non, effectivement, je pense que c'est une démarche de croyance. Et Jean-Pierre Petit, à mon avis, est trop modeste lorsqu'il... Non, faux, non, pas du tout. Je pense que vous êtes trop modeste dans ce cas-là, en prêtant à des révélations extraterrestres les travaux de cosmologie que vous avez faits, sur lesquels moi, je ne suis pas spécialiste, je ne me prononcerai pas. Ils ont été publiés dans des revues, comme vous dites, de haut niveau, où il y a un comité de lecteurs, donc ça prouve qu'ils étaient jugés de bon niveau par la communauté scientifique. Alors, que vous décidiez de dire, ah ben oui, j'ai lu une révélation... Bon, c'est vrai que Sakharov a publié une partie de ces choses-là aussi en 67, et donc il y a des coïncidences, c'est normal, les mêmes idées, plusieurs personnes peuvent les exprimer. Voilà. Mais le reste, pour moi, c'est de la science-fiction. Moi, je voudrais faire un commentaire. Jean-Pierre Petit, oui. Alors, premièrement, dire que dans ces textes, ça manque d'imagination, ça c'est faux, parce qu'il y a des choses quand même qui sont assez subtiles, et vous ne pouvez pas les qualifier. Bon, évidemment, quand on prend, il y a tout un aspect folklorique qui a été évoqué, et cet aspect folklorique, c'est pas ça qui est intéressant. C'est le noyau dur, science qui est intéressant. Bon. Alors, premièrement, que ça manque d'imagination, ça c'est pas vrai. Ensuite, ce que vous dites là actuellement, c'est que vous avez publié des travaux qui sont solides, et puis maintenant, vous êtes en train de vous faire un peu de publicité en ramenant cette histoire de contact pour essayer de faire parler un petit peu de vous là-dessus. Ça revient à peu près à ça au même. Ah non, non, mais pour faire une chose pareille, eh bien, il faudrait que ce soit moi qui ai à la limite écrit ces documents. Or, ça date de 62. La grosse partie de la formation scientifique arrive entre 62 et 67. C'est-à-dire à une époque où moi, j'étais étudiant en sciences. Oui. J'étais étudiant en sciences. Alors, je ne pourrais pas avoir fabriqué ce type de matériel en me disant je vais m'en servir dans 25 ans. Mais attendez, Jean-Pierre Petit, ouais, je veux bien tout cela. Évidemment, sur le contenu scientifique, oui, Jacques Vavin, je vous donne... Ça, évidemment, et ça, on ne peut pas discuter, et tout le monde va vous accorder voix, étant donné que vos travaux scientifiques sont reconnus, etc. Mais il y a quand même des choses, c'est-à-dire que vous avez prouvé le besoin de vous engager. Dans votre livre, à un moment donné, vous décrivez ce que vous avez eu, je raconte, dans une chambre d'hôtel. Ça, c'est souvenir au rêve. Bon. Ça fait partie du côté testimonial. Oui, alors, le côté testimonial, où vous dites, vous étiez là, vous étiez presque comme paralysé, et vous avez presque vu des hommes, ou enfin des apparitions qui étaient en train de passer dans votre chambre. Vous ne le présentez pas honnêtement comme un rêve, vous le présentez quand même comme quelque souvenir chose de vécu. Souvenir ou rêve. Exactement comme ça. Parce que quelque chose dont vous êtes témoin, vous ne pouvez pas dire si c'est quelque chose que vous avez vécu ou c'est quelque chose qui a été pour vous une hallucination ou un rêve. Vous ne pouvez pas le dire honnêtement. Alors, la question c'est que sans ces documents-là, je n'aurais pas pu faire mes travaux scientifiques. Ça, c'est un point. Ça, c'est très intéressant. C'est-à-dire que le fait que vous dites, parce que c'est ça la question qui est posée, en fait, les humides ne sont pas un alibi pour faire passer un certain nombre de découvertes scientifiques ou de travaux scientifiques, vous dites, j'ai eu ça par cette correspondance. C'est un handicap. Bon. Non, c'est pas un handicap. C'est très beau comme histoire. Oui. Mais alors, la question qu'on peut se poser, et je vais poser, est-ce que quand même, vous ne pensez pas, alors l'hypothèse qu'on a abordée, que ce sont des gens qui peut-être, effectivement, sur une période extrêmement longue, et pourquoi pas, ont pu, écrire tout un corpus, comme on dit, de lettres, etc., qui ont servi... Alors,
C'est la question que je pose. Il faut être scientifique pour faire une chose. Absolument, mais je dis, est-ce que les scientifiques n'ont pas de temps? Ils n'ont pas de temps à perdre. Les scientifiques, quand ils ont des idées scientifiques, ils les exploitent pour eux-mêmes. Ils ne vont pas s'amuser à ensemencer une douzaine d'Espagnols avec des choses pareilles. Ouais. Ça ne tient pas de bout. C'est une piste qu'on a explorée dans notre livre et elle ne tient pas la route. Alors, monsieur. Oui, je voulais juste dire, pour être complet et pour éclairer les spectateurs, dans les hypothèses possibles, j'ai pas d'opinion sur la vérité, mais dans les hypothèses possibles, il n'y a pas forcément le canular fait par quelqu'un pendant 25 ans ou la vérité. Il peut y avoir aussi un canular ou quelque chose de monté à un moment donné et un phénomène qui s'autogénère ensuite parce que simplement, ça se connaît. Bon, je connais bien les Espagnols pour avoir vécu en Espagne et travaillé à l'époque de ces affaires-là. Bon, ils sont très excités sur les affaires d'OVNI et toutes ces choses-là en général. Donc, on peut imaginer, je ne l'affirme pas du tout, mais on peut imaginer que le phénomène humo démarre à un moment donné par l'action de quelqu'un et qu'ensuite, spontanément, des spécialistes à droite ou à gauche ou des groupes aient envie de continuer à le faire vivre et que 100 ans après, le phénomène humo continue. Oui, mais vous me disiez tout à l'heure, moi, j'aurais été très tenté de créer des documents de ce genre, mais moi, je vous mets au défi de le faire. C'est-à-dire, faites un document qui contienne des informations scientifiques qui soient cohérentes et ça, c'est pas facile à faire. Attendez. Parlez pas sans micro, c'est pas la peine. On a montré à d'autres physiciens un certain nombre de documents humides et le verdict, en fait, est que c'était tout à fait à la portée d'étudiants ayant un niveau de maîtrise maximale. Qui sont ces gens? Des physiciens. Vous pouvez donner leur nom? Je peux citer au moins un nom. Qui? Oui, M. Bergougnou, qui est un physicien à Avignon. Il est à Avignon, mais est-ce qu'il est spécialiste en documents historiques? Non, mais on ne fait pas le coup de l'argument d'autorité, on en discutera. Non, mais c'est très important, parce qu'il faut être spécialiste de la discipline concernée. Bien entendu. Qu'est-ce qu'il vous a dit, ce monsieur? Bon, écoutez, j'ai pas les documents ici. Ce que je peux vous dire, c'est que son opinion générale sur ces documents et qu'il s'agissait là de l'œuvre tout à fait classique d'étudiants de maths physique qui auraient un peu d'imagination. Alors, quelles sont ses qualités scientifiques? Quelle est sa compétence? Il faut que vous nous le disiez. Non, mais on va pas passer le débat là-dessus. Ce que je voulais simplement vous dire, c'est qu'il y a l'opinion de Jean-Pierre Petit sur ces documents et qu'il y a d'autres opinions. Oui, moi, je suis spécialiste de cosmologie théorique et votre bonhomme, je ne sais pas ce qu'il fait. Oui, attendez, Jacques Benveni, et ensuite, monsieur. Oui. Oui, monsieur demande ce que c'est que la cosmologie théorique. Ben, c'est une théorie d'Einstein, c'est la relativité générale, c'est au top niveau de la science. Attendez. Je croyais que la théorie d'Einstein venait d'être mise en cause il y a un an ou deux par un Américain qui est dans une chaise, ne peut pas parler, s'exprime par ordinateur. Il a remis en cause lui-même la relativité d'Einstein. Non, c'est pas vrai. C'est plus compliqué, on ne va pas s'engager là-dessus. Non, là. Parce que c'est une autre chose. Vous avez une information à cinquième nom. Mais ça, c'est un autre problème. Et puis, la théorie n'a pas été remise en cause, elle n'a pas été démentie. C'est une discussion scientifique qui a lieu. Je voudrais dire quelque chose au sujet des documents scientifiques. Nous aussi, nous les avons fait analyser par d'autres chercheurs que Jean-Pierre Petit. Et c'est vrai que par moments, il y a des erreurs stupides qui sont vraiment d'un niveau de terminal qu'un élève de terminal fait ne serait pas. Et alors, c'est très bizarre, ça oscille en permanence entre des documents très très intéressants, très très originaux, et puis une erreur grossière à chaque fois. Alors c'est vrai que tous les scientifiques, et j'en connais pas mal, et ce petit anon, puisque je suis dans mon livre Jean-Pierre Luminé, qui est sur les trous noirs, un peu tout, quand ils ont lu, ils ont été très enthousiasmés, et puis après ils sont tombés sur une ou deux fautes comme ça, et puis, oh non, c'est de la bêtise, et ils ont laissé tomber. Alors, bon, le seul, ce qu'a fait Jean-Pierre, c'est qu'il a lu des centaines de lettres. Donc, dans l'ensemble, il a réussi à retrouver, c'est comme un puzzle. Oui, attendez, Martin Castello, je crois que je vais donner la parole à Jacques Benveniste, ensuite à Renaud Maric. Oui. Oui, moi je voudrais que... Jacques Benveniste, vous êtes, je dois dire, directeur de recherche à l'INSERM, scientifique vous-même. On a beaucoup parlé de vous, ce n'est pas le sujet de l'émission, au sujet notamment de la mémoire de l'eau, mais vous avez préfacé, en tout cas, vous avez édité le livre de Jean-Pierre Petit. Oui, c'est ça. J'ai ouvert une collection qui s'appelle Aux Marches, dans les deux sens du terme. Limites et marches de la science chez Albin Michel. J'ai donc ouvert cette collection au livre de Jean-Pierre Petit. Et j'ai ouvert uniquement parce que, de quelque côté, et ça je voudrais bien qu'on essaye de centrer le débat là-dessus, de quel côté qu'on se tourne, il y a un mystère scientifique. Si on déclare que ce sont des extraterrestres, et je tiens à préciser une fois pour toutes, que aussi bien le livre de Petit que le livre des trois auteurs qui viennent de sortir chez Lafon, je crois, à aucun moment il est possible de dire que ces gens font preuve d'une croyance quelconque. Ils sont là, ils se posent des questions, et je crois même qu'à la fin, ils terminent plutôt en disant on n'en sait trop rien. Oui, attention, c'est plus compliqué que ça. Ouais, mais dans l'ensemble, c'est la tonalité des deux livres. Il n'y a pas du tout une adhésion sans réserve à ce genre de choses, et les nombreuses anomalies sont très bien décrites. Mais surtout, il y a un problème scientifique. Car, ou bien il y a un mystère humo, ou il y a un mystère petit. On ne peut pas sortir de là. Alors, le mystère petit, c'est le suivant.
Voilà quelqu'un qui, de formation de base, qui, je comprends bien, est ingénieur de l'aéronautique, plutôt destiné à dessiner l'aile de l'Airbus, ou un empennage chez l'aérospatial, qu'à faire des études théoriques fondamentales. Il sort, il y a 15 ans, tout un ensemble de, pratiquement de plans, il fait circuler de maquettes, de vaisseaux, de bateaux qui peuvent se transformer en avions, pour la puissance qu'on y met, MHD, magnéto-hydrodynamique. Bon, évidemment, comme vous l'imaginez, dans notre beau pays cartésien, tout le monde rigole. Bon. Oui, je précise simplement que ces avions ou bateaux pourraient aller à des vitesses pour des avions de 1500 km/h et pour des bateaux de 400 km/h sous l'eau. Pour les avions, beaucoup, beaucoup plus que ça. 15 km/h, sans bang. Enfin, au niveau des toits, pour un principe. Bon, très bien. Plus besoin du TGV, hein, c'est bien. D'où d'ailleurs le fait que Petit soit arrivé à considérer les ovnis comme une hypothèse possible, puisque ces aéronefs-là volent sur un principe qui ressemble fortement aux ovnis. Bon, très bien. À partir de là, tout le monde rigole, et évidemment, les inévitables fourmis japonaises, VSD de cette semaine, eux, rigolent pas du tout, et font circuler un bateau, et évidemment, dans 15 ans ou 20 ans, l'industrie française va ramer derrière pour essayer de fabriquer les mêmes machins. C'est l'histoire habituelle de la découverte scientifique en France, on n'y reviendra pas. On peut montrer le bateau en question. Le bateau en question fonctionne avec 18 passagers. Je sais pas, ça fait 22 mètres de long, 150 tonnes. Oui, monsieur, attendez, 30 secondes. Ouais. Savoir, pardon, s'il est possible de regarder un peu le débat sur le thème de l'ufologie. Ici, on est. Non, mais j'interviens parce qu'on a le choix entre une alternative finalement qui est pour les scientifiques de ne s'intéresser qu'à la vie extraterrestre et pas du tout au dossier OVNI. Et pour ceux qui sont intéressés dans le dossier OVNI, de s'intéresser simplement à des aspects contactés, un avatar des contacts qui durent depuis plusieurs dizaines d'années. Le dernier en date, enfin, le dernier révélé sur le plateau, c'est HUMO. Et l'ufologie, c'est bien autre chose que les contacter ou rien du tout. Et je crois que les scientifiques en tant que tels, je suis aussi maître de conférence dans un laboratoire affilié au CNRS, en tant que tels, les scientifiques peuvent avoir une attitude sur le dossier OVNI. Et je crois que celle-ci mérite d'être discutée, et elle pourrait être discutée de façon posée, à la fois par des gens qui réfutent, et je crois avec de bons arguments, le discours prétendu HUMO, et par les tenants de ce discours. Écoutez, excusez-moi, de toute façon, l'émission est bien là-dessus, oui. Allez-y, je voudrais bien l'amener jusqu'au bout. Ouais. Je ne crois pas qu'aujourd'hui, ce soit le problème des ovnis. Enfin bon, on peut en parler si vous voulez. Non, mais l'émission, en tout cas, elle est un peu là-dessus. Ouais. C'est à propos du livre de Petit. Hein. Bon, c'est pour ça qu'on a fait l'émission. Oui, je voudrais donc continuer cette histoire. Là-dessus, on considère la MHD comme chose de pas très intéressant. Petit dit, bon, bah, très bien, on ne veut pas choisir la MHD, je vais faire la cosmologie fondamentale. Et à ce moment-là, il publie des thèses du niveau de celle de Zakharov, publié dans les plus hautes revues internationales, changeant complètement notre conception de l'univers, et par exemple, pour donner un exemple très frappant, parlant de vitesse de la lumière variable. Alors qu'on sait bien que tout repose sur un dogme, la vitesse de lumière est constante. Il est immédiatement excommunié sur le plan scientifique, comment la lumière variable soit possible, etc., etc. Alors moi j'aimerais qu'on m'explique comment quelqu'un, à moins que l'autre hypothèse qui est possible, c'est que Petit lui-même soit un humain, soit un extraterrestre, comment quelqu'un peut passer de la conception presque technologique, je dirais, de véhicules, à des travaux de cosmologie fondamentale. Alors, à la fin du mot. Ou bien Petit est un génie absolu, il faut tous retenir sa place au Panthéon dès maintenant, ou bien il y a un autre mystère quelque part. Mais il faut discuter autour de ce problème. Alors attendez, vous posez le problème Petit, mais ce n'est pas seulement, on n'a pas fait l'émission. Je pose le problème du contenu scientifique. Tout à fait, ce que je veux dire, c'est que ce que vous essayez de dire, évidemment, et c'est vrai, c'est que Petit n'est pas un plaisantin, Petit est un scientifique qui a fait un certain nombre de travaux, et qu'on se dit à ce moment-là, est-ce qu'il faut poser le problème, est-ce que lui est un ovni ou pas? Je crois que le problème ne se pose pas seulement là. Le problème se pose à partir du moment où il intègre, et pourquoi pas, et attention, là on n'est pas, où il intègre la planète HUMO, les travaux des humites, dans ses travaux scientifiques. Ou du moins, il estime qu'il leur est redevable. Ce qui est très intéressant. Mais à partir de là, ça pose un problème, puisque tout ce qui s'est passé autour, ça vient de là. Renaud-Marie. Si on dit non, on doit immédiatement répondre à l'autre question, sinon on ne va pas au fond des problèmes, on survole. Hein? D'où viennent les découvertes de Petit? Il faut répondre à cette question. Alors, Jean-Louis Audier, qui n'a pas encore parlé de l'Observatoire de Nice. Vous êtes Il n'y a pas que les découvertes de Jean-Pierre Petit qui viennent de très loin. À mon avis, la genèse d'une idée scientifique, c'est quelque chose qui peut être extrêmement bizarre. Et ça tient très souvent de considérations poétiques ou esthétiques, plus que de considérations scientifiques. Je ne connais pas
le fond scientifique des lettres des jumeaux, parce que je ne sais pas ce que c'est. Je sais que le travail de Jean-Pierre Petit, c'est un travail de très haute qualité scientifique. Est-ce que Jean-Pierre Petit ne fait que traduire ce qui avait déjà été révélé, ou est-ce que une idée qui était au milieu d'un fatras, puisque c'est cité comme ça, s'est mise à provoquer un déclic qui a permis de faire germer une idée intéressante? C'est le problème de la pomme de Newton. C'est-à-dire qu'on peut passer à côté de tas de choses pendant des dizaines d'années, et puis, c'est pas parce que, grâce à une pomme, Newton a compris peut-être ce que c'était que la gravitation, que la pomme était extraterrestre et possédait la révélation... Mais la pomme est tombée de la planète Jumeau. Voilà. Alors ça, c'est effectivement le premier problème. Je crois qu'il faut déconnecter la genèse de l'idée scientifique. C'est quelque chose de bien très personnel, ouais. Et ça peut venir de n'importe quoi, hein, un poème bien lu, de la musique. Et je veux dire, bon, si les équations sont simplement traduites depuis les lettres humaines, alors s'il y avait une idée qui passait dedans, qui s'avère effectivement être riche, etc. Jean-Pierre Petit, avant de faire une autre histoire. Oui. Je voudrais faire parler juste Renaud Maric qui dirige SOS OVNI. Oui, je peux peut-être me présenter rapidement, c'est pas le plus important, mais que les téléspectateurs sachent à qui ils ont affaire. SOS OVNI, c'est donc une association d'ufologues, de personnes s'étant regroupées pour essayer d'en savoir plus sur les ovnis. Ils se trouvent à Aix-en-Provence. Jusque-là, rien de très original. Des associations comme ça, il y en a beaucoup à travers la France et le monde. Peut-être deux particularités. C'est une association qui existe depuis 1974, donc une certaine ancienneté. Et puis aussi, c'est une association qui ne fait pas qu'engranger des témoignages et de l'information, mais qui, je dirais, restitue l'information à travers deux revues, un trimestriel nommé OVNI Présence, une revue nommée Phénoména, et un serveur Minitel qui est le 3615 SOS OVNI. Maintenant, vous avez fait votre pub, vous avez raison. Merci. Maintenant, revenons au débat. Bon. Association de loi 1901, je le précise, hein, donc pas de publicité commerciale. Maintenant, pour en revenir très précisément à ce débat, je suis frappé par le fait que l'on parle énormément de vérification scientifique, mais qu'on ne se soit pas tourné vers des gens qui sont les spécialistes de l'espionnage et du renseignement. Car on s'aperçoit de quoi dans cette affaire Humeau, c'est qu'elle porte en elle sa propre destruction, son propre discrédit. Et pour prendre un exemple qui est très proche de nous, c'est l'émission qu'on est en train de faire. Par quoi a-t-elle commencé? Par des questions tout à fait scientifiques avec Jean-Pierre Petit. Je pense que ça a retenu l'attention de beaucoup de téléspectateurs, que ça les a frappés, mais tout de suite on embraye avec quelque chose d'autre qui est la sexualité des jumeaux, et là je pense que ça a fait rigoler énormément de gens. Recommencez pas l'émission. Est-ce que vous avez des choses à dire par rapport à ce qui s'est dit? Il y a un vrai débat fondamental. Il ne faut pas analyser l'émission, vous n'êtes pas critique de télé ici, et ce n'est pas le problème. Le problème est de savoir, par rapport à ce qui est en train de se dire, et qui est fondamental, alors il ne faut pas perdre du temps là-dessus, il faut savoir si pour vous, puisque vous êtes SOS OVNI, est-ce que c'est quelque chose par rapport... Parce que le sujet, je reviens juste un mot, c'est que Jean-Pierre Petit met sa compétence scientifique quelque part au service des humites. En ce sens qu'il dit, les humites m'ont inspiré. Ce qui est d'ailleurs extrêmement, je dirais, en tout cas, très courageux de sa part et très aventureux de sa part. Alors qu'est-ce que vous pensez de ça, qui est le fond du débat, ce qu'a dit aussi Jacques Benveni? Ces révélations, on les connaissait en privé depuis un certain temps. Sur le plan strictement ufologique, je ne sais pas si c'est très intéressant ce que l'on peut dire. Il est question dans ces livres de photos d'OVNI qui se sont révélées être truquées, effectivement. Mais ça, c'est pas important. Moi, ce que je veux... Non, mais il y a le livre de Martine Castello, okay. Également. Moi, ce que je veux dire, simplement, c'est que cette affaire-là ressemble quand même beaucoup à une désinformation telle qu'elle se pratique par les services de renseignement que l'on connaît à travers le monde. Voilà, tous les gens qui, sur ce plateau, ne sont pas scientifiques, ne peuvent évidemment pas contrer Jean-Pierre Petit. Je n'ai aucune prétention scientifique à ce niveau-là, c'est évident. Il y a une autre interprétation possible, qui est l'interprétation de la conspiration ou de l'espionnage. Ce que je veux dire, c'est que ce procédé qui consiste à présenter des documents qui sont tout à fait valables, tout à fait intéressants, et à glisser au milieu de ces documents des erreurs du style 1 plus 1 égale 3, eh bien, ce procédé-là est un procédé classique des manipulations et des désinformations telles qu'elles se pratiquent dans les grands services de renseignement qu'on connaît dans le monde. Bon, Jean-Pierre Petit, oui. Alors moi, je voudrais répondre à Eudier, parce que Eudier parlait des sources d'inspiration des scientifiques. Bon, effectivement, Newton, il a une source d'inspiration, il a vu tomber une pomme. Un autre aura vu un poème. Bon, là, sans rentrer dans les détails techniques, il y a quand même des choses très précises. Le produit du rayon de courbure de l'univers par le carré de la vitesse de la lumière est une constante absolue. La vitesse de la lumière varie. La solution unique est à courbure négative. L'énergie se conserve et pas la masse. Bon, dans d'autres plans, il existe deux univers qui sont énantiomorphes, qui ont des flèches du temps en opposition. L'un contient la matière, l'autre antimatière. Ce sont des renseignements scientifiques techniquement précis. C'est pas une pomme qui tombe. Et moi, c'est ça qui m'étonne. Mais est-ce que ces renseignements, c'est ça qu'on va savoir, est-ce que
c'est les humides qui vous les ont révélés. Les documents, c'est les documents. Bon. Et maintenant, je vais vous donner un type de renseignement qui n'est pas encore exploité. En 88, un certain Dominguez a un de ces bons hommes-là au téléphone. Les Espagnols posent les questions qui correspondent à leur niveau scientifique, ils sont assez naïfs, c'est monsieur tout le monde. Il dit, qu'est-ce que c'est qu'un trou noir? Et l'autre répond, ça n'existe pas. Quand une étoile à neutrons atteint sa masse critique, celle-ci est transférée dans la structure gémellaire. Voilà le type de réponse. L'Espagnol ne peut strictement rien comprendre à cette question-là. Ben, je vous garantis que ça engendre chez moi un tas de recherches scientifiques. J'espère bien aboutir. Là, je prends date, parce que là, je n'ai pas encore abouti. Vous voyez. Structure gémellaire, tout ça, on va en parler. Oui, je voudrais revenir à ce que M. Benveniste disait tout à l'heure. Je crois que c'est tout à fait faux, en fait, la présentation qui est faite, et elle est justement un peu trop fantastique. L'histoire de la MHD. Jean-Pierre Petit a fait des choses dans la MHD, il a apporté des contributions sur la... un système théorique de propulsion d'aéronefs en HD. En revanche, pour les bateaux, il n'y a strictement rien et on n'a pas eu besoin des jumeaux. J'ai fait en 61 des expériences dans mon lavabo. Je ne vais pas prétendre que j'ai fait des inventions parce que c'est élémentaire, c'est connu depuis 100 ans à peu près. Donc, la propulsion des bateaux, les Japonais n'ont rien volé à Jean-Pierre Petit là-dedans. C'était publié dans les années 60 aux États-Unis déjà et les gens avaient bien vu le problème. Le problème de base, c'est absolument élémentaire, la propulsion MHD d'un bateau. Simplement, ils avaient dit tout de suite, malheureusement, ça ne peut pas marcher de façon pratique parce qu'on ne sait pas faire de champ assez fort. Donc, c'est devenu possible quand il y a eu la supraconductivité. Et ça, dès 64, c'était publié. Donc, il n'y a absolument rien, il n'y a aucune révolution. Voilà, il n'y a pas d'innovation. Donc, encore une fois, ce n'est pas du tout pour attaquer Jean-Pierre Petit qui a fait d'autres choses. Et alors, deuxième point sur la cosmologie, il faut faire très attention. Jean-Pierre Petit a fait des publications dans des revues à comité de lecteurs. Donc, il a fait des publications valables. Il ne faut pas sauter à l'extrême, dire il a révolutionné la science, parce que ça fait sourire, enfin, ça fait même éclater de rire les scientifiques. Ce n'est pas une révolution. Dire, il propose comme hypothèse que la vitesse de lumière est variable. Pourquoi pas? Il y a 36 000 explications possibles. La relativité d'Einstein contient même assez de constantes qu'on peut faire varier pour donner un tas de théories qui ne sont ni fausses ni vraies. Non, je suis désolé. Il y en a eu. Il y a des centaines de publications. C'est pas conjectural. Alors, n'employons pas d'argument d'autorité. On peut faire des choses. Il y a une confrontation avec l'observation et que vous avez correct. Il y a pas des solutions qui se confrontent à l'observation, il n'y en a pas beaucoup. Non, il faut, si vous voulez, raison garder. Il faut dire qu'on peut à la fois apporter une contribution et non pas dire qu'on a révolutionné. On peut juste le problème, quand même, qui est posé. C'est que, en fait, ce que vous mettez en doute, ce n'est pas si je vous ai bien compris, ce ne sont pas les découvertes ou les travaux de Jean-Pierre Petit, mais le fait qu'il les attribue à telle ou telle influence ou à tel ou tel apport. Le fait qu'ils disent que les travaux uniques, enfin ces fameux documents, apportent des révélations qui n'existaient pas. Ça, je le conteste formellement. C'est effectivement à la portée. Ça veut dire que, par exemple, la physique française est peuplée de gens du niveau de Sakharov, mais qu'on ne connaît pas, qui ne publient pas, qui n'arrivent pas à travailler. Tout est banal. Ce que vient de dire monsieur, c'est tout est banal, c'est des découvertes, bon après tout, des univers avec vitesse lumière variable, des hypothèses de ce type, gemmellaires avec temps rétrosynchrone, qui sont publiées dans le Modern Physics Letters, c'est banal, il y en a plein partout, je vous dis, c'est certainement par erreur qu'il n'y a pas 5 prix Nobel par an pour les physiciens français. Je trouve ça un petit peu surprenant. Effectivement, non, on ne peut pas discuter là de la valeur. Je voudrais sortir une idée révolutionnaire. Oui, allez-y. L'idée révolutionnaire, c'est de voler à vitesse supersonique sans faire de bang. Bon, et ça, c'est une idée qui est nouvelle. Elle n'était pas en 64 dans toutes les revues. Vous le savez. Ce sont des travaux de Jean-Pierre Petit, et moi, je lui en laisse la paternité. Je ne vois pas pourquoi on dirait il a le droit de le dire. De dire, je n'ai rien inventé, j'ai copié sur les humides. Mais c'est tout à fait normal que Jean-Pierre Petit ait fait ce genre de travaux, tandis que c'était votre spécialité. Ça vous gêne tellement que je puisse dire que je me suis inspiré de ça. Mais je crois que le problème, c'est que tant qu'on n'aura pas volé à 15 km à l'heure, on doutera. C'est comme d'habitude, on doute. D'ailleurs, Petit ne dit pas qu'il était inspiré des humides, il s'est inspiré de textes qui sont attribués par certains à des humides. Il n'est pas aussi précautionneux, Jacques. Il n'est pas aussi précautionneux. Attendez, excusez-moi, on va juste un moment, parce qu'on va non pas se calmer, surtout pas. On va faire une petite pause. Auparavant, je voudrais donner un numéro de téléphone. Si vous voulez participer à l'émission, quand vous le participez maintenant, vous téléphonez au 42 32 32 32 et vous laissez votre nom et adresse. Et évidemment, vous venez à l'émission. Madame, je crois que vous avez une observation. Quelques observations. Oui, tout d'abord, je crois qu'à partir du moment où on parle de recherche scientifique, tout est ouvert. La science, c'est la recherche et, qu'est-ce qu'on découvre, qu'est-ce qu'on va découvrir? Bon, ça, c'est le premier point. Bon, deuxième observation, Jean-Pierre Petit parlait tout à l'heure des phénomènes qu'il a observés, qu'il a vécu un jour dans une chambre d'hôtel. Ou qu'il a rêvé, il disait rêver. Oui,
justement, bon, c'est de ça que je voulais parler, c'est qu'à partir du moment où on voit, on entend, on entend ce qu'on veut entendre, on voit ce qu'on veut voir, on est à la fois visuel, on est auditif, on est kinesthésique et olfactif. Donc, même un scientifique est influencé, je dirais, par son inconscient, par ses émotions. Bon, et quand on dit qu'on voit des phénomènes extraterrestres, je dirais qu'il faut aussi prendre en compte la personne telle qu'elle est, son inconscient, son vécu, ses émotions, et que vous dites que tout ça est subjectif, madame, quelque part. Je ne dis pas que tout est subjectif, mais je dis que toute observation à partir du moment où on est un homme, où on est un humain, justement, elle est influencée par d'autres phénomènes, par ce qu'on est, et Et madame, dans mon livre, je dis exactement la même chose. Hein. Émotionnel qui joue complètement, et je crois que là-dessus aussi, il faudrait se recentrer et peut-être voir quelle est la part de l'inconscient et de l'émotionnel dont ces observations... Oui. En très secondaire. Monsieur, oui, moi je voulais dire d'abord deux choses. D'abord, je voulais savoir si ces scientifiques ont découvert la planète Humo, puisqu'elle n'est pas très loin, elle est à quelques années-lumière. Qu'on découvre d'autres... Ah, pas mal, hein, quelques années. On en découvre d'autres qui sont beaucoup plus loin actuellement. Et ensuite, je voudrais dire que quand j'étais enfant, dans les années 55-56, moi, j'ai assisté à un déplacement d'objets dans le ciel. Et on m'a toujours dit que c'était une météorite. Mais moi, le déplacement que j'ai vu se déplacer de droite à gauche, j'étais avec mon frère et beaucoup de gens dans le village avaient vu ça en Normandie, et l'objet que j'ai vu se déplacer de droite à gauche, en pleine nuit, à 10h du soir, et non de haut en bas, comme ça aurait pu être un météorite. Alors, avant de donner la parole, je vais vous montrer une petite chose, hein, c'est pas pour mettre... vous savez que c'est une petite histoire qui est arrivée récemment. Vous savez que pendant 10 ou 15 ans, on a parlé des fameux cercles qu'on trouvait en Angleterre et en France, et on se disait, par quel extraordinaire, qui a fait ça, quelles sont les forces, etc. Et il y a eu des scientifiques, comme Delgado, d'ailleurs, en Angleterre, qui a tout à fait cru et qui a écrit des bouquins là-dessus. Or, il s'est révélé, eh bien, ce que vous allez voir, si Gilles Daude veut nous envoyer le petit film sur les papis anglais qui ont fabriqué les cercles. Et après, on va parler des jeunes Français. Cela fait une quinzaine d'années qu'ils reviennent aussi fidèlement que les saisons. Dès que le maïs a poussé, ils font leurs premières apparitions dans les collines du sud de l'Angleterre, des dessins presque parfaits qui s'inscrivent au milieu des champs à la nuit tombée. Pour les Anglais, les cercles mystérieux sont devenus un but de promenade. Les scientifiques, eux, ne se contentent pas d'admirer, ils veulent comprendre. Et l'année dernière, l'armée s'est trouvée mobilisée pour essayer de découvrir l'origine des cercles mystérieux. Une tornade inexpliquée, virus inconnu, toutes les hypothèses ont été envisagées, y compris les soucoupes volantes. Mais la saga des cercles de maïs vient de connaître un nouveau rebondissement. Ce matin, deux Anglais bien tranquilles, Douglas Bower et David Chorley, affirmaient que les cercles n'ont en fait rien de mystérieux. Équipés d'une plainte de bois et d'une corde, ils ont montré comment on dessine un cercle parfait dans un champ de maïs. We enjoyed it immensely. That's why. We enjoyed it immensely, did we not? Great fun. Great fun. Nous nous sommes bien amusés, expliqués de la roue sans autre justification. Et pour eux, si on doit parler d'escroquerie, c'est plutôt du côté des experts qu'il faut chercher. Alors, je ne sais pas, il faut quand même. Je ne sais pas si vous parlez d'escroquerie du côté des experts anglais, mais de toute façon, il n'y a pas eu que ces gens-là qui ont fait des choses. Il y a eu le groupe VK, 8 personnes, Thierry Pinvidic et Gilles Durand. Alors, racontez-le vous. Vous avez étudié cette affaire des ronds de blé en Angleterre, et je crois que vous avez décidé de faire la même chose en France. Déjà, je voudrais dire quelque chose, c'est-à-dire qu'il y a une erreur assez grossière dans le reportage, là. Il n'y a jamais eu un cercle dans le maïs, jamais. Et pour faire un cercle dans le maïs, il faudra un bulldozer, hein, parce que dans le blé, c'est plus facile, mais dans le maïs, c'est très très difficile. Enfin, vous l'avez fait dans quoi, votre... Donc, enfin, on ne l'a pas fait, on l'a fait faire, hein, parce que par M. Pierre Del, qui est ici, donc qui est un spécialiste d'effets spéciaux de cinéma, il a travaillé 40 ans comme un spécialiste d'effets spéciaux. Donc, nous, en fait, on s'intéresse au cercle depuis quelques années, et donc les deux hypothèses en présence, c'est une hypothèse d'un côté parascientifique, d'origine météorologique. Les cercles seraient d'origine météorologique. Et d'autre part, donc, d'autres personnes prétendent qu'ils sont d'origine extraterrestre. Voilà. Alors nous, on a regardé ça un peu plus près, et puis c'est avéré que les cercles pouvaient très bien être faits de main d'homme. Et on a essayé de le prouver. Bien sûr. Ah, oui, mais attention. Mais il faut que...
il faut que les cercles aient un certain nombre de caractéristiques pour être authentifiés par les experts anglais. Et le cercle que nous avons fait présente toutes les caractéristiques d'authenticité. Donc, vous l'avez fait pourquoi ? Justement pour prouver que l'hypothèse humaine, selon les caractéristiques donc, que les Anglais accordent au cercle authentique, donc, on peut le faire donc avec des moyens très simples. On peut le fabriquer donc, avec un rouleau de jardinier et donc une ficelle et un piquet. En fait, là, je sais que non, mais il n'est pas on ne montre pas ça parce que ça remet en cause vos travaux, bien sûr. Oui. C'est intéressant parce que vous voyez, c'est un canular. Les gens se sont dévoilés. Que l'affaire Oumoudab depuis 30 ans. Et si c'était un canular, je ne vois pas pourquoi ça ne les amuserait pas de se dévoiler. On met des bombes à l'heure quand même. C'est-à-dire que les deux papy farceurs là, anglais, nous, on n'y croit pas du tout. Vous pensez que c'est pas eux ? Non, c'est pas eux. Absolument pas. Ils ont depuis donc 10 ans tous les moyens à travers la presse et les bouquins de trouver donc leur source d'inspiration. Parce qu'en fait, tout ce qu'ils disent, tout ce qu'ils apportent comme preuve, on le retrouve dans les livres qui ont été publiés depuis plusieurs années. Donc en fait, il n'y a aucune preuve, disons, définitive. Et alors pour vous, ce serait qui pour vous ? D'autres personnes, d'autres groupes qui fabriquaient cette affaire. Bon, voilà. Moi je voudrais dire une chose. Oui, Jean-Pierre Petit. C'est que l'affaire Oumo, à travers une interprétation de ce genre, ce serait des papilles spécialistes en cosmologie qui auraient distribué des documents pendant 28 heures. Alors peut-être qu'on va poser cette question, ne croyez-vous pas qu'il s'agisse de scientifiques à la retraite qui s'amusent ? Je vous assure que si jamais on les trouvait, j'aimerais bien les rencontrer parce que ça doit être des gens sacrément passionnants. C'est autre chose que de faire des ronds dans le dé. Jean-Louis Audier, je vais revenir un tout petit peu en arrière sur le problème de la météorite qui tombait pas tout droit. Si vous regardiez le ciel souvent, vous voyez des météorites qui vont à gauche à droite, de droite à gauche et qui vont tout droit. Non, c'est vrai. Oui, non, mais ça, c'est des bolides, je vous assure. Il y en a un qui est passé devant chez moi à Nice il y a 3 jours. C'était superbe. Il allait de droite à gauche aussi. Il était assez loin sur l'horizon. Donc ça, c'est une autre histoire. Mais je voudrais peut-être revenir sur le fond du contenu scientifique des révélations ou des dossiers, des documents humides. Ouais. Alors il y a effectivement, moi je pense que Jean-Pierre a trouvé un certain nombre de choses là-dedans qui lui ont permis de faire des choses intéressantes, c'est vrai. Mais il y a d'autres informations à caractère scientifique qui me paraissent tout à fait amusantes aussi, parce que ces braves gens qui sont des cosmologistes extraordinaires décrivent leur habitat. Et alors là ça devient vraiment très très comique. Parce qu'on s'aperçoit qu'en réalité, ça c'est vraiment du niveau d'un débutant en astronomie, hein. On prend la Terre, on va multiplier par 1,2 ou bien par 0,8, et puis on va tout recalculer à l'envers. Alors, on nous fabrique une planète qui a des caractéristiques tout à fait amusantes. Au passage, il y a un certain nombre de faits troublants. Hein. Mais en fait, on en reviendra un peu plus tard. Restez sur ce que vous dites sur l'habitat. Alors, ces caractéristiques, c'est amusant. Bon, il s'avère que ça ressemble beaucoup à notre, ne serait-ce que pour que leurs habitants soient comme nous. Ce qui est tout à fait troublant, c'est que, alors qu'on connaît la vitesse de l'évolution de l'espèce humaine, au même moment, à 15 années-lumière, on en soit exactement au même niveau, au même endroit de l'évolution. Bon, ça c'est un petit problème. Et les autres problèmes de caractère plus astronomique, on s'aperçoit que cette planète qui ressemble étrangement à la nôtre, elle a toutes les caractéristiques de la nôtre avec un petit facteur quelque part, même la nutation. Le problème, c'est qu'il n'y a pas de lune. Je ne sais pas comment faire une planète qui a une nutation sans lune autour. Ça, c'est le premier. Planète, pardon, vous avez dit ? La lutation. La lutation, c'est une petite oscillation, c'est provoqué par le satellite. Or, celle-ci, il est bien dit qu'elle n'a pas de satellite, elle n'a pas de lune, c'est beaucoup plus simple, mais elle oscille quand même comme si elle en avait un. Ça, c'est le premier problème. Le deuxième problème qui se pose, qui est aussi assez amusant, c'est qu'on nous dit que cette planète se trouve autour d'une étoile. Moi, j'ai lu un certain nombre de documents amusants. Moi, je n'ai pas lu. Autre chose, elle se trouve autour d'une étoile qui se trouve à une quinzaine d'années-lumière. Et cette étoile est identifiée. Alors là, je demande une confirmation. Non. Parce qu'il y a des documents qui nous disent que cette étoile, c'est votre 424. Oui. Non, c'est n'est-ce pas ? C'est pas Martine. Une oui, mais paraît qu'elle est tout le temps cachée derrière un nuage. Alors, bon, ok. Mais pour les gens qui n'ont pas lu le livre, alors, là, ils vont vous perdre. On nous dit, j'ai cherché quelles étaient les étoiles qui étaient à 15 années-lumière. Hein, en gros, je les ai toutes là. Toutes celles qu'on connaît nous. Hein, ouais. Et vous n'avez pas trouvé l'étoile concertée ? Si. J'ai trouvé tout à fait ce qu'il fallait. Ouais. Vol 424, type spectral N6, c'est simplement la température qu'on donne, que j'ai trouvé dans le livre de Jean-Pierre, c'est plutôt K5, mais ça c'est des querelles de spécialistes. Ouais. Imaginons que... Mais ce qui m'a surpris, moi, alors j'ai dit, bon, elle est à bonne distance, on va faire un truc bien, ça marche tout seul.
Le problème, et c'est apparemment les gens qui ont sorti du catalogue Wolf l'étoile 424, ils avaient oublié de regarder les choses un peu plus près, cette étoile est double. Cette étoile est une étoile double, elle a une autre composante, bah, c'est-à-dire qu'il y a deux étoiles qui tournent autour de... Oh, apparemment, dans les documents, ils ne parlent pas du fait qu'il y ait deux soleils. Ils ne parlent que d'une étoile. Il y a le deuxième soleil se trouve, d'après tout ce que nous en connaissons actuellement, pour ce système de Wolf 424, très proche du premier, aux environs de 500 millions de kilomètres. Alors là, vraiment, c'est très proche, 500 millions de kilomètres. Bah, écoutez, la Terre se trouve à 150 millions de kilomètres du Soleil. S'il y avait un deuxième Soleil à 500 millions de kilomètres du premier, nous n'existerions pas. Évidemment. Ça paraît complètement clair. Or, ces gens-là, ils existent sur une planète qui tourne autour d'une étoile. Ils n'ont pas vu la deuxième, qui est aussi grosse que la première, qui est aussi près, pratiquement. Donc, ça ne doit pas être cette étoile-là. Ou alors, il y a un... C'est pas affirmé de façon catégorique, hein, je veux dire. Ça veut dire qu'on peut toujours... Petit problème, quand même, petit problème. C'est toujours comme ça, c'est ce que je disais tout à l'heure. C'est toujours, il souffle le chaud et le froid en permanence. Ah, voilà. Il y a des choses très intéressantes, qui hop, une bêtise. Mais ils sont un peu schizophrènes, mais non, ils le disent d'ailleurs dans leur écrit. Ne nous croyez surtout pas. regardez ça avec recul, si vous avez envie de croire. Intéressez-vous à notre affaire, mais ne rentrez pas complètement dedans, puisqu'ils ne veulent pas nous bouleverser. C'est ce qu'ils disent, hein, c'est leur philosophie. D'accord. Oui. Dans le domaine de l'ufologie classique, si on peut dire. Hein. Non, mais je ne parle pas de professionnels d'amateurs. Restons dans le débat. Hein, restons dans le débat. L'ufologie classique, on parle de contenu de récit ici, parce que ce qu'on nous donne, c'est des récits. Le récit d'une rencontre rapprochée, dite classique, avec des cas de contact, par exemple, eh bien, il revient typiquement dans la bouche des prétendues entités. On vous fait ça, mais ne le dites pas, ou ne nous croyez pas, ou croyez-nous en moitié, simplement. Et là, on a typiquement ce type de discours. Donc, je veux bien que vous ne croyez pas du tout à l'ufologie, mais à ce moment-là, il ne faut pas croire à ce que vous dites. Mais attendez, excusez-moi, dans Bush, il fait la même chose, non? Oui, mais il n'est pas humide. D'accord. Il n'est pas humide. C'est un comportement qui est quand même assez généralisé, non? Oui. Attendez, excusez-moi, oui. J'aurais voulu savoir si cette histoire qu'on nous a racontée aujourd'hui, elle est unique, ou s'il en existe d'autres du même type. Où on mêle scientifique et ufologie. C'est la plus longtemps. Et la plus intéressante. C'est la seule qui a donné lieu à des publications scientifiques de haut niveau. C'est la plus intéressante. Voilà. Voilà, c'est la seule en tout cas qui a donné lieu. Alors, madame, oui, vous n'avez pas parlé, vous êtes psychologue, je crois. Alors, qu'est-ce que vous pensez des témoignages que vous entendez ou des déclarations que vous entendez? Je suis un peu perdue parce que j'ai l'impression qu'il y a un mélange de mille et une choses. D'abord, je n'ai pas la compétence pour savoir la qualité d'information qu'il y a dans ces messages, mais peut-être c'est une question intéressante. Est-ce qu'il y a, si on faisait une approche pluridisciplinaire de l'ensemble de l'information, a-t-elle quelque chose de particulier par rapport au mode de création que nous connaissons? Y a-t-il question? La deuxième chose, nous serions peut-être très intéressés de savoir qu'une civilisation qui n'a pas d'imagination a de la création. Ça serait peut-être pour nous fort révélateur. Nous serions très étonnés. La troisième, pour laquelle je m'étonnerais énormément, c'est de voir une espèce qui a un système olfactif très développé et en même temps un intellect très développé. Je trouve ça tout à fait contradictoire et je dirais même que plus l'olfaction est développée, plus l'intellect, on peut l'attendre bas. C'est étonnant parce que... C'est étonnant parce qu'on est les... Beaucoup quand le parfum est agréable. Attendez, là on arrive à la fin de l'émission. Madame, je crois que vous avez une lettre à nous montrer. Madame a une lettre à nous montrer, une lettre d'Anumite qu'elle a ici. Alors, je suis Madame Renée Fouéré et nous avons reçu, la lettre qui était timbrée du 30 août 69. Nous avons reçu cette lettre qui était donc du mot derrière le cachant fait foi. Mon mari s'est beaucoup intéressé à la question. Dans le numéro 22 de décembre 69, on avait publié le symbole. Et je tiens à dire ceci pour M. Jean-Pierre Petit, qu'effectivement, les documents de Claude Poher, c'était nous qui les avions reçus, et nous avons communiqué le maximum de documents à tous nos amis scientifiques qui pouvaient étudier la question. Et voilà leur réponse, qu'il y avait des choses très intéressantes dedans, mais qu'il y avait aussi ce qu'on appelle des faux bruits, exprès pour désorienter les chercheurs. On ne donnait pas tout, mais beaucoup ont été très intéressés et à faire des études là-dessus. Et j'apporte justement ce témoignage pour Jean-Pierre. Écoutez, nous arrivons à la fin. Pierre Lagrange, je suis désolé, j'ai pas pu vous donner la parole. Je pense que vous l'aurez une prochaine fois, c'est promis. En tout cas, écoutez, j'espère que vous n'avez pas été trop désorienté. On a essayé de faire avancer la chose, ce qui n'est pas évidemment facile, comme vous avez vu, mais je pense qu'on avait affaire en tout cas à des gens de bonne volonté. Alors, à bientôt dans la planète Oni, on va peut-être dans la planète Humo, on va peut-être émettre de là un de ces jours, pourquoi pas. À bientôt. Thank you.
algo muy extraño está ocurriendo en los últimos años en la atmósfera del planeta. Personas de todo el mundo registran fenómenos extraños en los cielos. El último fenómeno espectacular en el cielo se produjo el 30 de junio de 2016, en donde miles de personas fueron testigos de una enorme nube ovni flotando sobre Cartagena en Colombia. La extraña aparición en el cielo ha dado lugar a muchas especulaciones en las redes sociales. Algunos usuarios dicen que es un fenómeno atmosférico natural, mientras que otros usuarios dicen que es un gigante ovni nodriza camuflado que se esconde detrás de una nube generada artificialmente. En ce 31 décembre 1992, on voit quand même que la fin du monde n'est pas encore pour demain, heureusement. Mais que il y a des problèmes, et on les a posés, sur des problèmes de pollution, d'environnement, des problèmes démographiques, mais effectivement, il convient de les traiter avec prudence et vigilance, mais il ne convient pas non plus de s'alarmer. Sauf vous, monsieur Jimigueux, vous êtes plus pessimiste, je crois. Vous avez écrit beaucoup de livres sur les extraterrestres, déjà, notamment Nos maîtres, les extraterrestres, aux presses de la Cité. Et alors vous êtes totalement pessimiste. Oui, on le voit, hein. Aucun problème. On le voit, c'est bien. Oui, absolument. Pas de reflet. Bon. Pas de reflet, tout va bien. Alors, vous, qu'est-ce que vous dites? Il y a quand même, si j'ai bien vu votre livre, il y a quand même un complot quelque part. Oui, il faudrait dire, tout d'abord, qu'en 1985, un de mes amis astronomes m'a révélé une chose inquiétante, à savoir qu'à partir de 85 à peu près, une partie des informations concernant les activités solaires ont été mises sous le boisseau. Pourquoi? J'ai fait une petite enquête. Il semble bien, oh bien sûr, le complot auquel vous faites allusion, André, il est bel et bien existant, j'en ai les preuves ici. C'est qui? Non, mais attendez. Oui. Procédons par. Alors, dans les activités solaires, des informations ont été mises sous le boisseau. Voilà, absolument. Je ne suis pas convaincu que cette histoire d'élévation de la température que l'on constate de façon rigoureuse va se poursuivre pendant longtemps. Je pense qu'une sorte de renversement va se produire. Je ne parle pas du changement polaire. Le paléomagnétisme prouve à l'évidence que la Terre a basculé sur son axe souvent. C'est indéniable, ce n'est pas discutable. Ouais, je pense à autre chose. Il semblerait que nous allons vers un nouvel âge glaciaire. Alors bien sûr, on nous a dit, madame a raison de dire que c'était dans 4 milliards d'années qu'on commencera à se faire des soucis pour la fin de la Terre. Mais là, contrairement à ce qu'on pourrait penser, ce nouvel âge glaciaire, s'il vient, ce ne sera pas dans 10 000 ans, ni dans 1000 ans. On devrait enregistrer les premières atteintes, disons dans les 50 ans ou dans le siècle qui vient. Ah bon? Moi, je ne suis pas prophète. Je ne suis pas prophète. Mais si vous permet d'affirmer cela? Alors, les recherches que j'ai faites, cet astronome qui nous a parlé, qui nous a révélé autre chose, qui apparaît caché ici parce qu'il risque sa peau, c'est vrai, il apparaît visage caché, sa voix a subi une triple distorsion électronique. C'est vrai aussi. Non, mais attendez, qu'est-ce qu'il vous dit? D'accord, il est caché, il a peur. Bon, et qu'est-ce qu'il vous dit, cet astronome? Cet astronome... Alors, qui sont les complots qui mettent les nouvelles sous le boisseau? Il faut donner des précisions. Alors, voilà les précisions. Vous en voulez? Je vais vous en donner. Absolument, absolument. Il existe trois groupes... Des précisions, des noms, des faits. Absolument. Sinon, on ne vous croira pas. Il existe trois groupes qui exercent une influence terrifiante sur l'espèce humaine. Trois groupes. Oui, la trilatérale. Trilatérale, c'est trois. L'Amérique du Nord, l'Europe et le Japon, à charge pour ces trois partenaires de se partager la planète avec des ondes d'influence croissantes. C'est le tiers-monde qui en fera les frais. Alors, d'abord, ça c'est première partie. Nous ensuite. Vous savez, je vous dis, Raymond Barre fait partie de la trilatérale, donc Raymond Barre exerce une influence néfaste sur la planète. Il n'y a pas que Raymond Barre. Moi, je ne dis pas que M. Barre, M. Dupont, M. Durand... Non, mais vous parlez de la trilatérale. La trilatérale, il n'y a pas qu'elle. Alors, second groupe. Le groupe des Bilderberg, qui est un groupe un peu moins connu. Et le CFR, le Council on Foreign Relations, Conseil des Relations étrangères, dont le siège est également à New York, à Manhattan.
ces organismes qui sont une sorte de super mafia. C'est facile de rire, parce que le public a été conditionné depuis un demi-siècle pour répondre par des sarcasmes dès l'instant où on aborde le domaine du complot, qui est lié au problème de l'ufologie, c'est-à-dire l'étude des extraterrestres et autres, dont je ne vais pas parler aujourd'hui. Alors quand on sait... Qu'est-ce qu'ils font? Parce que vous dites complot. Complot contre quoi? Ils font quoi, ces gens-là? À supposer que vous ayez raison, ça reste à prouver. Mais... À supposer que vous ayez raison, Jimmy Gueux, qu'est-ce qu'ils font? C'est eux qui empêchent les informations sur les activités solaires de passer? Non, pas du tout. Pas du tout. Alors, qu'est-ce qu'ils font? Il existe dans le sud de l'Australie une ville relativement importante qui est fermée, qui est close, dont les édifices sont clos, une ville où aboutissent les terminaux d'ordinateurs les plus importants, dont ceux de la Banque mondiale. Il existe également une zone très importante de communication qui dépend de Deakin Street, qui est le centre des télécommunications australiennes, à Sydney. Et c'est là qu'aboutissent ces réseaux. Autrement dit, si cette hypothèse de travail qui est un peu plus qu'une hypothèse de travail, se vérifie. Dans un délai de 50 à 100 ans, les premières perturbations d'inversion de température vont se produire et il y aura des problèmes à 2 ou 3 000 km de part et d'autre de l'équateur. Il y aura donc une bande qui va ceinturer la Terre. Sur cette bande, évidemment, ça ira moins mal qu'ailleurs. Mais Jimmy Gueux, juste un mot, quel intérêt ces gens-là ont-ils à nous frigorifier et à se frigorifier? Ils n'ont pas intérêt à nous frigorifier. Alors, ce sont des problèmes géologiques qu'on ne maîtrise pas. Ah. Si justement, je voudrais juste demander si ces gens-là sont responsables des éruptions volcaniques. Non, pas du tout, mais c'est pas ce que je dis. Non, mais si vous voulez, le problème c'est facile de tourner en dérision. Je ne tourne pas en dérision, moi je dis juste, je vais vous donner un argument. Qu'il y ait des glaciations, que la planète se refroidisse, ça c'est une évidence. On en a des enregistrements tout au long de l'histoire de la Terre. Et le refroidissement programmé, il a commencé. L'éruption du volcan Pinatubo, il refroidira la planète pendant 10 ans, de quelques degrés, c'est 1 ou 2 degrés. En moyenne, à la surface du globe, la température va baisser à cause de cette éruption. Donc c'est indépendant de n'importe quel lobby, a priori, pour l'instant. Mais ça n'a rien à voir. Ils vont profiter, les ayants droit, vous permettez que je termine, les ayants droit qui ne sont pas nécessairement ceux d'aujourd'hui, parce que dans 50 ans, je ne serai plus là, beaucoup d'ayants droit non plus. Non, ils vont profiter de quoi? Oui, dites-moi. Alors, cette ville qui existe, qui est une ville neuve, qui n'est pas une ville fantôme, c'est pas la ghost town de l'Ouest. Non, d'accord, ils vont profiter de quoi? C'est pour recevoir le futur gouvernement de la Terre, qui aura des représentants d'un peu tous les domaines, de toutes les nations, avec probablement des ayants droit qui descendront de ceux qui sont les ayants droit d'aujourd'hui. D'accord, je comprends. Alors, vous dites gouvernement de la planète. C'est un chercheur australien. C'est peut-être une chance pour la planète d'avoir un gouvernement unique. Seulement, il y a quand même quelques problèmes aussi. Il y a une gigantesque conspiration, également financière. C'est pas moi, je ne suis pas un spécialiste. C'est un de mes collègues australiens, Cometa, qui m'a fait l'amitié de me passer les documents qui sont publiés là-dedans. Voilà. Et alors, pourquoi le complot? Pourquoi la vis? Pourquoi on met sous le boisseau certaines informations scientifiques? Eh bien, je parle évidemment pour tout ce qui concerne les ovnis, qui était la pire des choses qui pouvaient arriver à l'espèce humaine. Oui, mais j'y viens. Pourquoi? Eh bien, parce qu'à la trilatérale, il y a aussi un ministre qui en fait partie. C'est M. Henri Curien. Monsieur Henri Curien, il y a également de Montbrial, des gens de top niveau, des gens extrêmement éminents. Ce ne sont pas des gens comme moi qui n'ont pas de titre scientifique. Moi, je suis un fouineur, je suis un empêcheur de tourner en rond, et il en faut, heureusement. Très bien. Alors, ces gens-là qui maîtrisent l'information. Ces gens-là préparent leur retraite en non, Australie. Non, pas eux, puisque comme moi, ils ne sont plus là. Ou leurs descendants. Bon, Jimmy Gueux, non, mais il faut s'en rappeler. C'est une hypothèse. Et c'est pourquoi gouvernants secrets existent bien. D'accord. Les gouvernants secrets. Et ça, c'est inquiétant. Enfin, disons que c'est une hypothèse qui reste à prouver. Il y aura du travail. Frédérica Van Ringen, vous dites que la science d'aujourd'hui peut mieux prévoir les catastrophes naturelles, mais ne peut pas toujours les prédire. Est-ce que ce n'est pas un gros problème, là? C'est-à-dire que, parce que je reviens à ce que dit Philippe Gillet aussi, vous dites... techniquement, on a donc les moyens, mais politiquement, c'est pas nous qui décidons. Bien.
Est-ce que politiquement, quand même, alors, est-ce que, oui, mais les politiques, ils ne sont pas des scientifiques. Est-ce qu'il y a des solutions globales à envisager? Alors là, je pose des questions à chacun d'entre vous. Je la poserai évidemment à Yves Cochet. Mais les scientifiques sont des citoyens comme les autres. Il ne faut pas se défausser là-dessus. C'est-à-dire que vous avez aussi votre mot à dire. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? S'il y a des choses à faire, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qui vous paraît le plus urgent à faire en dehors de tout obstacle politique? Bien sûr, on ne vous demande pas de jouer la place des politiques. Qu'est-ce qui est pour vous le plus urgent dans les années à venir? Hervé Le Trotte. Je pense que les scientifiques sont des citoyens comme les autres, mais au-delà des problèmes strictement scientifiques, il y a d'autres problèmes techniques dont moi je ne suis pas spécialiste, des problèmes économiques, des problèmes sociologiques, il y a des choix à faire, il faut peser le pour, il faut poser le contre, et je ne pense pas que ce soit du ressort d'un physicien ou d'un mécanicien de faire ces choix-là. Donc je pense vraiment que le rôle du scientifique s'arrête à informer le mieux possible, le plus ouvertement possible, les secteurs de gens qui ont besoin de cette information. Excusez-moi, Hervé Le Trotte, est-ce que cette information est faite? Puisque, voyez, aujourd'hui, moi, si quelqu'un de bonne foi parmi nous écoute, on écoute Haroun Tazieff, on écoute Yves Noir, on vous écoute à vous, et il y a tout et le contraire. Alors, la difficulté, c'est que maintenant, il faut vérifier les théories qui ont été avancées. Sur l'effet de serre, bon, on sait que ça marche comme ça. On sait effectivement que chimiquement, l'atmosphère peut se modifier s'il y a telle et telle caractéristique. Maintenant, ça n'a pas été vérifié vraiment, il y a toutes les mesures à prendre. Pour revenir au débat, au faux débat, à mon avis, qui est à propos de l'effet de serre, je pense que si on entend un peu tout et le contraire, c'est parce que l'information n'est pas suffisamment vérifiée, détaillée et ne rentre pas dans les vrais problèmes. Effectivement, si on reste à un niveau de compréhension de ces phénomènes qui est un petit peu superficiel, il y a une certaine place pour de la démagogie ou pour des expressions un petit peu caricaturées des problèmes. Mais je pense qu'il n'y aurait pas ces problèmes. Pour juste un mot, Haroun Tazieff, on entend beaucoup, caricature. Je pense que sur ces problèmes d'effet de serre, effectivement, il caricature les problèmes. D'accord. Oui, Philippe Gillet. Moi, je suis entièrement d'accord avec ça. Et le fait qu'il y ait quand même qu'on entende le contraire de ce qu'on entend autre part, c'est un petit peu symptomatique de la recherche, parce qu'on est en train de chercher, on n'a pas de certitude, et je crois que l'existence de plusieurs théories, etc., c'est le propre de la recherche scientifique. Et je reviendrai sur ce que j'ai dit tout au début, c'est pas parce qu'on ne sait pas qu'il ne faut pas prendre de mesures, de toute façon. Je crois que c'est important de ne pas prendre de risques, sachant qu'on peut le faire. Après, c'est un problème de choix. On sait très bien qu'on pourra arrêter d'utiliser des voitures à essence, on le sait parfaitement. Mais utiliser des voitures électriques, c'est restructurer l'industrie, c'est changer une mentalité, c'est changer une société. C'est un problème complexe. Scientifiquement, c'est plus facile de le dire scientifiquement que de le dire économiquement. Oui, Miguel, je voudrais savoir, par exemple, là je parle aux scientifiques, il y a eu un manifeste, je crois que c'était le manifeste des scientifiques vis-à-vis de l'écologie, en disant attention, c'est au moment du sommet de Rio. Ils ont dit attention, il ne faut pas céder au tout écologie, la science, il ne faut pas oublier la science. Non mais, par rapport à ce manifeste, est-ce que vous n'avez pas l'impression que c'était un peu un manifeste qui mettait en garde, mais un peu corporatiste aussi? Pas corporatiste, je crois qu'il y a des priorités, on ne pourra pas tout faire, il y a des choses qui sont plus prioritaires que d'autres dans l'environnement, il y a des choses qui sont plus dangereuses que d'autres, il y a des choses qui sont à plus long terme, il y a des choses à court terme, et c'est un problème de décision. Par exemple, les pollutions industrielles, ça c'est du court terme, c'est des choses qui fonctionnent, les marées noires, tout ça c'est des choses à court terme, sur lesquelles on peut agir tout de suite, et qui sont peut-être prioritaires par rapport à des choses qu'on pourra gérer plus lentement. Mais justement, est-ce qu'il ne vous appartient pas déjà, c'est déjà un geste civique et citoyen, de donner les priorités? En tout cas, des priorités sur lesquelles on peut agir tout de suite. Il y a des choses sur lesquelles on ne peut pas agir. Moi, je crois que c'est l'opinion qui fera ça, parce que notre rôle à nous, c'est l'éducation. Si vous voulez, notre rôle à nous, scientifiques ou enseignants, c'est l'éducation des gens, c'est leur montrer quels sont... premièrement, que la planète est quelque chose qui a une histoire, qui a présenté des crises, que l'on peut perturber par nos activités. Il faut montrer, il faut poser les problèmes, je crois que c'est un devoir civique avant tout. Moi, je vais demander, est-ce que ça vous inquiète, les problèmes de pollution, de fin du monde, etc. Oui, ça m'inquiète parce que quoi? Et vous? Bah ouais, un peu quand même. Est-ce que vous estimez que vous êtes bien informé ou pas, franchement? Est-ce que vous écoutez à la télévision, à la radio, etc.? En ce moment, on n'entend que ça, alors on peut être que bien informé, mais on ne sait pas si c'est vrai, quoi. C'est vrai, mais je trouve qu'ils parlent toujours de la même chose, et enfin, c'est toujours les mêmes thèmes qui reviennent, ils approfondissent pas toujours très bien.
les journalistes. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez? Donc, on n'a pas le temps. Ça rejoint un peu le problème du sida. C'est comment on en parle beaucoup, mais on n'informe pas vraiment profondément. Enfin, si, on n'analyse pas profondément la question. Quoi. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez? Vous estimez informé ou pas assez? Pas assez, je pense, parce que c'est vrai qu'on en parle beaucoup comme ça, mais on n'approfondit jamais vraiment le problème. Et je pense qu'il faudrait le faire. Et vous? Je ne me suis jamais réellement posé la question. Vous en fichez, quoi? Non, pas franchement, mais... D'accord. Madame, vous, qu'est-ce que vous en pensez par rapport à l'information, par rapport à ce que vous venez d'entendre? Je pense qu'on est informé, mais directionnellement, c'est-à-dire dans une seule voie. Et qu'il serait bon qu'on soit informé dans des voies différentes. Dans une seule voie, c'est-à-dire, expliquez-vous. C'est ce que vient de dire une jeune fille, on entend toujours les mêmes choses. Donc tout se rejoint. Je pense que pour pouvoir décider de quelque chose, il faut avoir eu plusieurs opinions. Et choisir... Vous voyez bien que même ici, il y a des opinions diverses, et que ce qu'on entend entre Arun Taziev, Le Noir, M. Trott, vous avez des opinions diverses. Par exemple, pour la démographie, je trouve que bon, c'est bien de faire reculer la baisse de la natalité, mais à quoi cela sert-il si à 3 ans, les enfants meurent de faim? Je trouve que c'est facile. Non, c'est justement parce que les enfants ne meurent plus de faim à 3 ans, et avant 3 ans, qu'il vaut mieux que la fécondité diminue pour rétablir l'équilibre. Oui, d'accord. Évidemment, c'est difficile de dire ça aujourd'hui quand on voit qu'en Somalie, les enfants meurent de faim. S'il y a 3 ou 4 ans, l'enfant meurt quand même. Expliquez-moi. Moi, je suis le candidat. Je vous explique. C'est que ça ne se produit plus. Bah, si, il y a encore des enfants qui meurent de faim, Jacques Vallin. Voyons. Mais bien sûr, mais ça dépend de quoi on parle. Il faut. Vous ne pouvez pas dire que des enfants ne meurent plus de faim. Écoutez, ouais. Laissez-moi m'expliquer un petit peu. Hein. Non. Oh, ben c'est vous vrai. Beaucoup, il ne faut pas confondre les problèmes aigus qui peuvent se poser à un moment donné, à un endroit donné, dans une population donnée, et qui d'ailleurs n'ont rien à voir avec la démographie, mais qui ont à voir avec la guerre, etc. Et la politique. Hein. Et puis les problèmes d'ensemble. La question d'ensemble, c'est que justement. La différence entre aujourd'hui et les siècles passés, c'est que les enfants ne meurent plus autant, bien sûr, il y a toujours des gens qui meurent, hein, tous les âges, mais ils ne meurent plus autant qu'autrefois en bas âge. Et donc, il n'est plus nécessaire de faire autant d'enfants, hein, de faire autant de naissances pour avoir un équilibre démographique. Et la question qui se pose aujourd'hui, c'est que la baisse de la mortalité qui a eu lieu n'est accompagnée par une baisse de la fécondité qu'avec un peu de retard. Un retard plus ou moins grand selon les sociétés, parce qu'il faut que les sociétés s'adaptent à cette nouvelle donne. Parce qu'il y a une révolution culturelle mais à faire. Moi, ce que je voudrais dire, puisque vous avez posé la question de savoir qu'est-ce qui était le plus urgent, ce que je voudrais dire, c'est que le plus urgent, de mon point de vue, c'est de bien réaliser que dans une quarantaine, une cinquantaine, une soixantaine d'années, peut-être, en quelques décennies, on sera 2 fois plus nombreux qu'aujourd'hui sur la Terre. Et ça, quoi qu'on dise, quoi qu'on fasse, ça va arriver, sauf s'il y a une explosion atomique, je ne sais pas. Alors ça, à mon avis, c'est pas comme ça qu'on peut poser la question. La capacité limite, je crois qu'on ne la connaît pas, mais elle est certainement beaucoup plus grande que les 10 ou 12 milliards annoncés. Mais vous voulez dire que le problème, c'est de passer vite. Jacques Vallin, est-ce que vous voulez dire que les 10 ou 12 milliards, si on est 10 ou 12 milliards en 2050, ou en l'an 3000, enfin donc, bon, devant, 2100, pardon, en 2100 ou autre, c'est pas, en tout cas catastrophique, ça ne signifiera pas la catastrophe. Forcément. Ce que je veux dire, c'est que ça ne serait pas du tout la même chose de passer à 10 milliards dans l'an 2050 ou dans l'an 3000. Hein, c'est complètement bien différent. Sûr. D'accord. Et c'est non, là je veux dire 2100. Oui, c'est ça. Et le problème, c'est qu'on va sans doute passer à environ 10 milliards, sûrement à environ 10 milliards, d'ici 2050. C'est ça le problème. Et moi, je crois que face à ça, il faut absolument accorder les priorités dans 3 domaines. Hein. Le premier, c'est produire davantage de biens pour que les gens puissent vivre, hein, parce qu'il faut accueillir des milliards de personnes supplémentaires. Oui. Et puis, deuxièmement, répartir un peu mieux ses biens, parce que déjà aujourd'hui, on n'est que 5 milliards, et il y en a quand même les 3/4, sinon plus, qui sont à la limite. Et puis, ce qui troisième est insupportable. Et le troisième, c'est faire attention à ce qu'on a dit jusqu'à présent, faire attention en produisant davantage, donc en accélérant encore la machine économique, parce qu'il faut bien le faire attention de ne pas détruire les éléments équilibre géologiques, fragile. Climatiques, etc., Monsieur qui permettent Pape, de vivre. Monsieur Pape,
Oui, ben, je voudrais intervenir sur un point. Pendant, je pense qu'à notre époque, on vit une mutation fondamentale. Pendant des millénaires, les hommes ont vécu en fonction de leurs ressources, je dirais, immédiates. Donc, il y avait une autorégulation. Alors, cette autorégulation, c'est quoi? C'était la fécondité variable des femmes à l'époque, qui pouvait être beaucoup plus faible que ce qu'on imagine maintenant, d'une part, c'est bien prouvé, on le connaît parfaitement, d'autre part, beaucoup de gens qui mouraient jeunes, et puis, les guerres. La guerre était un moyen de régulation des sociétés antiques pendant très longtemps. Mais à partir du moment où maintenant les progrès des transports en particulier ont permis de faire que beaucoup de gens ne soient plus des producteurs, on transporte les matières alimentaires d'une région à une autre. Donc le problème a complètement changé et on le voit avec le problème rural actuellement. Moins de paysans. Tout a changé. Oui, Jimmy Gueux, je vais d'abord demander à Yves Cochet, effectivement, pour lui, responsable politique, mais aussi, et surtout écologiste, qu'est-ce qui est prioritaire par rapport à ce qui s'est dit et par rapport à qu'est-ce qui est prioritaire pour justement essayer de reculer, en tout cas, tout risque, en tout cas de catastrophe. Bien, je crois que, contrairement à ce qu'on dit parfois, la science n'a pas en effet un principe d'unanimité. C'est-à-dire tous les scientifiques ne sont pas d'accord. Et c'est justement ça qui nous intéresse. Je prends un autre exemple qui est fort d'actualité encore malheureusement, c'est l'histoire du sang contaminé. On avait l'impression que la plupart des experts qui entouraient les ministres étaient tous d'accord. Moi, ça m'inquiète quand les experts sont tous d'accord. Au contraire, quand il y a des polémiques, y compris dans le champ scientifique, c'est même l'essence du champ scientifique, c'est qu'il y a des théories qui s'affrontent. À ce moment-là, les politiques doivent se poser des questions. Et dans ce cadre, disons, fin du monde, en tout cas fin d'année, je crois qu'il faut appliquer ce qu'on peut appeler un principe de précaution politique, qui est très simple, c'est que mieux vaut, d'un point de vue scientifique, avoir approximativement raison maintenant, et prendre les mesures nécessaires, plutôt que totalement raison trop tard. Donc, dans le cas de l'effet de serre, ou dans le cas de la démographie, il y a certaines mesures pour l'effet de serre, c'est très simple. Vous savez qu'on dit parfois, c'est un exemple très frappant, comme disait M. Vallin, il faut partager les ressources. La plus grande catastrophe écolo qui pourrait y avoir maintenant, c'est que tous les Chinois aient une mobylette. Ça va vous augmenter l'effet de serre de moitié d'un seul coup. Or, nous, on a des bagnoles. Il faudra partager. Peut-être que nous, on prend un peu de mobylette et puis... Imagine la catastrophe si tous les Chinois avaient des bagnoles. Ça serait pire. Par conséquent, il y a un principe de partage et on peut dire de modération dans notre consommation, en particulier en ce qui concerne les énergies fossiles, quoi. Un peu moins de pétrole, un peu moins de gaz, un peu moins de charbon. On peut faire autrement avec les énergies renouvelables, l'énergie solaire, etc. C'est la même chose pour la démographie. Je crois qu'on a indiqué tout à l'heure quelques pistes comme l'éducation des petites filles dans le tiers-monde. Voilà des pistes qui doivent être prises à un niveau, en effet, intergouvernemental, voire international. C'est pour ça que toute mesure de renforcement à la fois du pouvoir, mais aussi de la démocratie de l'ONU, est également quelque chose qui va dans le bon sens. Alors vous voyez, Jimmy Gueux, le gouvernement mondial, c'est pas toujours mauvais, hein. Ah, mais j'ai jamais prétendu que c'était mauvais. C'est l'usage que l'on va en faire et la façon de le structurer. Moi, ce qui m'inquiète, c'est monsieur le géologue. Oui, appelez-moi comme ça. Voilà. oui, si on avait les petits papiers, on serait qui et qui. A parlé tout à l'heure, prudemment, du fait qu'on pourrait changer, évidemment, les voitures avec un autre procédé. Monsieur a fait allusion au fait qu'on pourrait rouler à mobylette, c'est vrai. J'ai parlé de la trilatérale Bilderberg CFR. Qui croyez-vous qu'il y a derrière? Un méga trust planétaire du pétrole dont le patron est Rockefeller. On le sait parfaitement. Ben écoutez, on demandera un droit de réponse à Rockefeller parce qu'il faut qu'il l'ait quand même. Oui. Non mais la solution. C'est quoi la solution? La solution, elle existe à l'état potentiel dans les années qui viennent. Mais on ne l'appliquera pas. Pourquoi? Parce qu'une certaine mafia scientifique serre les vis. C'est l'antigravitation. C'est l'antigravitation. Attendez, alors Jimmy Gueux, on fera une émission là-dessus parce qu'on ne va pas partir dans l'antigravitation maintenant. Oui, madame. Je voudrais savoir pourquoi les scientifiques n'ont pas essayé de lutter contre la désertification qui se passe en Afrique et dans certains coins de Russie. Si vous avez des armes pour le faire, c'est le moment ou jamais. Répondre à ça. Oui, Philippe Gilles. La désertification, il y en a une part qui est due à l'activité de l'homme, de l'agriculture, des choses comme ça, mais il y en a une partie qui est inhérente à la planète, qui est inhérente à l'évolution à long terme de la planète. Donc lutter contre la désertification,
c'est pas très facile parce que c'est regarder l'atmosphère, c'est avoir une influence sur l'atmosphère, ce qui est pas quelque chose. Alors je voudrais vous parler d'une chose, sur la désertification, vous m'en donnez l'occasion. Vous savez que il y a le monde, la fin du monde, et puis on dit le monde comme il va, et le monde comme il va et comme il va mal quelquefois. Je remercie Gérard Bardi d'être là. Gérard Bardi, vous êtes directeur de la rédaction du Pèlerin et vous avez entrepris une action avec Médecins Sans Frontières sur la Somalie. Bon, vous n'êtes pas les seuls, bien sûr. Enfin, vous l'avez fait, mais en quoi consiste votre action et en quoi elle est spécifique? Heureusement d'abord que nous ne sommes pas les seuls. Je voudrais dire un mot. Moi, je ne crois pas du tout à la fin du monde. Je crois que ce serait désespéré de l'homme, d'abord. Et je voudrais dire aussi qu'il n'y a pas que Rockefeller qui a été mis en cause tout à l'heure, puisque j'ai assisté à l'émission, je tenais à le dire quand même. Il y a deux personnalités françaises. Il y a M. Barre, il y a le ministre actuel de la recherche, M. Curien, qui est un éminent scientifique. Et je crois qu'on ne peut pas jeter l'opprobre sur eux, alors qu'ils n'ont pas le moyen de répondre aujourd'hui. À leur place, je dis qu'il ne faut pas porter des accusations trop graves en l'absence des individus. L'opération Somalie, elle consiste, avec Médecins Sans Frontières, à collecter de l'argent, tout simplement. Dans cette période de fête, je crois qu'on peut, chacun d'entre nous, dégager un petit peu de bonne volonté, un petit peu d'argent, pour venir au secours des enfants de Somalie, de la population somalienne. Et notre opération consiste donc à apporter sur place des médicaments et de la nourriture, car c'est ce qui fait défaut. Il faut dire aussi une chose, c'est que dans le cadre de cette émission sur la fin du monde, ce n'est pas la terre qui est responsable de la famine et des morts des enfants de Somalie. C'est simplement la guerre. Et la famine, elle vient le plus souvent parce qu'il y a la guerre. Et donc la cause, elle est d'abord politique. Mais est-ce que le fait justement que l'armée soit maintenant en Somalie, l'armée américaine, l'armée française et d'autres, ne rend pas peut-être l'opération, bien sûr, de toute façon, il faut la faire, mais est-ce que ça change quand même le problème? Est-ce que vous êtes pour l'ingérence humanitaro-militaire, vous? Ben, il faudrait mieux pas, à l'évidence. Quand il faut, il faut. Mais peut-on laisser mourir 3 millions de personnes? Peut-on admettre que sous un trimestre, tous les enfants de moins de 5 ans de Somalie meurent si les militaires, enfin seraient morts si les militaires n'étaient pas arrivés? Je crois que c'est assez inhabituel de voir l'action humanitaire se déployer à l'ombre des fusils, si je peux dire. C'est vrai que ça a quelque chose de choquant. Mais je crois que l'essentiel, c'est d'abord de sauver les 3 millions de personnes qui étaient menacées de mort. Je crois que ça, c'est l'essentiel. Alors, c'est vrai que si les diplomates, si les politiques avaient fait leur boulot, eh bien, les militaires n'auraient pas eu besoin d'aller sur le terrain. Je crois que l'action des diplomates, elle consistait à faire se rencontrer les chefs militaires, les chefs militaires sur le terrain, les chefs politiques, les responsables. Mais Gérard Bardi, vous savez très bien que si les militaires n'étaient pas venus, les autres auraient continué à guerroyer en se fichant totalement du sort de leurs femmes et de leurs enfants. Absolument. C'est un fait, il ne faut pas se raconter des histoires là-dessus, vous le savez. Je ne pense pas. Je pense. Je pense, et Ronnie Broman, le président de Médecins Sans Frontières, partage cet avis, et beaucoup d'autres. Toutes les ressources de la diplomatie n'ont pas été épuisées, là comme dans un... Gérard Bardi, vous avez vu toutes les ressources de la diplomatie épuiser les recommandations faites par l'ONU sur les Serbes. Hein, on voit bien ce qui se passe à Sarajevo tous les jours. Je veux dire que tant que, malheureusement, et c'est peut-être très dur à dire, tant qu'on se contente de parler en disant « je vous en supplie, ne massacrez pas vos concitoyens », ils disent « mais oui ». On continue. Et ils tirent. Ça fait quand même 3 ans que ça dure, là-bas. Ça fait 3 ans que ça dure, absolument. Absolument. Il y a une chose, par exemple, qui n'est pas du tout divulguée en France. Bien des ufologues même rigolent comme des imbéciles. Ce sont les jeunes femmes qui sont enlevées, qui sont inséminées, qui sont, disons-le, des sortes de mères porteuses, puisqu'au troisième mois de leur grossesse, elles subissent l'extraction du fœtus. Et c'est dramatiquement vrai. C'est un fait maintenant qu'ils enlèvent des hommes et des femmes afin d'utiliser leurs ovules et spermatozoïdes pour inséminer des femmes. Alors, elles sont enceintes pour environ 2 à 3 mois, et durant la nuit, le fœtus est enlevé et emmené quelque part. Nous ne savons pas où. Ils les placent dans des cages en verre. Il y en a des murs entiers. Et là, le bébé est amené à maturité. Je connais personnellement 64 personnes qui ont été à bord de véhicules extraterrestres.
et la plupart d'entre elles ont pris part à un programme d'hybridation. Je connais une dame près de chez moi qui a été enceinte 8 fois. Elle n'a qu'un seul enfant. Pour ce premier enfant, le docteur a dit avoir entendu 3 battements de cœur. Alors, ils ont utilisé l'échographie qui a montré 3 fœtus. Mais il n'y a eu qu'une seule naissance. Elle a été enceinte 7 fois après cela, et les fœtus ont disparu sans fausse couche à chaque fois. Alors, les ouvrages chez nous sont assez rares dans ce domaine. C'est vrai aussi pour l'audiovisuel. Mais justement, grâce à la Fox Video, nous disposons en France d'une vidéocassette extraordinaire, Intruders, d'après l'ouvrage de Bud Hopkins. Mais Intruders, c'est extraordinaire, c'est une sorte de fiction, mais basée sur des faits dramatiquement réels et terrifiants. Tiré de récits authentiques. Arrêtez les recherches, il faut que vous m'aidiez. Ils viennent me chercher, aidez-moi, je suis peur. Maman, ils me font mal. Ce qu'ils m'ont fait, ils le referont. La menace est réelle. Les envahisseurs sont là. Et ils ont des projets pour vous. Troisième partie de Faut pas pousser, avec une question. Nous cachetons quelque chose concernant les objets volants non identifiés. Juste avant, une petite précision. Lors de notre dernière émission de mars, nous avions reçu Juliette Delaforêt, qui est une voyante, et qui avait essayé de deviner à l'intérieur d'une enveloppe quelle était la photo qui s'y trouvait. Elle n'avait pas réussi et elle avait dit qu'elle avait été troublée par l'ambiance, par les personnes qui étaient là, mais elle se proposait de le refaire si l'ambiance était correcte, si elle n'était pas troublée. Alors, après l'émission, nous lui avons proposé un rendez-vous de manière à recommencer l'expérience sans la troubler du tout. Et au départ, elle a été d'accord, et puis ensuite, elle ne l'a plus été. C'est pourquoi nous ne pouvons pas vous présenter le document aujourd'hui. Revenons aux ovnis. Nous avons là quelques spécialistes. Monsieur Jean-Jacques Velasco, tout d'abord. Monsieur Velasco, vous êtes ingénieur responsable du CEPRA. Que veut dire le CEPRA? Ça veut dire Service d'expertise des phénomènes atmosphériques. Vous dépensez du CNES, qui veut dire lui-même Centre National d'Études Spatiales. C'est bien ça, monsieur? Sauf que c'est pas le service d'expertise, mais service d'expertise des rentrées atmosphériques. Des rentrées atmosphériques. Excusez-moi, monsieur, des rentrées atmosphériques. Par exemple, une météorite, ça fait partie de vos attributions. Ça fait partie, effectivement. Elle rentre dans l'atmosphère, donc forcément, vous y intéressez. À vos côtés, monsieur Lucien Clairbeau. Monsieur Clairbeau, vous êtes secrétaire général de la Société belge d'études des phénomènes spatiaux. C'est bien ça, monsieur? Exactement, oui. Alors, à la différence du CEPRA, vous ne dépendez pas du tout de l'État. Nous ne sommes pas un organisme étatique, mais tout à fait autonome, autofinancé, indépendant, et donc une association sans but lucratif comme votre loi de 1901. Et vous venez de sortir un gros bouquin, hein, un très gros bouquin. Le second, en fait. Oui, qui s'appelle « Vague d'ovnis sur la Belgique, une énigme non résolue hein ». C'est une vague, monsieur, qui s'est produite relativement récemment. Donnez-nous les dates du début de la vague et de la fin. Oh, les événements se situent dès le début de novembre 89. Oui. En fait, il y a des témoignages de gendarmes. Oui. Novembre 89 à aujourd'hui. Jusqu'à aujourd'hui, ça continue encore. Je dirais entre guillemets, une vague qui n'en finit pas. Une vague qui n'en finit pas. Alors, à vos côtés, par exemple, monsieur Robert Roussel, qui est journaliste et auteur d'un ouvrage qui a un petit peu déclenché, vous venez de dire, ce sujet, c'est « OVNI, les vérités cachées de l'enquête officielle ». Voici le bouquin de Robert Roussel paru chez Albin Michel. Voilà. Alors, monsieur Roussel, qu'est-ce que vous entendez par là? J'entends pas grand-chose, mais j'espère si, que... Si, si, monsieur, non, on est plus dans le bruit. Hein. Voilà, justement. Oui. Moi, je regrette qu'il n'y ait pas un peu plus de bruit fait autour de l'enquête officielle, justement, faite par le CNES. Oui. Et c'est un petit peu ce que je vais développer autour des déclarations, certainement, de monsieur Velasco. D'accord. Et j'ai quelques documents qui vont d'accord. certainement montrer... Entendu. Alors, en face de vous, deux messieurs, monsieur Hugo Nart. Vous êtes rédacteur en chef de Étrangeté et Mystère, dont voici le numéro 11 d'ailleurs. C'est bien cela? C'est cela même, oui. D'accord. Et à vos côtés, M. Hugo Nart, nous avons M. Jean Grellet. M. Grellet, vous avez notamment été pendant 20 ans commandant de bord à Air France. C'est exact. Et vous avez vu, en tant que pilote de ligne, vous avez été le témoin d'un phénomène, on peut le dire, d'entrée dans l'atmosphère d'un engin non identifié. C'est ça, grosso modo? Vous ne le décrivez pas. Véritablement d'entrée, simplement à 2 reprises, notre avion a été dépassé
par un phénomène. Je ne sais pas d'où il venait. Vous ne savez pas d'où il venait, d'accord, très bien. Alors voilà, nous allons commencer, si vous le voulez bien, par un premier témoignage qui va tous nous intéresser. Monsieur Nart, vous vous intéressez de près à un phénomène non inexpliqué et vous avez rencontré, il y a 11 mois, c'est ça même, oui. Un monsieur qui s'appelle monsieur Gérald de Gâteau. C'est cela. Monsieur Gérald de Gâteau habite Saint-Julien-les-Villas dans l'Aube. Et il y a vu, il y a près de 30 ans maintenant, près de 30 ans, parce qu'il sait, ou même 35 ans, hein. Il a vu, de ses yeux vu, un ovni. Il l'a caché pendant des années et des années. Pendant 17 ans. Parce qu'il pensait qu'on n'allait pas le prendre au sérieux, qu'on allait se moquer de lui. Et puis aujourd'hui, il témoigne, le voici sur votre écran. Nous étions le 28 mars 64, et chaque samedi et dimanche, je me rendais chez mon beau-frère qui habite Doche, derrière cette côte là-bas. Lorsqu'un matin, ce 28 mars 64, il y avait une gelée blanche, je vois dans le champ vert là-bas une énorme citerne posée là. Et là, par esprit de curiosité, je me suis arrêté en bas de la côte et j'ai grimpé le chemin pour aller voir ce qui se passait, cette fameuse citerne. Et elle était comment ? Énorme. 10 mètres de long. 5 mètres de haut arrondi aux extrémités et couleur métallisée. Et ça, vous en êtes sûr, parce que c'était 30 ans. Ça fait 30 ans, j'en suis sûr, parce que ça, c'est gravé là-dedans. Et alors, quand est-ce que vous avez compris que c'était peut-être autre chose qu'une citerne ? Eh bien, j'ai voulu aller la voir, je suis descendu dans le chemin, et la citerne décolle verticalement. Et j'ai fait demi-tour. Et alors, comment ça décolle ? Il y avait du bruit ? Expliquez-moi le décollage. Le bruit, je ne sais pas. Si j'ai rien entendu. Tellement j'ai eu peur, je suis filé dans le chemin. 6 semaines après, je suis revenu sur le lieu du décollage, et j'ai trouvé par terre 6 objets métalliques comme ceci. Combien ? 6. Et vous êtes sûr que ça provient de la soucoupe ? Oui. Parce que ça peut pas être une personne qui dépose 6 objets métalliques comme ça sur un autre corps et puis qui s'en aille. D'accord. C'est pas possible. Et alors qu'est-ce que vous en avez fait ? Ben, je les ai ramassés et je les ai mis dans ma cave pendant 14 ans. Et alors pourquoi vous n'en parlez que maintenant ? Eh bien, à l'époque, quand on allait à la gendarmerie dire qu'on avait vu une soucoupe volante ou parler qu'on avait trouvé quelque chose, on était irrémédiablement enfermé dans un asile psychiatrique. Et vous savez ce que c'est ? Pas du tout. Bon, merci à M. Gâteau. Je crois qu'il exagère un peu, on n'était quand même pas enfermé systématiquement. Bon, mais cela dit, voici l'un des 6 morceaux. C'est bien ça, l'un des 6. L'un des 6 morceaux, oui. L'un des 6 morceaux qu'il a trouvé, que M. Nart nous a apporté. Alors, l'un de ces morceaux, M. Velasco, je crois que vous l'avez également, vous avez eu des morceaux comme cela entre les mains. Bon, enfin, tout au moins votre service, j'entends par là. Mais écoutez, à ma connaissance, je n'ai pas eu morceaux de cette nature. Et si aujourd'hui, effectivement, je constate que l'un de ces morceaux peut être présenté à l'analyse, eh bien, je serais ravi, effectivement, d'effectuer les analyses sur cette affaire. Je vais vous couper. En date de 1979, une lettre a été envoyée donc à l'ex-patron du GEPAN, qui était votre patron à l'époque, M. Esterle, faisant état, lettre signée par M. Hertz, M. Esterle, disant « Le premier examen de l'échantillon que vous avez envoyé conduit aux constatations suivantes, etc. etc. » Deuxième lettre, suite à une demande de M. Esterle, demandant de récupérer tous les morceaux de métal. Pourquoi ? Où sont-ils passés ? Troisièmement, une lettre qui a été faite suite à la réponse de M. Esterle, en réponse du groupe qui s'occupait de la recherche à M. Gâteau, où on dit « Nous vous remercions pour votre lettre du 3 août et votre diligence à procéder à l'analyse de l'échantillon premier. » Alors, que sont-ils devenus ? Moi, je pose la question au nom de M. Gâteau. On parle de la science après, au nom de M. Gâteau. Que sont devenus les échantillons ? Moi, je vous envoyais plus sur lettre recommandée. Il y en a combien entre les mains du... Monsieur Gâteau en a ramassé 6, en a fourni 5 à M. Guy Capet. Oui. M. Guy Capet. C'était le GEPAN à l'époque. Le GEPAN à l'époque. C'est ça, qui s'appelle maintenant, excusez-moi, le CEPRA. C'était le CEPRA maintenant, mais c'était le GEPAN à l'époque. Oui, oui. M. Velasco travaillait encore à l'époque, là-bas. Déjà là-bas, d'ailleurs. Oui, d'accord. Donc, ils ont disparu. Oui. Donc, le dernier témoin, c'est ça. Le dernier, c'est celui qui gêne le plus, parce que depuis, j'ai pas mal d'ennuis depuis que j'ai sorti ce morceau de métal. Pourquoi vous avez des ennuis ? J'ai eu des pressions. D'abord, d'un groupe qui s'appelle le BNEGU, je tiens à le citer, parce que ça a été une... Qu'est-ce que c'est que le BNEGU, excusez-moi ? Un centre national d'études de l'Europe ufologique de l'Est. Enfin, c'est quelque chose d'assez troublant, parce que ça c'est retraite. Privé, ça ? Très privé, oui. Oui, oui. Oui. Et là-dessus, donc, j'ai écrit diverses lettres à M. Velasco, qui ont envie de me répondre. Alors, chose troublante, j'envoie trois lettres recommandées. Je ne recevais même pas l'accusé de réception. Il a fallu que j'envoie une lettre. En passant par le directeur du CNES, dedans, il y avait une lettre pour vous. Et vous m'avez répondu ceci, M. Velasco. Donc, il y a des preuves comme quoi le GEPAN a bien reçu les dossiers à l'époque. Et vous m'avez répondu ceci. Suite à vos différents courriers dans lesquels vous sollicitiez le CEPRA concernant une affaire ancienne datant de juillet 69, donc c'est 74, j'ai une petite erreur, mais c'est pas grave, j'ai le regret de vous signaler que je ne puis répondre favorablement à votre question à ce sujet. C'est pas... Par ailleurs,
Je souhaitais également vous signaler que le CEPRA n'est nullement tenu dans sa mission d'ouvrir ou de rouvrir les dossiers qui n'ont pas fait l'objet de procès-verbaux officiels par le biais des autorités chargées de recueillir les informations relatives au phénomène, au cas d'observation des phénomènes. Alors, M. Velasco, je vous pose la question. Si vous dites que ce dossier-là, on ne peut pas l'ouvrir parce qu'il n'y a aucun groupement officiel qui s'en est occupé, que faisait le GEPAN à l'époque? Qui a fait les analyses à l'époque? Moi, je vous ai demandé qu'on rouvre les dossiers. Vous n'avez jamais voulu revoir le dossier. Écoutez, je n'ai pas retrouvé, je n'ai pas retrouvé dans les archives du GEPAN les résultats des analyses de ce morceau de métallique. Et vous ne me dites pas, vous me dites simplement que vous ne voulez pas revoir le dossier, c'est différent. Non, mais... c'est signé de main, dans la mesure, si vous voulez, où je n'ai pas retrouvé officiellement les documents relatifs à cette affaire. Ceci étant, aujourd'hui, vous m'apportez un élément nouveau, qui est un morceau métallique, qui pourrait fort bien faire l'objet d'une analyse et d'une expertise. Moi, croyez-moi, elles ne sont pas... Écoutez, ce que je peux vous dire, c'est que ce soir, je prends formellement l'engagement d'effectuer les analyses sur ce morceau métallique. Parce que le morceau de métal, c'est mon ombre, je le suis partout où il va. Ah bah écoutez, il y en a 5 qui ont disparu, pas que le 6e disparaisse aussi, c'est le seul qui reste. Bah écoutez, ce soir, je pense qu'il y a suffisamment de gens qui nous écoutent. Moi quand même, qui pourront prendre l'acte de cette... À l'époque, les 6 morceaux s'est passé devant FR3, il y a quand même 5 morceaux qui ont disparu. Mais il suffit de fractionner, ça veut dire. Exactement. Il suffit de fractionner, dit très justement, le fractionner, avec une logique absolue. Très précise, parce qu'on peut réchauffer le métal, donc ça peut changer certaines choses. Oui, enfin écoutez, là, je pense que vous allez trouver un modus operandi, n'est-ce pas, pour pouvoir traiter à bout de les caméras la prochaine fois. Mais cela dit, on est d'accord que vous allez tenter de faire des analyses pour savoir un petit peu d'où vient ce métal et s'il est parfaitement terrestre ou bien s'il y a quelques mystères en quelque sorte dedans. Absolument. Nous d'accord. Vous avez un morceau de quoi, monsieur, devant vous là? Ah ben écoutez, ceci est un morceau de métal qui était au départ un ovni. Oui. Il s'agissait... Ah, c'est un morceau qu'on vous a transmis par une gendarmerie, je suppose. Oui, absolument. C'est ça. Le canal habituel, si vous voulez, des témoignages fait que lorsque quelqu'un observe un phénomène dans l'espace, atmosphérique ou extra-atmosphérique, en fait, il va communiquer cette information à une brigade de gendarmerie. Alors là, qu'est-ce que c'est? Alors là, il s'agissait d'un phénomène lumineux qui avait été observé au-dessus de la Belgique en 1985. Oui. Et le lendemain matin, dans la région de Bourges, un agriculteur découvre ce morceau de tôle dans son champ. Et ce morceau de tôle, il le porte à la gendarmerie. Et en effectuant les analyses métallurgiques de ce morceau, on a découvert en fait qu'il s'agissait d'un morceau de réservoir d'une fusée soviétique qui s'était consumée en entrant dans l'atmosphère et qui avait provoqué un phénomène lumineux qui, pour les gens au premier abord, correspondait normal, oui, à un ovni et qui, en fait, après l'expertise et l'analyse, s'est avéré être un kilo d'un objet qui faisait sans doute quelques dizaines de tonnes. D'accord. Alors, Monsieur Clairbeau, vous avez analysé les témoignages, les milliers de témoignages, je dirais, belges, en concernant les phénomènes qui continuent encore, d'ailleurs, la vague, en quelque sorte, puisque je rappelle le titre de votre bouquin, c'est « Vague d'OVNI sur la Belgique », donc cette vague d'OVNI, et aujourd'hui, sans vous engager, je veux dire simplement, à travers tous ces témoignages, est-ce que vous considérez qu'il y a des choses qui sont inexplicables et inexpliquées? Absolument, mais je crois qu'il faut dépasser absolument le stade de la polémique. Oui. Et je crois qu'il faut aussi dépasser avant tout le stade du témoignage humain. Oui. Il faut aller au-delà. Oui. Il faut essayer de mettre en application toute la méthodologie strictement scientifique quand c'est possible. Pour ça, il faut avoir des idées, des propositions. Il faut intéresser la communauté scientifique. Il faut acquérir une crédibilité. Oui. Il faut engager les autorités. Ne pas leur jeter des pierres, comme on le fait d'habitude dans les associations, et leur soumettre le problème. Je ne dirais pas qu'ils vont mettre la pression, mais diplomatiquement, on arrive à résultat. C'est ce qui est arrivé chez nous. Oui. Nous avons un dossier de près de 20 000 pages de rapports d'enquête fait auprès des témoins. Nous avons affaire à un phénomène qui présente toutes les caractéristiques d'un phénomène original, c'est-à-dire des plateformes qui ont un aspect, en tout cas jusqu'à présent, apparemment matériel, et qui ne semble en tout cas être sans rapport avec un engin artificiel connu. J'insiste, la nuance est importante. Mm-hmm. Donc, quand on tient compte de ces observations qui sont extrêmement rapprochées, il ne s'agit pas de phénomènes comme le 5 novembre où apparemment c'était extrêmement éloigné, je parle ici de plateformes d'engins vues parfois à quelques dizaines de mètres, encore une observation il y a 2 mois, 6 mètres de distance, oui. En vol stationnaire. 6 mètres. 6 mètres de distance, en vol stationnaire, avec absence de souffle en dessous de l'engin. Quand vous avez un objet en vol stationnaire, que ce soit un avion, un hélicoptère, n'importe quoi, il faut qu'il développe une poussée verticale égale au poids de l'engin. Il n'y a pas de souffle remarqué. Hein, les arbres ne sont pas en balotage. Rien de tout ça. Donc, on a un phénomène qui est tout à fait original, qui sont les plateformes énormes, qui ont une épaisseur de 1 à 2 étages de maison, dans certains cas.
qui ont 20 à 30 mètres généralement de côté, qui sont bien fermés, qui ne présentent pas de carlingue d'ailes, qui ont des phares dans le dessous de cette plateforme, des phares d'un diamètre énorme, décrit comme ayant 1,50 m à 2 mètres de diamètre, et une espèce de gyrophare rouge au centre, caractéristique hautement étrange. Je crois que l'indice d'étrangeté est un indice important, dans le sens où il permet d'éliminer les phénomènes de confusion, par exemple. Et au niveau de ce gyrophare rouge central, eh bien, il y a un comportement qui est hautement étrange, qui quitte l'engin, un vol stationnaire, il quitte l'engin, parfois il se fractionne, et parfois il vient à quelques mètres des témoins. Ceci a été recoupé par des quantités de témoignages. Ceci sont des caractéristiques hautement étranges, il y en a toute une série, tout à fait inexplicables et incompatibles avec quelque chose de connu. Alors, pourquoi est-ce que cette enquête tout à fait remarquable menée par nos amis belges, pourquoi est-ce que finalement sur un certain nombre de phénomènes, parce qu'il y a eu des vagues comme ça en France, on en parlait avant l'émission, il y a eu plusieurs vagues, pourquoi est-ce que finalement ce genre de choses n'a pas été publié en France? Eh bien écoutez, parce que tout d'abord le travail que fait donc le service officiel n'est pas un travail qui reçoit une publication sous forme d'un ouvrage grand public. Si, vous avez déjà écrit comme Jean-Claude Bourg, j'ai écrit OVNI, la science avance. J'ai écrit effectivement cet ouvrage justement pour montrer au public le travail qui est fait au niveau du CNES, à savoir que parmi les phénomènes qui sont analysés, je dis bien les phénomènes, il y a essentiellement la perception d'un phénomène physique qui lui peut être interprété de façon totalement différente, des phénomènes à caractère psychologique ou psychosociologique pour lesquels nous n'avons pas forcément la même sensibilité. Notre travail consiste essentiellement à mettre en valeur des phénomènes à caractère physique, que sont tout un ensemble de phénomènes naturels ou artificiels. Vous attachez moins au témoignage humain. C'est-à-dire que le témoignage humain, il a, je dirais, à la fois des avantages et des faiblesses, en ce sens que lorsque vous faites, par exemple, une enquête judiciaire, vous vous rendez compte de la difficulté qu'il y a à prendre en compte le témoignage humain. Nous allons parler dans quelques instants. Monsieur Roussel, vous êtes déclenché à la suite de quoi? Qu'est-ce qui vous trouble dans l'attitude du CEPRA? D'abord, ce qui me trouble, c'est que d'abord le CEPRA minimise absolument toutes les données que possédait le GEPAN. Ensuite, moi je ne suis pas venu comme ça n'importe comment à faire un livre sur les ovnis. Je me suis attaché aux baskets, comment dire, du CEPRA, du GEPAN, depuis 1979. Oui. C'est-à-dire que j'ai suivi l'évolution de l'enquête officielle. Oui. Et puis j'ai constaté peu à peu la dérive de l'enquête officielle. Quand M. Clairbeau parle des ovnis qu'ils ont enregistrés à la SOBEPS, il oublie de dire une chose, c'est que son groupement n'est pas officiel. Oui. C'est un groupement fait de bénévoles, il y a des scientifiques de grande valeur, mais nous, en France, nous avons eu la chance d'avoir un groupement officiel représenté par le CNES. Quand M. Velasco parle du livre qu'il a effectué, c'est pas le livre qu'il a effectué au nom du CNES, c'est un livre qu'il a effectué avec M. Bourret à titre personnel. C'est-à-dire que les déclarations et les constats qui sont faits à l'intérieur de ce livre, le CNES ne les reconnaît pas forcément. Quand M. Velasco parle par exemple de Trans-en-Provence, il conclut par une analyse très intéressante. Trans-en-Provence, c'est l'histoire d'un monsieur qui voit un objet toucher le sol, une trace très importante se produit, les scientifiques s'occupent de cette trace, 39 jours après, mais c'est quand même une trace qui est intéressante scientifiquement, et lui, dans son livre, M. Velasco, il conclut, que conclure? Mon opinion, qui, je le souligne, n'engage que moi, est la suivante. Il existe dans notre espace des objets qui échappent à tout contrôle de la part des autorités civiles et militaires et qui utilisent des technologies dépassant les nôtres. Voilà ce que dit M. Velasco, témoin de l'enquête officielle. Peut-être pas un homme qui est contre les ovnis systématiquement. Ce que je veux expliquer, c'est que le CEPRA, dans la version officielle de la plaquette qu'il offre au public, voilà ce qu'il dit de cette affaire. Concernant la même affaire, conclusion, l'hypothèse d'une corrélation certaine entre le témoignage et les traces physiques observées est retenue, mais n'est pas vérifiable à 100%. Les résultats d'analyse du témoignage, de l'empreinte au sol et des analyses biochimiques n'ont pas permis d'aboutir à une conclusion catégorique sur la nature du phénomène. Ce cas reste l'un des rares phénomènes inexpliqués dans les annales du CEPRA. C'est très bien tout ça, mais pourquoi y a-t-il une telle différence entre M. Velasco, qui écrit un livre à titre personnel... Parce que c'est son opinion personnelle, et que là, c'est l'opinion du CEPRA. Eh bien voilà, vous êtes en train d'expliquer toute la différence qu'il y a. Le CEPRA, organisme du CNES, refuse d'accepter qu'il y ait, si vous voulez, des objets inconnus qui survolent notre atmosphère. Pourquoi il refuse? Je crois que c'est une question de moyens. Attendez, une seconde. Peut-être. Monsieur Grellet, parce que je ne peux pas l'oublier, Monsieur Grellet qui a lui aussi sorti un bouquin qui s'appelle Hypothèse extraterrestre, que j'ai là entre les mains. Monsieur Grellet, vous, en tant que pilote, vous avez donc vu
un objet qui vous a dépassé, c'est bien ça, qui a dépassé votre avion. Vous étiez dans quel type d'appareil ? Absolument, à deux reprises. Une première fois, j'étais second pilote, j'étais dans un Boeing 707 de la compagnie Air France, au sud de Rio de Janeiro. Oui. Et nous avons été dépassés par un objet que nous n'avons pas vu, mais que nous avons détecté au radar dès qu'il est passé par notre travers. Oui. Et nous avons pu très facilement, parce que c'est très facile au radar, mesurer la vitesse. Oui. Il y a combien ? Environ 4500 km/h. Je dis environ parce qu'il y avait les balayages successifs, mais pas tout à fait les mêmes. Mais est-ce que d'autres radars que le vôtre ont capté cet engin ce même jour ? Cette fois-là, non. Non. Et la deuxième fois ? Par contre, la deuxième fois, c'était tout à fait particulier, parce qu'au moment où j'allais appeler le radar pour lui signaler que quelque chose nous doublait par la droite à une très grande vitesse, c'est le radar qui nous a appelés et qui nous a dit « Que voyez-vous à votre droite ?» J'ai décrit ce que nous voyons. Et qu'est-ce que vous voyez ? Si vous voulez, oui, deux petites secondes, deux autres avions sont intervenus sur la fréquence pour dire qu'ils voyaient la même chose. Et alors, ce que nous voyons, c'était ça. Quelque chose qui ressemblait à trois billes métalliques qui auraient été très serrées les unes contre les autres. Et derrière, une traînée tout à fait curieuse, parce que nous étions en pleine nuit. Il était minuit en heure locale. Et cette traînée était lumineuse, éclairée par l'intérieur. Il y avait une espèce de structure grumeleuse, tout à fait particulière. Je n'ai jamais rien vu. Quelle vitesse ? À peu près, je dirais, la même vitesse, environ 4500 km/h, pour simplifier. Ce n'est qu'une évaluation. Par contre, il est certain que le radar qui, lui, avait les trois avions de ligne et ce phénomène en compte, a dû mesurer et très clairement. Vous dites a dû, pourquoi vous ne le savez pas ? Il a confirmé qu'il avait l'inconnu sur son scope. Il m'a expliqué pourquoi. Et une enquête complète n'a jamais été faite sur ce sujet ? Mieux, je suis arrivé à Los Angeles au retour, oui, que ça se passait au-dessus du territoire américain. J'ai immédiatement fait savoir que je me tenais à la disposition de la FAA, c'est-à-dire de l'équivalent du SGAC, de la, oui, la direction de l'aviation civile, oui, et que je restais 3 jours à Los Angeles. J'attends toujours la moindre curiosité. Monsieur Velasco, qu'est-ce que vous pensez de ce témoignage qui est bien connu ? Je me suis dit, vous avez eu le temps de l'étudier, de le regarder un petit peu. Qu'est-ce que vous en pensez de ce témoignage ? Bah, écoutez, c'est quand même assez sérieux puisqu'il n'est pas seul à avoir vu la chose. Ils sont deux autres avions et le radar du sol. Oui. Ce témoignage, je le prends tout à fait en compte, sachant que par ailleurs, un grand nombre de témoignages de pilotes sont tout à fait à retenir. Et il faut signaler que lorsqu'il y a une prise d'information par les radars, c'est un élément physique qui nous permet d'attester, dans certains cas, l'observation visuelle. Car tout problème qui est posé au travers des interventions de ce soir, on le voit bien, c'est un problème d'observation qui nécessite ensuite une perception d'un phénomène et ensuite l'interprétation qui en est faite. Et alors, monsieur, si vous le voulez bien, nous allons faire une démonstration. Nous allons faire une démonstration extrêmement simple. Nous avons été à la queue des Yvelines. Nous avons inventé complètement une manifestation. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune manifestation qui s'est passée à la queue des Yvelines. Nous avons simplement inventé, avec une voiture avec gyrophare, avec quelques balises, vous allez le voir, nous avons inventé un événement. Et vous allez voir maintenant ce qui va se passer à la queue des Yvelines, pays bien calme de la banlieue parisienne. Regardez. Du PC, on attend, on est sur place. Hein. On attend les instructions et on espère. Alors, monsieur ? Ça fait un grand vrac dans le ciel, vas-y. Les gens en parlent, ça fait. Ouais. Comment ça, un grand vrac dans le ciel ? Ben, un bruit, ça fait un bruit sourd, elle dit non, t'as l'air. Ouais. Un bruit sourd. Pardon ? Ça l'a réveillé, la dame. Mais fort, le boom ? Ben, il me semble bien que j'ai entendu un genre de boom, ouais, un genre de truc comme ça, mais. Non, j'ai pas prêté attention, quoi. Il n'y a pas eu un bruit, on nous a parlé d'un bruit, nous. Ah non, personnellement, vous savez, moi, la nuit, je dors. Hein, et je suis un peu dur d'oreille, alors. Moi aussi, je viens de l'apprendre ce matin, quand j'ai vu ça, je me suis posé la question, et puis j'ai demandé, on m'a dit que c'était un engin ou autre chose qui aurait atterri, mais quoi ? J'ai un ami qui l'a entendu, moi, il m'a raconté ça, mais il s'est passé vers 3h du matin. C'est pas l'heure qu'il était, mais je sais pas, j'ai pas regardé l'heure. Qu'est-ce qu'il a entendu ? Ben, un boum aussi. J'ai senti une odeur inaccoutumée, je peux pas dire. Vous voyez, je ne sais pas exactement quel genre d'odeur, mais une odeur que je n'ai pas l'habitude, ça n'a pas duré. Il n'y a pas eu de coupure, de saut d'image. Si. On a eu et même ce matin aussi, on a eu la lumière, l'image qui est partie deux fois.
Sur la télévision. Sur la télévision. Non, non, il n'y a pas eu de seule image. Parce que ça bouille les ondes, parfois. Par contre, il y a une coupure de courant là, sur la ligne. Il y a qu'une chose, j'ai vu pour la première fois une hirondelle qui arrivait chez nous. Je me suis levé, je me suis mis à la fenêtre. Et, ouais, je vous dis tout à fait par hasard, enfin, il faisait frais. Et j'ai vu des boules, je vous ai dit, mais ovales. D'abord rondes, mais enfin, prenez une allure ovale en filant. C'est pas un avion, ça bougeait pas. Avec un rayonnement intense. Et puis, quelques instants, j'ai dit aux copains, regarde, on a regardé. On s'est dit, en riant. Tu vois pas, c'est quand même quelque chose de surnaturel, enfin d'extra-naturel. Mais là, vous savez que c'est pas impossible qu'il n'y ait pas un truc qui s'est intérêt là. Hein. C'est tellement bizarre maintenant la vie. Hein. Mais oui, c'est bizarre. C'est bizarre. Nous remercions Madame le maire de la commune de la Queue des Yvelines pour sa collaboration et son accueil. Mais je voulais, non pas conclure, parce qu'on ne pourra pas conclure, mais je veux dire par là que, à la fin de ce débat, il est vrai, je comprends très bien que l'on doute parfois du témoignage humain parce qu'il est très fragile et que vous l'avez vu, en provoquant simplement un petit événement, on déclenche d'un seul coup, d'un seul, l'imaginaire. Et comme nous sommes tellement heureux d'imaginer qu'il pourrait y avoir quelqu'un d'autre que nous dans cet univers immense, bien entendu, nous espérons qu'un jour, il se manifeste, qu'il nous parle, qu'il nous réponde. Et c'est vers ce vœu que nous tendons tous. Donc il est certain que nous devons prendre tous nos témoignages avec beaucoup, beaucoup de prudence. C'est normal. Mais je voudrais simplement une dernière question et on conclut et on se quitte. S'il vous plaît, est-ce que quelque part, au fond de vous-même, est-ce que malgré tout, vous croyez qu'il y a des engins qui sont apparus dans le ciel du monde et dont l'apparition était inexpliquée? Il semblerait qu'il y ait effectivement des cas qui attestent la présence de phénomènes physiques qui ne soient pas aujourd'hui interprétables. Explicables. Monsieur Clairbault, même conclusion? Oui, ce qui est certain, c'est qu'il faut absolument mettre en œuvre, et jamais une association ne pourra le faire civile s'il n'a pas le concours des autorités, de la communauté scientifique. Il y a par exemple une approche possible avec la photosatellite, d'accord, avec des unités d'intervention. Donc, merci. Monsieur, même conclusion. Moi, je vous conseille de lire l'annexe de mon livre et vous verrez les rapports qui n'ont pas été étudiés par le CNES. D'accord. Et vous allez comprendre. Monsieur Nart, monsieur Gallet, merci mille fois.